Thank you.
We'll be right back.
Nouvelle journée du Crown Championship, les Global Series, en compagnie de Lyra. Salut Lyra. Bonjour Vas, comment vas-tu? Ça va très bien. Écoute, je suis très content de t'avoir avec moi pour cette nouvelle journée qui s'annonce passionnante. Exactement, oui. Aujourd'hui, bonjour à tous d'ailleurs et bienvenue. On va se retrouver donc pour ce récapitulatif de cette phase 3 avec un bon nombre de... Exactement. Alors on vous a contacté plein de matchs. Donc c'est des matchs que vous avez peut-être déjà vus, hein, d'ailleurs. Mais là, voilà, on vous a pris le meilleur du meilleur des matchs des Français. Évidemment, on va parler de Nems, on va parler de Donkey Kong, et puis aussi un petit peu de matchs des autres joueurs, puisqu'il y a eu aussi des matchs parfois décisifs, hein, puisque le classement, voilà, c'est 8 personnes, mais il y a eu des allées, des retours, etc., des tensions parfois dans le classement. Donc voilà, on vous a contacté un petit programme assez sympa. On va vous commenter tout simplement eh bien, les matchs que l'on considère parmi les meilleurs donc de cette Absolument. Phase 3 du Crown Championship. Voilà, donc avant tout ça, on va un petit peu vous récapituler eh bien, l'organisation justement de ces quatre phases du Crown Championship. Donc quatre phases. La phase 1, t'as essayé toi la phase 1? Tu t'étais inscrit? Non, honnêtement non. J'estimais que j'avais pas le niveau, on va dire. Donc la phase 1 qui était une phase ouverte, on vous le rappelle, à tout le monde, hein, pendant plusieurs jours. En fait, ouais, il y avait des dizaines et des dizaines de tournois qui avaient été organisés. La phase 2, donc ça c'était déjà un petit peu plus intéressant. Donc c'était le meilleur des joueurs de la phase 1. Donc il y a eu plusieurs streams, j'ai eu l'occasion d'en faire un d'ailleurs. Et donc à l'issue de cette phase 2, bah, la phase 3. La phase Absolument. 3, voilà, donc qui a ce qu'on vous a commenté déjà depuis plusieurs semaines, et ce qu'on va vous recommander aujourd'hui, on va faire le récapitulatif, donc de cette phase 3 qui a duré du 10 au 25 juin. Trois semaines exactement, trois jours pour nos Français et pour tous les autres joueurs de la zone européenne. Et donc, les six joueurs à l'issue de cette phase 3, les six premiers joueurs sont donc qualifiés pour la phase 4, et on les connaît d'ailleurs. Hein, Il n'y a pas de surprise. Mais par contre, et vous le voyez, on a mis un petit décor par rapport aux autres fois. Il y a un drapeau ici. Hein. Il y en a partout. Hein. Puisqu'il y a deux Français effectivement qui sont qualifiés, on vous rappellera ça, hein, Donkey Kong notamment et Nem Sensei qui sont qualifiés, donc super, franchement super, bravo encore les gars. Ouais, un beau parcours, ouais. Ouais, super parcours, des matchs vraiment de qualité, on les a vus, on les a revus et on va évidemment vous remontrer les meilleurs moments. Alors on va regarder si tu le veux bien le prize pool. Oui bien sûr, voilà, donc, faisons un petit zoom sur ce prize pool. Petit zoom, alors je te laisse commenter justement le prix que vont remporter les joueurs. Un très beau prix d'ailleurs, hein, faut le préciser, puisque vous voyez que le premier va quand même emporter 15 000 $, le deuxième 10 000, le troisième 6 000, le quatrième 5 000, du cinquième au sixième 4 000 et du septième au huitième 3 000, donc des très belles sommes. Et c'est des super sommes, hein. Voilà, on a plus l'habitude de voir des fois des cash prize de 4-5 000 euros. Là, ah oui, même, là ils ont mis le paquet. Là ils ont mis le paquet, c'est-à-dire concrètement que le septième et le huitième, c'est-à-dire les deux joueurs qui sont éliminés de cette phase 3, hein, eh bien ont déjà empoché 3 000 $. Donc Absolument. Ils repartent pas des mains vides. Oui, non, c'est... Oui. Voilà, parce que c'est un beau petit cadeau quand même. C'est un beau petit cadeau, et puis il faut dire quand même, c'est vrai que on a vu ces matchs. Le 7e et le 8e de la phase 3, ils ont perdu, etc. Mais quand même, avant, ils ont, entre guillemets, même indirectement, éliminé des milliers de joueurs. Ah oui, bien sûr. C'était des phases qualificatives qui étaient quand même monstrueuses, il faut c'était, le dire. Enfin, c'était c'est vraiment, voilà, ouais, c'était beaucoup, pas 50 beaucoup personnes, joueurs. C'était, ah non, des, c'était milliers, des milliers de joueurs. si ce n'est d'ailleurs des centaines de milliers. Oui. C'est amplement mérité, évidemment, d'avoir ces 3 000 $ au moins, oui, pour le perdant. Et puis donc 15 000 $ pour le premier, en espérant que ça soit ou Nems ou Donkey Kong. Évidemment, un français, ça serait bien. Ça serait top. On vous rappelle que les phases 4, évidemment, sont la semaine prochaine. Donc aujourd'hui, les phases 3. Et justement, on va regarder eh bien, le classement à l'issue de ces phases 3. Et regarde ce petit classement intéressant. La surprise. La grosse surprise. Donkey Kong. Alors, une petite précision quand même. Oui, je pense qu'il faut le préciser. Il faut quand même, ouais, le préciser. Donc, Donkey Kong sur le classement que vous voyez est premier. Sachant qu'en fait, il y a eu après un tie-break entre Donkey Kong et Surgical qui a permis de dire que c'est Surgical qui réellement est sorti premier de ces phases 3. Oui, parce qu'en fait, ils ont le même nombre de victoires et de défaites. Donc, il fallait les départager, évidemment. Exactement. Voilà. Donc, comme je ne sais pas si vous vous rappelez,
mais on avait vu, nous, un tie-break entre, enfin, plutôt bas de classement. Et ben, il y a eu un tie-break qui s'est joué après, entre Donkey Kong et Surgical. Mais quand même, dans notre cœur, Donkey Kong est premier avec 6-1. Oui, 6-1. On va dire ça. Ah, oui, quand même, tu t'imagines devant Surgical. Allez, on va considérer que la les deux joueurs sont même à égalité. La super classe. Et puis donc, Nems, notre français, qui est, lui, troisième avec 5 victoires, 2 défaites. Ouais. Donc, bah, c'est justement ces défaites contre Surgical et contre Donkey Kong. Donc voilà, il a perdu contre les deux qui oui, sont avant lui. Qui sont devant lui. Donc finalement, bon, voilà. C'est une petite ça consolation. Reste quand même un très beau parcours. Ouais. Et justement, en parlant de notre ami Nem Sensei, du français, eh bien, on va donc reparler de quelques-uns de ces matchs. Mais avant ça, je vous propose de revoir une petite, de voir ou de revoir d'ailleurs une petite vidéo de présentation de Nem Sensei. Donc voilà, vous verrez que c'est un joueur qui est assez discret. Ah oui, très discret, très discret. Voilà, c'est un joueur qui est extrêmement concentré. Donc on l'avait reçu. Hein, je ne sais pas si tu as. Oui. Je suppose que tu as oui, regardé. Oui, bien sûr. La toute première évidemment. Fois, voilà, on avait reçu notre ami Nem Sensei qui, bah voilà, qui nous avait dit tout simplement, je pars super gagnant pour cette phase 3. Un gros mental pour un joueur qui finalement est assez jeune. Hein, il est en train de passer son bac. Ah oui, bien sûr. Oui, il est très jeune, très très jeune. Voilà. Ça fait boum. Et donc d'ailleurs, c'est un joueur toi que tu connais sur la scène. C'est un joueur qui fait des super ah résultats. Ah oui, bah il est constamment présent. Il est toujours sur scène pour toutes les compétitions françaises ou internationales. Il est toujours présent. Un très gros joueur de la Team Vitality au passage, il faut le préciser. Oui. Et non, c'est vraiment vraiment un gros pilier, un rock comme on dit. C'est il un gros est souvent pilier là et il joue très bien. Il joue très bien et d'ailleurs ce qui se passe c'est que sur le papier on peut considérer, je dis bien sur le papier, on peut considérer que Nems est en fait un des favoris avec Surgical pour cette phase 3. Oui, oui. Alors ça c'était au début de la phase 3 jusqu'à temps qu'on voit éclore l'arrivée de Donkey Kong qui est un petit peu arrivé, je dirais pas de nulle part parce qu'il le mérite amplement, mais voilà, c'est un joueur qu'on connaissait moins sur la scène comme on connaît Nems qui a donc comme tu le disais très tout justement fait. Lyra a fait plusieurs scènes. Voilà, même s'il a l'habitude, il connaît la pression, il sait ce que c'est que d'avoir devant lui, même en live, des dizaines de personnes, voire des centaines de personnes. Alors imagine-toi un petit peu sur Internet, broadcasté dans le monde entier, parce que là, on le répète, hein, évidemment, on est en France, on voit le broadcast FR, mais il faut savoir que ce que vous voyez là, bah, y a ça en Espagne. Dans voilà. toutes les langues, en espagnol, en anglais, en turc. Voilà, donc t'imagines la pression qu'il a Nems. Et puis voilà, Nems, il nous disait, je pars confiant. Il nous avait même dit, Surgical, c'est un joueur que je connais très bien, que j'ai gagné plusieurs fois. Il peut avoir le dessus, Nem. Après, ce qui est bien chez ce joueur aussi, c'est cette surprise. Je trouve qu'il joue pas des decks comme tout le monde, vraiment. Oui. Il a cette particularité et c'est ce qui peut créer la surprise chez Surgical, en fait. Surgical, qui est très habitué à voir souvent les mêmes decks, on va dire, dans les métas du moment. Et Nem, il arrive à créer la petite surprise chez Surgical, justement, qui peut le déstabiliser. Et lui faire prendre l'avantage. C'est toujours la chose la plus importante dans Clash. On s'en est rendu compte, notamment dans cette phase 3. C'est qu'on a grosso modo deux choix. Hein, si on doit faire un gros raccourci, c'est-à-dire soit on se sélectionne dans ces plusieurs slots, on sélectionne 3, 4, 4 decks voilà, qu'on sait, ils sont très très bons et puis on se les prend comme ça à la volée. Ou sinon, on fait comme Nems qui sait créer la surprise et on le reverra d'ailleurs. Donc, dans ce résumé dont je vous propose de regarder cette petite vidéo de présentation de Nems qu'il a réalisé là-bas à Los Angeles. Hey. Eh ouais. My name is Victor. I live in France and my name in game is Nems Sensei. I am perfectionist because when I do something in my life, if I just fail a little of this thing, I will just repeat the thing to make it really perfect. I can play the piano, the guitar. I'm pretty perfectionist when I play piano too. Like if I fail just one note in a whole piano song, I will just start again from the beginning. It's because I really hate to fail something. I think that you are never really alone when you're listening or playing music. There's like something that makes me forget all the problems. So I prefer to be alone because it's just better.
Like, I don't really like when there's too much noise. I just really love the silence. Like, silence is also a kind of music that can carry you away. I also like writing stories, like fantasy story. Just help you to think of other things, and it just carry you to another land, to another planet. I think in Clash Royale, it's very important to be perfectionist. I just want to be the best and to be a model for everyone, like playing my own deck, playing my own style. Even in competition, it's really important to deserve the title. That is the most important thing for me. Voilà notre ami Names, tu as vu ce petit reportage intéressant? Oui, c'était sympathique, on en apprend un petit peu plus sur lui, je trouve ça très intéressant parce que c'est vrai que, comme je disais tout à l'heure, en fait, il est vraiment dans sa bulle, Names, il est très concentré, très perfectionniste aussi, il l'a précisé. Donc vraiment, on en apprend un petit peu plus sur lui, sur la musique, tout ça. Donc oui, voilà, c'est agréable. Bah oui, c'est un musicien, un écrivain. Quoique maintenant, en le voyant remplir son petit agenda, j'ai l'impression qu'il remplit son Death Note, là, et qui note tous ses futurs adversaires de la phase 3. Et du coup, de la phase 4, puisqu'il est qualifié. Alors, je vous propose justement, et je te propose, Lyra, de regarder, de re-re-regarder le match contre Beryn. Donc, c'est un des matchs qu'on a sélectionné, Nem Sensei contre Beryn. Vous allez voir, on a sélectionné 3 matchs de Nem Sensei. Beryn, un Allemand extrêmement fort, la seule personne qui a réussi à battre Surgical Goblin, donc ça place déjà un homme, la grosse surprise, il est super fort Beryn, et donc je vous propose de regarder ce duel Nem Sensei Beryn, à voir ce que ça a donné, à voir les decks un petit peu qui ont été utilisés. C'est ça. Et regarde, les deux joueurs qui étaient placés sur scène. Moi je trouve ça agréable en fait, c'est une petite ambiance un peu cocooning je trouve là-bas. Bah ouais, bah depuis qu'il y a les chaises, ça fait moins cocooning je trouve. Oui c'est vrai, c'est vrai. Là ils étaient quasiment l'un à côté d'autre. Allez c'est parti. Donc Nems qui est en haut et Beryn qui est en bas. Nems qui part sur un deck on va dire assez classique avec Sorcière de la Nuit et Bourreau. Oui c'est assez classique, alors je dirais plus que Beryn a un deck un peu plus classique quand même hein. On part sur du classique méta actuel avec les trois mousquetaires, du bélier. Alors l'utilisation du mineur est pas souvent là, c'est vrai, dans les decks trois mousquetaires aujourd'hui. On a souvent le sort de soin aussi qui revient, bon là en l'occurrence il y est pas. Donc un deck assez agressif pour Nem finalement, beaucoup plus agressif que celui de Beryn qui est beaucoup plus gourmand on va dire en termes d'élixir, avec évidemment un extracteur. Bien joué, dit-il. Et il a raison, hein, Beryn, de dire bien joué, parce qu'il sait que Nems, et tu viens de le dire très justement, Lyra, Nems, il nous le disait d'ailleurs, lui-même, c'est un joueur très, voire trop agressif, Nems qui est tout le temps en train d'attaquer. Quoique ici, je le vois quand même un petit peu, tu vois, il attend d'avoir son élixir 7, 8, 9, il attend d'avoir 10 élixirs notamment pour placer son attaque. Oui, c'est le cas des deux joueurs. Tu vois, il temporise les deux joueurs ici, on a vu un Nems qui est parfois plus agressif, il place ses petits squelettes, la Night Witch, et là c'est reparti. Bah, il attend surtout que son adversaire pose son extracteur d'élixir pour essayer d'envoyer une petite salve agressive. Pour essayer d'envoyer, regarde ce petit poison. Exactement. Extrêmement bien placé. Alors là, c'est un poison hyper efficace puisque ça englobe l'extracteur d'élixir, la tour et puis malheureusement pour Beryn. Ah oui, c'est tout bénef là. C'est gobelin, ouais, là c'est tout bénef. Hein. Voilà, exactement. Il ressort de tout ça avec un demi-gobelin à lance qui va quand même faire son petit dégât. Alors, faut savoir aussi que, alors je sais pas si c'est forcément le cas à 100%, mais je pense que sur le peu de cartes que Beryn a pu dévoiler jusqu'à présent, Nem sait déjà qu'il va se retrouver face à du 3 mousquetaires, enfin en général. Je pense qu'il le sait déjà. Et c'est une donnée qui est aussi hyper intéressante à dire, c'est que Nems, de son propre aveu aussi, dit qu'il connaît absolument tous les decks de ses adversaires. Ah oui, il étudie, réétudie tous les decks. Donc il sait que Beryn, à un moment ou un autre, va lancer son triple mousquetaire. Et regarde cette attaque de Beryn à droite avec le bélier qui ne va pas taper malheureusement. Ouais, ouais. La tornade qui a mais tout regarde, sauvé. La petite mousquetaire qui est derrière, mine de rien, elle fait ses petits dégâts tranquillement. Ouf, et bien se faire tranquille. Bah, c'est vrai que le deck 3 mousquetaires, en fait, si Nems Sensei n'arrive pas à gratter en early game, en fait, le late game va être un petit peu compliqué pour lui parce que bon, l'extracteur il a eu de la chance, il a réussi à le gérer, donc l'avantage en élixir est pas forcément présent, mais c'est vrai que le deck 3 mousquetaires, si tu construis ton push en late game, ça fait extrêmement mal, vraiment. C'est vrai, là on voit quand même que Nems arrive à bien défendre, il n'a plus absolument quasiment aucun dégât. Par contre du côté là ça gratte, hein, du côté bas droite de Beryn, on voit la tour qui est à 800 points quasiment. Et oui c'est ça, voilà. C'est ça. Il va forcément se défendre contre les push 3 mousquetaires, en plus il a quand même le bourreau tornade, ce qui est quand même un bon combo pour les 3 mousquetaires. Oui. Et le poison aussi, hein.
Parce que mine de rien, ça peut faire extrêmement de dégâts. Ah, et le poison peut faire extrêmement de dégâts, ça peut réussir à gratter pas mal de tours, ça peut réussir à défendre. On l'a vu ici, hein, à un moment, Nems qu'il a mis au niveau du bridge. Voilà, la petite bûche qui est derrière, bref, voilà, il gratouille, ça poisonne, ça bûche. Ouais, ouais, bah c'est le but de son deck, de toute voilà, façon. Voilà, il y va tranquillement, Nems, et il se presse pas. Ouais, on a vu, comme je disais, un Nems plus agressif, mais ici, il a un deck qui se prête plus à l'attente, plus à... Voilà, il y va tranquillo, s'il gratte au fur et à mesure de la même manière, et puis ça descend du côté de chez Perrin, jusqu'à peut-être la victoire. Ça, on va savoir ça. On va savoir ça. Dans 2 minutes 28. On vous laisse peu de surprises. Mais il faut dire que Nems, ça fait quand même des matchs excellents. Oui, 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 absolument. Ouais, regarde cette belle tornade qui permet de faire reculer tout le monde et les petites chauves-souris intéressantes. Ouais, cette Nightwitch, hein, toujours présente. Ah, ouais. Hein. Je pense que c'est une des cartes les plus jouées du moment. Alors aussi avec la voleuse qui revient en ce moment dans la méta. Mais c'est vraiment les deux cartes les plus jouées du moment, je trouve, dans tous les decks. Avec le bélier aussi, mais c'est vraiment ouais, des cartes qui sont constamment là. Quoi. Vraiment. Et là, ça se termine. Et alors, je ne pense pas me tromper en me disant ça. Il me semble que ce match-là, parce qu'on a eu tellement de matchs, il me semble que ce match-là était avant l'update de le nerf, peut-on dire, de la Nightwitch. Oui, je donc vois ce que tu veux dire. On voit 4 chauves-souris, voilà, en fait. Voilà. Pour le coup, je dis, il y a beaucoup de chauves-souris quand même là. Et effectivement, mais c'était, ça en fait c'était des juste avant le nerf. Donc c'est ça ouais, qui est intéressant aussi. On a vu ça. Et c'est pour ça qu'on ne voit pas de voleuse d'ailleurs. Oui, tout à fait. Exactement. Tout à fait. Donc c'est pour ça que, si tu veux, on a vu. Pendant tout ce tournoi, pendant ces phases 2, ces phases 3, etc., plusieurs stades de la Witch. Donc à un moment, on a vu personne qui l'a joué parce que les gens l'avaient débloqué mais hésitaient encore à la jouer. Ensuite, on a vu des gens qui l'a joué et elle n'avait pas encore été nerfée. Puis ensuite, on a vu des gens qui l'a joué quand elle avait été nerfée. Donc on a absolument vu l'évolution de la Night Witch. C'était assez marrant. Et là, c'est, bah, finalement, ça l'a aidé, Nems, ici, cette Night Witch, qui bien est intéressante. Sûr, on a sûr vu à un moment 5 ou 6 chauves-souris qui sont, ah, mais cette qui Night sont Witch descendues est, sur un tour de Perrin. Est vraiment une, c'est vraiment une très grosse carte. Allez, c'est voilà une des meilleures légendaires en ce moment, je pense. Enfin, va-t-il vraiment l'utiliser d'ailleurs va-t-il l'utiliser pour son deuxième match qu'on va regarder tout de suite. Donc deuxième match, Nems Sensei Perrin pour ce BO3. Donc on rappelle évidemment un BO3, hein, le principe c'est que le premier joueur à 2 points gagne. Donc exactement, si Nems gagne deux ce match gagnantes, il gagne, voilà, deux manches gagnantes, tout à fait, il gagne ce match contre Perrin. T'as vu, ils s'installent, ouais, ils s'installent Perrin tranquille, voilà. Perrin qui est à ses jambes, Nems qui est un petit peu sur le côté, un petit peu recroquevillé dans sa bulle, comme tu me disais. Exactement. Donc, voilà, mais c'est ce qui lui, c'est vraiment ce qui lui porte chance finalement d'être dans sa bulle, parce que il a un taux de concentration juste énorme. Il arrive à vraiment. Et tu vas voir que Donkey Kong dans sa manière est aussi très concentré. Ça m'étonne pas. Mais on verra ça un petit peu plus tard. Donc Nems qui a un petit peu changé son deck. Hein. Il y a du géant qui est apparu. Oui, du géant cimetière. Oui, il le joue très bien d'ailleurs. Donc. Et en bas, regarde, ce qui est intéressant, c'est que le deck, c'est le même. Et oui, il a gardé son deck Perrin. Donc là, il a pris un pari, le pari de dire bah, je garde même, on va voir ce que Nems va faire. Absolument. Et donc, bon, il peut, c'est un deck qui fonctionne très bien, hein, le 3 mousquetaires. Hein, donc, c'est vrai, donc il s'attend peut-être à ce que Nems place tout à coup un deck qui soit pas très bon parce qu'il dit ah bah voilà, Perrin, du coup, Perrin va changer de deck, donc moi je change le mien aussi. Oui. Voilà, Perrin a pris ce pari de garder le même deck. Pourquoi pas, regarde cette belle agression à gauche avec le bélier qui sera stoppé, qui va quand même cogner, mais sans le boost. Bah, l'électro sorcier ouais, permet de bien ralentir les troupes. Et c'est vrai que le reset hyper avantageux évidemment. Et là voilà, Nems Sensei qui va construire son premier push avec le cimetière. Et c'est parti, le géant qui est ciblé par la tour, le cimetière qui fait le travail derrière. Alors ça va gratouiller, mais. Ouais, mais pas tant que ça, hein, finalement. Gratouilloter, on va dire. Hein. Pas tant que ça, ouais. Premier push pas trop réussi. En plus, il fail son poison, là, on vient de le voir. Alors il fail pourquoi on précise juste qu'on voit qu'il touche à peine, mais il la touche pas, malheureusement, la pompe de Perrin qui est en plein milieu. Mais ça s'est joué à. Ah oui, un micro-millimètre, c'est vraiment. Micro-millimètre. Énorme. Mais en tout cas, pour l'instant, voilà, les deux joueurs sont grosso modo à égalité. Ils ont fait leurs petits dégâts chacun de leur côté. Une pompe de chaque côté, mais quand même un avantage pour Nems avec sa pompe qui est toute fraîche. Et Perrin qui pose aussi sa pompe. Alors, l'avantage que peut avoir Nems Sensei, c'est que les decks géants, en fait, se cyclent très rapidement. C'est des decks qui, si tu gères bien ton élixir, c'est constant, vraiment. Tu envoies des géants tout le temps et c'est ce que va certainement faire Nems Sensei. Je ne sais pas, c'est la surprise évidemment. C'est vrai qu'on a des cartes qui ne coûtent pas très cher. La c'est ça, pas très cher, exactement. Le squelette ne coûte pas très cher. Donc ça permet effectivement de cycler assez rapidement. Et il a une pompe. Rapidement. Il a l'extracteur, donc forcément à un moment donné, il va, je pense, submerger un peu son adversaire. On va voir ce que ça donne et on va voir comment Perrin va se défendre face à ses agressions. On remarque quand même, d'ailleurs c'est assez drôle mais assez logique en même temps, que Perrin a placé sa pompe en bas à droite. Il s'est dit tout à l'heure, j'ai failli me la faire poisonner, donc cette fois-ci il la met en bas à droite, comme ça il a pas pris de risque.
Et j'ai pas pris. Je regarde le géant de Nems qui, ouais, ça fait mal, hein. Qui fait ses dégâts. Et ça croque et ça croque. Et là, c'est solide avec l'électro sorcier qui est derrière. Et là, Perrine. Qui va finir la tour, voilà, tout simplement. Il ne peut absolument rien faire, hein, de ce côté gauche. Mais regarde quand même à droite. Ça craque aussi à droite. Oui, bah, il va prendre la tour, je pense, à droite. Et puis après. Et le bébé à gauche, attaque de partout. Alors, ce qui est quand même dingue, c'est que Berin ici a un gros avantage. Hein. Je pense que là, là, au vu des tours, enfin, ouais, il a quand même un très gros avantage. 633 PV sur la tour de Nem, alors que Nem a tout à faire de l'autre côté. Mais bon, il joue cimetière. Nem a tout à faire. Mais voilà, exactement. Il joue cimetière, c'est-à-dire qu'à un moment ou un autre, si l'attaque est très très bien placée, très exactement. Bien coordonnée, et bien en quelques secondes, tout peut se finir. Regarde, Berin. Et c'est peut-être ce qui va se passer d'ailleurs. Peut-être ce qui va se passer, on va voir. J'ai bien l'impression. Dégâts. Mais et regarde non, quand même, finalement, Berin, non. Eh oui, Berin. Ah, pas grand chose, ah, vraiment pas grand chose. Bah, pas grand chose. Disons que je pense que Berin s'est dit je vais jouer le tout pour le tout sur la tour oui, de bah, gauche. Oui, il a eu raison. Voilà, je pense qu'il se doutait qu'il allait se prendre un cimetière à un moment voilà. donné. Donc il s'est dit bon, bah moi je renvoie mon mineur, il n'y a pas de souci, j'envoie la sauce de l'autre côté. Et il a eu raison, vraiment. Et on voit que ça a bien fonctionné cette fois-ci pour Berin. Donc c'est intéressant parce que juste avant le match, on disait bon, alors attention, Nems a changé de deck, Berin a gardé le même. Est-ce que ça a justement mieux fonctionné pour Berin maintenant qu'il a un deck? Il a le même deck, mais disons qu'en face, c'est un deck complètement différent. Donc, que va faire Nems? Peut-être que Nems, lui, s'est dit avec son deck, je suis encore plus fort, donc là, je vais l'avoir. Bref, voilà, dans la tête des joueurs, ça se bouscule. Oui, oui, bah, ça se c'est à celui qui va prendre le même deck ou pas, finalement. On se demande toujours, est-ce qu'il va prendre le deck avec lequel il a gagné ou avec celui avec lequel il a perdu? Pour le coup, c'était le cas pour Berin. Donc, ouais, c'était vraiment la petite surprise. Et puis, bon, bah, finalement, le deck 3 mousquetaires l'a emporté ici. Voilà, tout à fait. On se rend compte d'ailleurs eh bien, que Berin est très, très fort. C'est ce que je disais. Berin ah, oui, est extrêmement oui, bon joueur. Bon il égalise contre Nems. Et donc, ça nous remet un petit peu de tension dans ce match. Et je vous propose d'ailleurs de regarder eh bien, le troisième et dernier. Dernier match, donc Berin, Nem-sensei. Nem-sensei, Berin, dans le sens que vous voulez. Match décisif en plus. Alors match décisif, tu t'imagines un partout. Tu t'imagines un petit peu dans la tête des joueurs. Bah la pression, c'est ouais, une pression qui finalement se lit pas forcément alors, pas sur leur tout. Visage. Hein, Berin qui est tout le temps comme ça, qui a tout le temps son petit regard un petit peu tranquille, on l'a vu dans d'autres matchs, un petit peu tranquillou. Et puis bon, Nem qui lève pas les yeux, c'est parti, et regarde-moi ces decks. Et ouais, Nem qui repart sur son premier deck finalement, avec le fameux mineur poison grattage et son combo bourreau tornade. Et du coup, Berin qui ne change toujours et pas. Voilà. Berin, si ça a marché une fois, bah, ça a peut-être marché une deuxième fois. Alors, si on repart sur le même schéma, finalement, que la première game qui s'est déroulée, c'était l'avantage pour Nem. C'est vrai, c'est vrai. On voit ici que le poison a bien marché. Bah, Berin, qui a partout du nation, qui continue à passer son extracteur d'élixir devant la tour. Mais bon, encore faut-il savoir que Nem avait son poison, évidemment. Et donc Nems qui part tranquillou à l'attaque, voilà. Alors est-ce qu'on va revoir un Nems plus agressif? Est-ce qu'on va voir un Nems qui va essayer de gérer comme il l'avait fait dans le match, dans le premier oui, match? Je pense que ça va faire la même chose parce que... Alors là on a une charge ouais. du bélier qui passe à bonne droite, bon, droite. Géré par la Nightwitch, tout va bien. Mais c'est vrai que Nems ici en fait il a un deck assez particulier puisqu'il a du grattage mineur poison, donc du classique, de l'agressif. Et à côté de ça il a quand même un bourreau tornade pour de la défense justement sur des grosses agressions que peut lui porter Berin. Et du coup, on remarque qu'il n'a pas réellement de tank dans son deck. Donc c'est du pur grattage, mais en même temps, avec, comme tu le disais, de la défense. Et il a de quoi encaisser les push de son adversaire. Et c'est ce qu'il a fait tout à l'heure sur la première game. Finalement, il a encaissé et défendu les push ouais, pour finalement renvoyer son mineur poison et gratter au fur et à mesure. Tout à fait. Donc un coup, ça marche. Un coup, ça marche pas. Mais là, on voit quand même, j'ai l'impression que Nems, dans cette partie, même en le revoyant... est quand même plus tranquille, voilà. On voit même dans la façon dont ils lancent leurs cartes, le temps qu'ils prennent pour lancer leurs cartes, ouais, etc. On voit même le type de jeu, on dit là, il va essayer de gérer tout simplement, et comme tu dis, bah, ça se prête très bien effectivement à ce deck qu'il a. Regarde le petit grattage du mineur à gauche qui est parti, et Berin, tu vois, qui gratouille, ça c'est un petit peu sa spécialité aussi. Et oui, l'avantage du mineur, hein, c'est vrai, comme je disais, en fait, aujourd'hui, sur la méta actuelle, le mineur est remplacé par la voleuse. Mais le mineur permet de, voilà, de gratter et d'être sûr de pouvoir gratter, sauf si évidemment il est counter avec des petites troupes comme des squelettes, ou du gang de gobelins évidemment, mais ça permet de gratter, c'est une source sûre on va dire. Regarde-moi ce petit comment on appelle ça, ce petit esprit de glace qui est là, et de mémoire je crois que même ça a été dans cette phase 3, je dis bien dans cette phase 3, un des premiers à utiliser l'esprit de glace, tu vois, l'esprit de glace mine de rien qui a ah, ralenti il fait le bélier à gauche. Oui, il fait le taf, ouais, ce petit esprit de glace, je trouve. Bien, bah, c'est un truc pas cher du tout, et ça permet, bah, voilà, des fois en défense de stopper une grosse attaque, ou même en attaque justement d'accompagner une ou deux troupes pour aller attaquer. Et bah, on peut le voir ici, hein, une bonne utilisation donc de l'esprit de glace par Nems, et Nems qui a l'avantage. Et ouais, là, évidemment, on voit le schéma classique du 3 mousquetaires avec deux mousquetaires d'un côté. On les split évidemment derrière la tour du roi. Exact. Et on l'accompagne, la mousquetaire seule, en général, on l'accompagne avec le fameux bélier.
pour réussir le push. Mais là, en l'occurrence, Nem se défend parfaitement. Et regarde en bas, ça gratte avec le poison, ça gratouille avec la bûche, il en profite pour accompagner évidemment tous les gobelins. Et là, bah, on peut se dire grosso modo que c'est terminé quand même, hein. Le pauvre Bérine, ah oui, on n'est pas à portée de bûche. Et regarde, c'est en clair, haut, mais regarde bon, le poison de toute façon. Je pense que Bérine avait des regrets d'ailleurs, tu vois, il avait l'air un petit peu énervé. À la fin, oui, on a senti une petite. Parce qu'il disait que je pense qu'il y avait de la place, ouais, une crispation, une petite frustration, un mélange des deux. Parce ah que oui, je pense si tu regardes bien la tour du haut de Nems. Et ah, il reste plus grand chose. Ouais, hein. Il reste, plus, il reste 200, vraiment plus 260 points à peu alors, près. Quasi à portée de poison finalement. Donc oui. C'est vraiment très peu. C'est, ça s'est joué à vraiment pas grand un cycle, chose. Un cycle ce qui est de poison. D'ailleurs. Un cycle de poison. Et c'est ce qui a finalement mieux fonctionné chez Nems, qui lui aussi a cyclé son poison, a mis une petite bûche. Et puis comme ça, il arrive à gratouiller. Mais je pense que c'était ce qu'il y avait à faire contre Bérine. Moi, j'aime bien aussi. Et j'aime bien Bérine, et on le verra dans d'autres matchs d'ailleurs. Bérine, il peut te lancer une carte tout d'un coup, complètement de l'autre côté, qui vient gratouiller. Donc, Là, c'est vrai qu'il y a aussi la construction du deck qui faisait que, parce que là, c'est vrai qu'on est sur du 3 mousquetaires, donc ça aide au split justement et à l'attaque sur les deux fronts, ça c'est sûr. Et puis on a vu aussi qu'il n'a pas changé de deck pendant ces 3 games, il a gardé le même deck. C'est donc vrai. C'est un risque à prendre. Et je pense que c'est peut-être ce qui lui a fait défaut sur son BO3. Et ça, c'est assez rare, parce qu'on a plein de joueurs qui, on l'a vu hein, dans cette phase 3, plein de joueurs qui gardent, on va dire, un deck fétiche, qui remettent assez souvent, mais d'un match à un autre. Tandis que des joueurs qui jouent le même deck dans un même BO3, les deux fois ou les trois fois, bon, les deux fois à la rigueur, ça peut mieux s'entendre, parce qu'on est fort, on se sent bien. Oui, voilà, mais c'est alors, ça. Trois fois, c'est... Voilà. On sait, on ça, a perdu une fois. On a... Voilà, donc c'est vrai que Bérine, il s'est dit, bon, la première fois, j'ai raté, la deuxième fois, j'ai gagné, donc il était plus dans un élan positif, on va dire, avec ce deck. Il s'est dit, bon, ça vaut le coup que je le redise une troisième fois, mais quand même, c'est assez risqué, c'est un petit coup de poker de la part de Bérine, et ça n'a pas marché malheureusement. Exactement, ouais. Exactement, je pense que la diversité, on va dire, de Nem Sensei lui a plutôt porté chance ici. Alors c'est vrai que ouais, pas de bol sur son deck géant, finalement c'est les deux mêmes decks qui ont fonctionné, hein, oui. Parce qu'on regarde, il a pris en fait en troisième game le premier deck qu'il avait utilisé, oui. donc finalement, voilà. Ça a été, il a joué là, voilà, il a voulu changer, ça n'a pas forcément fonctionné, puis finalement la source sûre. C'est ce qui s'est passé, mais voilà, Nem, si de toute façon il était dans cette phase 3, il est dans un élan plus que positif, hein, on sait qu'il a gagné, il a gagné pas mal de matchs, il en a gagné 5, il en a perdu 2, et justement, en parlant de perdre 2 matchs, on va regarder, désormais on va revenir sur Nem Sensei contre Donkey Kong. Ah. Alors ça c'est un match intéressant à plus d'un titre, pourquoi ? Parce qu'on avait, découvert que Donkey Kong était extrêmement fort, et puis c'est un match entre deux Français, donc on s'est dit qu'est-ce qui va se passer, il va y avoir plein de choses intéressantes. On était ici en semaine 2, si je ne m'abuse, je pense qu'on était en semaine 2. Et Nems, donc, qui commence face à Donkey Kong, le duel franco-français. Alors là, c'est un peu le duel au sommet. Donkey Kong qui fait une énorme surprise. Et puis Nems qui est considéré comme le meilleur joueur avec Surgical de cette phase 3. Mais donc c'est on ça, dit, oui, ouf, exactement. Ah, ça va cogner. C'est vrai que comme tu l'as dit tout à l'heure, on va pas dire qu'on ne l'attendait pas là, puisqu'il a fait un très beau parcours, tout à fait, évidemment. Tout à fait. Mais c'est vrai que on attendait. Enfin. On connaît plus Nem Sensei, ça c'est sûr, donc on se dit que Nem Sensei va confirmer qu'il peut être considéré comme le favori sur cette game. Et finalement... On va voir. On va mais voir. Oui, mais de toute façon, on sait hein, évidemment que Donkey l'a emporté face à Nems, mais on va voir de quelle manière, est-ce que c'était 2-0, est-ce que c'était 2-1. Bref, on va vous laisser découvrir tout ça et regarde la petite voleuse. Alors évidemment, c'est pas un match qui avait lieu juste avant l'autre, hein. Il y a eu plein de matchs entre-temps. On était d'ailleurs dans une autre semaine puisque Nems n'était pas là et Donkey Kong était sur le plateau. Donc tu vois, on a eu des fois des duels à distance, on ouais. va dire. Donc c'est un petit peu l'inverse. Hein. Donc entre-temps, il y a quand même une semaine qui s'est écoulée, voilà, les joueurs ont réfléchi, etc. Bref, il y avait quand même pas mal de petits changements et on voit donc la voleuse du côté de Nems. Ah bah oui, oh, la foudre, l'arrivée regarde, de la voleuse hein, qu'on voit très souvent aujourd'hui. Et Nems qui attaque en géant. Moi j'aime bien, je suis fasciné par la foudre de toute façon. Regarde-moi ce P.K. Regarde-moi ce P.K. Et le P.K. qui se fait plaisir en défense, mais quand même le géant qui tape, hein, il a tapé 3-4 ouais, fois. Ouais, quand même. C'est pas mal, plus le petit, je crois que c'est un esprit de glace qui était juste derrière. Et la tour de Donkey qui descend hein, dans les mines. Hein. Et pour l'instant, on peut dire que Nems a plus ou moins l'avantage. Attention quand même à ce P.K. en contre-attaque. C'est vrai que en fait, ce P.K. Va être bien pour la défense du géant. Mais ce qui
ce qui va être pas mal pour Donkey Kong, c'est que finalement, pas mal pour Namsensei, c'est qu'il peut faire voyager le P.K. Le P.K. va évidemment focus une troupe terrestre. Oui. Et l'avantage du géant, c'est que c'est quand même une carte assez tanky qui va pouvoir faire voyager. Mais bon, là, je pense que c'est plus l'objectif en fait de Donkey Kong, c'est pas forcément de faire amener le P.K. sur la tour, c'est plus de faire charger le bélier. Regarde-moi le bélier. Qui jouait P.K. bélier. Et donc voilà, il va défendre les agressions de Namsensei avec son géant, et donc il va poser le P.K. Oui. Il va le poser son mal pour justement défendre ce géant. Et du coup, il va tout simplement gratter la tour avec ses charges de bélier. Un petit P.K. défensif, regarde le pauvre P.K. qui se retrouve sous les gargouilles. Et derrière, je sais pas si tu as vu, mais ce qui fait énormément de boulot aussi, c'est ce petit gobelin à Sarbacane. Ouais. Et justement, et c'est la deuxième fois que Nems, d'ailleurs, il me semble que la boule de feu va pas taper le bélier là. C'est la deuxième fois que Nems utilise une boule de feu uniquement pour le gobelin à Sarbacane. Bah, c'est vrai qu'on se dit que bon, c'est quand même un gros sort de défense pour pas grand chose quoi. C'est une boule de feu. Alors là j'avais pas vu ce fail, j'ai bien l'impression que c'est un fail, la boule de feu qui a tapé le gobelin sans taper le bélier. Ce qui est un petit peu dommage. Bon, le bélier a été géré après, mais quand même, ça devient chaud pour Nems qui descend sous les 600 points ici. Et Donkey Kong, ça commence à être un peu critique. Ça fait longtemps que Nems a pas mis un dégât à Donkey Kong. Hein. Bah c'est ça en fait, finalement chaque push de Namsensei avec son géant va être contré et défendu par ce P.K. qui sera là constamment, et finalement après le contre-push ça va être l'envoi justement du bélier, et c'est comme ça qu'il va gratter au fur et à mesure. Bélier P.K. attention, le bélier qui passe derrière, joli, il est stoppé juste avant avec une petite zap, mais quand même ça descend tellement bas que Donkey peut finir avec sa petite foudre. Donc voilà, Donkey justement qui est tout calme, il est tranquille. Bah, il est content, mais il a tout à fait raison d'être content parce qu'il se dit bon, première game gagnée contre un Français qui est favori ouais, avec Surgical de cette phase 3, enfin de ce groupe européen des phases 3. Et voilà, et Donkey dit oh bah finalement la victoire, on peut pas dire que c'était une victoire facile, mais c'est une victoire qui a été amenée d'une manière assez logique, comme on a pu voir quasiment un petit peu avant avec Nems et Berin, où Nems avait un cycle comme ça d'attaque qui continuait. Si tu regardes bien, bah Donkey finalement a fait à peu près toutes les mêmes attaques. C'est à peu près ça. Il a défendu ses attaques, en fait, il a défendu tout simplement les attaques de Nems. Ouais. Et puis bah, le géant n'a pas touché la tour, enfin peu. Au tout début. Et puis finalement, après, le cycle était posé et il a réussi à défendre ses agressions à chaque fois, et les charges du bélier qui ont fait la différence sur cette game. C'est fou, tu t'imagines pour Nems se dire ah, j'ai pas fait de dégâts, il a pas fait de dégâts, je sais pas, pendant peut-être une minute ou si ce n'est plus. La tour de Donkey qui est restée à 1097 je crois de points pendant très longtemps, et donc il pouvait faire ses petites attaques tranquillement. Lyra, je te propose de regarder tout de suite le deuxième match. Deuxième match donc, Nems Donkey Kong, deuxième match de ce BO3. Est-ce que Donkey Kong va mettre un 2-0 à Namsensei, ce qui serait extraordinaire? Ce serait extraordinaire en effet. Et alors regarde bien, allez, je peux déjà te dire, je vais te teaser un petit peu, il va se passer quelque chose d'assez étonnant, on va dire, surtout de la part de Nems. C'est parti. Donc regarde bien, il lance des petites archères. Là, je me rappelle très très bien de ce match. Il lance sa méga gargouille. Il lance son géant. Très agressif, hein, on peut le voir. Hein. Et il lance sa réplique. Il met 4 troupes en push. Direct. Et regarde en face. La triple mousquetaire qui est là, et donc il bang. Il défend. Mais alors, qu'est-ce qui se passe? Et du coup, en contre-attaque, on va avoir une triple mousquetaire, plus évidemment, alors, Donkey Kong, il est maxé en élixir, et là, il va pouvoir amener tout ce qu'il veut sur la tour. Et regarde le bélier, la triple mousquetaire, le gobelin Sarbacane, et regarde la vitesse à laquelle descend la tour. Boum. En fait, c'est du ping-pong de tour, quoi. C'est un ping-pong de tour, et là, n'importe quel coup que Menems sera détruite. La petite goleuse qui lâche. Et là, regarde la vitesse. C'est un 3 couronnes expéditif, quoi. Et alors ça, et là c'est le match peut-être dont je me rappelle le premier Donkey Kong est même limite étonné. C'est surpris, limite étonné en fait. Est-ce qu'on va voir la célébration de Donkey Kong? Oui, on la voit, la petite célébration. Bien joué, mon Donkey. Oui, alors, ça, c'est un match, peut-être le match dont je me rappelle le mieux. Je sais que le deuxième match... Ah, c'est surprenant en même temps. J'ai pas spoilé, c'est super surprenant. On a un premier match qui est serré. On va le dire, il est serré, même si absolument. Donkey, on l'avait dit, est sérieux dans ses attaques, etc. Mais c'est un match qui est quand même serré, on arrive aux 3 minutes, etc.
on se dit, bon, le deuxième match, Nems a perdu son premier match, il va se réadapter, changer de deck, qu'est-ce qu'il va faire? Mais on ne pensait pas qu'il allait faire un push comme ça. C'est super étonnant. Ah oui, non, là, pour le coup, bah, en fait, alors, ce qui n'est pas surprenant, en revanche, c'est le push, le premier push de Nems-sensei. Puisque Nems-sensei, comme il l'a dit, est très agressif, peut-être parfois trop. Et c'est ce qui lui a d'ailleurs coûté la game ici, parce qu'il s'est pris un contre-push des plus magistrales, avec ce 3 mousquetaires, la construction du push bélier, etc. etc. Donc finalement... ça a été expéditif. Expéditif, et puis ce qui est très étonnant, enfin, je dirais pas que c'est très étonnant, mais disons que Donkey Kong a eu des conditions plus que favorables pour faire sa contre-attaque. Disons qu'il est, il est sorti de sa défense, donc il avait une tour en moins, certes, mais il est sorti de sa défense. Il avait encore sa triple mousquetaire, et surtout il était maxé en élixir. Oui, c'est-à-dire qu'il s'est laissé juste les mousquetaires. Voilà. Finalement. Donc, il a laissé ses mousquetaires défendre, il s'est laissé prendre sa tour, on peut le dire, mais il s'est dit derrière, l'idée que j'ai, bah, c'est de faire une super contre-attaque de la mort. Et il a eu raison. Ce qui s'est passé. Et puis, si tu veux, bah, ce qui s'est passé, c'est que bah, Nems, c'était, on a l'impression quasiment qu'il était complètement dépassé. Bah, en fait, oui, il était submergé par les troupes de. Voilà, de et puis après, ce qui s'est passé, c'est que Donkey Kong avait je sais pas combien de troupes différentes, peut-être 4 troupes différentes. N'importe quelle troupe qui allait mettre Nems en défense allait se faire manger par la triple mousquetaire. Ah oui, complètement. En fait, il n'y avait aucune défense à faire. C'était impossible. Nems pouvait absolument rien faire. Le dash de la petite voleuse aussi qui passe juste derrière sur la tour du roi. La voleuse, et ouais, voilà, non, là c'était un 3 couronnes vraiment finalement mérité parce que en soi il a pris un gros risque, Nems-sensei, quand même en début de game. Et puis bon, voilà, c'est pas passé malheureusement. Les 3 couronnes d'ailleurs, on n'en a pas vu beaucoup. Hein. Là, je pense que c'était un des 3 couronnes les plus expéditifs quand même. Il me semble qu'on a vu c'était très très rapide quand même. Là, c'était hyper rapide. Et je vous propose d'ailleurs de regarder le troisième match de Nems-sensei, le troisième match de ce récapitulatif spécial Nems-sensei. Contre Royale. Alors Royale, c'est un joueur roumain qui a fait forte impression dans cette phase 3. Il n'a pas fait des scores exceptionnels. Il a terminé, je crois, 4e sur 8. Mais quand même, ce qui est déjà pas mal, surtout vu le reste. Mais disons que Royale a créé plusieurs fois la surprise. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de sélectionner ce match parce qu'on a, deux joueurs très très bons. Et puis, pas tout le temps les mêmes, tout le temps voir Surgical, etc. Non, on s'est dit, on va regarder un petit peu d'autres joueurs. Et donc, notamment ce Royale, ce joueur roumain. Alors là, ouais, ce qui est intéressant, c'est que on a du PK donc face au Golem, qui est une très grosse défense. Parce que le PK fait très mal. S'il a en plus une tornade avec peut-être un bourreau ou du dégât de zone, ce serait un gros avantage pour Royal. Alors là, la surprise que Nems-sensei nous fait, c'est ce cimetière avec le golem. Quand même. T'as vu ça un peu. Et c'est pour ça aussi que j'ai sélectionné ce match, c'est pour voir un peu de la manière dont Nems gère son golem. Voilà, comment il l'utilise. Voilà, qu'est-ce qu'il a à faire avec. Alors t'as remarqué que PK de Royal est encore vivant. Et après, il n'arrivera pas à toucher la tour, je pense. Mais ça va être un petit peu difficile. On va voir ça. Le sorcier électrique de la part de Nems. Ah, j'aime bien ça. C'est surprenant quand même. Hein, ce deck golem cimetière. Assez surprenant de la part de Nems, mais bon, surprenant, mais d'un sens, voilà, c'est pas si surprenant que ça, étant donné que c'est Nems-sensei, donc voilà, on sait qu'il aime bien jouer des decks assez surprenants, et des decks surtout à lui, hein, comme il l'a dit dans sa présentation, donc bon, on va voir ce que ça donne. La petite Night Witch lancée directement sur le bridge, et avec ça, petit cadeau, le cimetière. Alors je sais pas si tu vois, mais... en fait, je sais pas si j'arrive bien à voir. Oui. On avait un poison défensif, non, de c'est la un part poison de Royale, défensif, il me semble. Tout à fait. Oui, oui, oui. Bah oui, parce que sinon, on serait beaucoup plus mal. Pour le coup, pour la pauvre tour de Royale, c'est un poison défensif. Et finalement, ce poison défensif gère pas mal, hein, je trouve. Hein, le cimetière, c'est quasiment lui tout seul. Counter de ce voilà, ici, Royale, il se repose quasiment que sur son poison pour défendre le cimetière. Donc c'est plutôt pas mal. Regarde la petite voleuse encore une fois. Et on arrive dans le temps extra. Alors, regarde les tours de Nems-sensei qui n'ont pas un seul PV en moins. C'est juste hallucinant. Quoi. C'est énorme. 2534 pour les deux. On est full life. Mais d'un autre côté, on sent quand même que c'est difficile pour Nems-sensei sans son golem d'attaquer. Donc là, on va voir ce que va donner justement cette attaque golem, voir si ça part un petit peu mieux. Regarde le petit cimetière qui est lancé derrière. Oh, la charge du bélier, attention. Oh, ça passe pas joli. C'était bien tenté quand même. Il a essayé, mais il a quasiment rien fait. C'est toujours le petit poison, là, ça ne suffira pas ici. Boum. Et là, c'est terminé. Regarde cette petite Night Witch qui continue son travail. Le golem. Bah, c'est vraiment la surprise au cimetière en fait. C'est assez surprenant, c'est vrai qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir un cimetière dans un deck golem, on a surtout l'habitude de voir du golem foudre en fait, le classique. Alors aujourd'hui avec la Night Witch et la voleuse, là en l'occurrence c'était surtout avec la Night Witch, mais c'est vrai que ouais, assez surprenant ce choix du cimetière en fait dans ce deck. C'est peut-être ce qui a malheureusement fait défaut à Royal, parce qu'avec un PK, ça aurait pu passer en c'est fait. C'est vrai.
Mais bon, là, en l'occurrence, la surprise du cimetière a fait la différence. Et c'est, comme tu le disais encore une fois, une des forces de NEM, c'est que tu peux commencer un match, tu ne sais pas à quoi t'attendre. Non, c'est ça. C'est que souvent, dans les compétitions, on a l'habitude de voir les mêmes decks, les joueurs qui utilisent des decks de méta actuels, en fait, qui se font à la méta qui sort au fur et à mesure. Et finalement, NEM, c'est un petit peu... l'électron libre, on va dire, c'est ouais. Celui qui, voilà, il y a d'autres joueurs un peu comme lui, hein, mais c'est vrai qu'il a un style particulier, et voilà, c'est ce qui fait la différence à chaque fois, c'est l'utilisation de ses propres decks et de ne pas partir sur une méta commune, finalement, que tous les joueurs utilisent. C'est vrai, exactement, et si on devait faire une rapide différence avec Surgical, disons que Surgical, c'est davantage peut-être s'adapter à ce qu'il voit. Oui, voilà. Surgical sort aussi des decks dont ne sait où, mais il sait très bien s'adapter, il sait la force de quelle carte, il dit si je rajoute telle carte à la place d'une autre, ça va mieux défendre, etc. Et c'est sa force. Tandis que l'avantage aussi de NEMS, pourquoi pas, c'est que ça peut être un truc complètement sorti derrière les fagots, d'un moment à l'autre. J'attends de voir du géant squelette. Hein. pourquoi pas. Allez, on passe à la deuxième game, justement, de NEMS contre Royale. Donc NEMS qui a gagné la première, on va voir s'il va l'emporter 2-0 face au joueur Royale qui n'était pas non plus sur place. Hein. Donc NEMS qui était tout seul sur sa petite chaise. Ça fait moins cocooning hein, tout de suite. Non, ça fait moins cocooning. En plus, il est dans l'ombre et tout, ça fait un peu joueur de l'ombre. Allez, NEM-sensei, Royal, deuxième match de ce BO3. On rappelle un NEM-sensei qui a terminé à 5 victoires et 2 défaites, c'est énorme. Oui, très beau parcours pour NEM-sensei, évidemment. Voilà, ces deux défaites sont quasiment... Et du bouliste. Alors, est-ce que ça va être du bouliste cimetière? Moi, je t'avoue que j'ai pas vu la game, donc ça va être une découverte avec petite toi découverte. Ici. Et regarde en face, le golem. Oui, c'est du cimetière. Voilà, c'est encore du là. Cimetière regarde le cimetière qui est lancé à gauche, le bouliste qui est lancé à droite, et le petit golem de glace aussi lancé de la part de Royal. Bah oui, ça tanque la tour, donc c'est très bien, parce que là, les squelettes du cimetière peuvent gratter la tour. Alors, jolie bûche, évidemment. Heureusement, d'ailleurs, sinon ça aurait été problématique. Et NEM qui repart, je pense, sur son même deck golem cimetière. La méga gargou. De la part de NEMS. Et donc là on arrive voilà. Sur la tour, boum. Et regarde par contre la petite tornade. Là cette fois-ci elle est bien mue la tornade et déclenche la tour du roi. Voilà le petit move qu'on connaît tous. Hein. Voilà, utiliser la tornade pour attirer le golem, pour attirer le hog rider, voilà, pour attirer quelques petites cartes qui viennent croquer la tour du roi. Et donc du coup Royal, est-ce que ça va être un avantage justement qu'il ait cette fameuse tour du roi en défense? Logiquement oui, parce que sur un cimetière, réveiller le roi, c'est quand même un sacré handicap parce que le roi va défendre évidemment les petits squelettes en plus de la tour. Donc en général, c'est pour ça d'ailleurs que les gens qui jouent cimetière, enfin les joueurs qui jouent cimetière, essaient de gratter le plus possible la tour et partir sur la tour opposée pour essayer de gratter un maximum sans la tour du roi en défense. Exactement. Donc là on va voir si on va voir ce que ça va donner. Alors là, NEMS qui n'est pas du tout dans la même configuration d'avant, hein, il a du mal à gratter, c'est plutôt Royal qui a vraiment un gros avantage. Ah bah là, en fait, la surprise de NEMS c'est qu'il a le cimetière quand même. Mais sinon, Royal partait sur le gros counter classique du deck Golem Foudre. Là, bon, en l'occurrence, c'est un cimetière qui crée la surprise, donc il peut gratter en plus NEMS, mais quand même sur le match-up, Royal a un sacré avantage ici. Alors, je sais pas si tu as vu cette attaque, mais là par contre c'était l'attaque foudre, l'attaque foudre dans le sens de l'attaque. il a quand même mis plus de 1400 points je crois de dégâts. Grosse attaque de la part de NEMS ici, gros push à une minute quasiment de la fin. Énorme, et il part tout de suite avec son golem, la tour de gauche est une grosse difficulté pour NEMS. Ouais. Elle tombe d'ailleurs. Alors je ne sais pas si Royal a sorti son poison ou pas encore. Voilà, là il met son poison défensif sur le cimetière de NEMS. En plus de sa tour de roi, donc exactement. Là c'est vraiment une... Voilà, il veut vraiment détruire ce cimetière le plus vite possible. Donc là ce qui est dommage en fait c'est que il a... En fait, ce qui aurait été bien pour Royal c'est d'esquiver au mieux l'explosion du golem sur la tour. Ouais. Et donc l'avantage de la tornade, du bouliste évidemment, c'est que ça va reculer et donc faire des dégâts de zone, même sur les golemites, etc. Et ça aurait été bien qu'il ait une Nightwitch en défense. C'est vrai que ça aurait été vraiment bien, mais... Alors là, il part en agressif directement corner chez son adversaire, direct Royal. Avec le bouliste en corner, plus la mousquetaire. Et Royal qui du coup reprend l'avantage. On s'était dit, bon ça y est, NEMS a égalisé, une tour partout, ça va être grosso modo à égalité. Et le bébé dragon. Alors là, voilà. Il n'avait pas encore sorti son bébé dragon, je crois, il me semble. Et donc là, on va avoir les effets bénéfiques du combo bébé dragon tornade, hein, puisqu'on va avoir les dégâts de zone. Qui la va se faire tornade. Et du coup l'explosion peut-être du golem qui va être évité sur la tour, voilà, ce qui est plutôt pas mal. Et là ouais, l'agression du cimetière,
le poison en voilà. Plus. Cimetière. Et là, du coup, bah, Royale qui est un petit peu en difficulté, mais Royale quand même la tourne de cimetière en haut à 450. Oui, voilà. Il en va fait, là, voilà, il refait son push et c'est bon. Que va-t-il faire le bouliste? Et non, Royale le bouliste, il a tiré par le sorcier électrique du bouliste. Oui, mais il tente de tirer, mais ça tombe quand même. Et regarde ça, égalisation. Et oui. De Royale, t'as vu un petit peu ces matchs, c'est aussi pour ça qu'on vous a sélectionné ces matchs, évidemment sur les 7 matchs il y en a des super intéressants, mais on pouvait pas toujours montrer non plus, on va pas faire oui, tous les matchs, c'est une sélection, mais c'est quand même intéressant de voir, comme, et c'est aussi ce qu'on disait, ouais, juste la crème, et Royale en fait partie de cette crème, je dirais que Royale en fait partie parce qu'il a vraiment montré un beau visage dans cette dans ce match, on va dire, et donc bah voilà, on voit ici que Royale égalise, je dirais une égalisation méritée parce qu'il a tenté la chose, il a tenté de mettre un bouliste, il a été très agressif après, à la fin avec ce bouliste en corner. C'est un gros counter quand même. Hein. Enfin, faut savoir que là, Royale jouait quand même le counter de base en fait du golem foudre. Ouais. Là, en l'occurrence, il y avait quand même une petite surprise avec le cimetière, donc oui. Ça pouvait déstabiliser Royale. Mais bon, il avait quand même une bonne base. Je pense quand même qu'il avait un petit avantage sur ce match. Bon, après, comme je dis, le cimetière. Ça aurait pu faire la différence. Nem aurait très bien pu gratter la tour. Et ça s'est joué à pas grand-chose, ah oui, finalement. Bien sûr, là, encore une fois, il y a plein de matchs comme ça. On a vu hein, depuis assez le début de cette CCGS ouais, et qui sont super tendus jusqu'à la fin. Quelques centaines de points sur une tour et puis finalement, c'est le tour qui part. Bref, il se passe pas mal de choses. Et donc, direction eh bien, le troisième match de Nems contre Royale. Eh oui. Match décisif. Le 1 partout. Pour le français, à voir... S'il le gagne, oui, on sait qu'il le gagne, mais à voir comment. Allez. On va voir s'il y a des changements de deck, hein, finalement. Donc, score car bien, 30 secondes, hein. 30 secondes. Royale, je pense qu'il repart sur le même deck, avec son cimetière poison. Voilà, le cimetière qui est posé, la Nightwing sur la tour, où ça risque peut-être de tomber très vite. Alors, le poison défensif de Nemsensei, heureusement, parce que ça aurait pu faire très mal. Là, on a le golem qui passe de l'autre côté, accompagné avec la méga gargouille. T'as vu, le golem est passé tranquille, il continue son chemin. Et regarde la petite tornade, et regarde ce qui se passe ici. Ça, c'est très intéressant. Et je me rappelle aussi très bien de cette move ratée de Royale. Il a mis la tornade sur le golem, mais il l'a mal placé. Et le golem eh bien, n'a pas touché la tour du roi. Et ce qui s'est passé, bah, tranquillos. Regarde, t'as vu ça? Punition directe. Ah oui, la punition. Punition directe. Et là, la tour de gauche qui part en quelques secondes. Après, c'est un risque aussi hein, de tornade le golem. Parce que, encore tornade un mineur ou un cochon, ça peut passer. Mais c'est vrai que tornade un golem sur le roi, c'est assez. C'est un risque aussi parce que ça entame pas mal la tour du roi et aussi. Oui, ça fait beaucoup de dégâts. Un golem qui était en plus quasiment full exactement. Life. Hein. Il avait exactement. Quasiment full. Allez, alors là, Royale, il se dit, bon, voilà, là, ça va être un petit peu difficile. Les deux tours d'en face, bon, il y en a une qui est assez endommagée, mais grosso modo, ça tient le choc. Là, que vais-je faire? Que vais-je faire, ce bah, Royale? Il faut que son cimetière passe, en fait. Royale n'a pas le choix, là, pour le coup. Il faut que son cimetière passe et qu'il reparte à un partout, finalement, une tour partout. Exactement. Hop, ce qu'il essaye de faire, c'est avec le cimetière. Alors là, bon, ça me fait bah, dommage d'avoir... Lancer ce cimetière là alors qu'il y avait la Nightwitch de Nems qui est encore sur place. Exactement. D'ailleurs on se rend compte que la Nightwitch a défendu à elle toute seule quasiment. Certes il a envoyé le golem de glace mais c'était pas extra à mon avis. Il aurait pu attendre un tout petit peu pour lancer son cimetière. Tu vois le push en plus de Nemsensei comme je disais en fait. Hein, il a mis un boulist et une Nightwitch et finalement le golem a rien fait. Regarde les PV qui sont partis sur la tour en bas à droite. Très peu. Donc finalement Royale a de quoi défendre. Maintenant voilà, il faut qu'il arrive à toucher son push aussi et à faire passer sur le cimetière poison. Également. Et là c'est très bien, on regarde l'aspiration des troupes ennemies sur au niveau de la tour de Nemsensei pour justement favoriser les dégâts de zone et donc donner mettre des dégâts sur les troupes mais en plus sur la tour de Nemsensei. Très bien joué aussi. Et là, 12 secondes de la fin, elle sait que c'est terminé pour lui. D'ailleurs, il a mis une petite icône, good game, je crois. Là, il sait que c'est terminé. Et Nems, regarde, on voit Nems quand même dans son attitude qui était. Allez. Oui, pas si serein. Ah, ça, ouais, il était pas si serein, on le voit, il est ouf. Bon, j'ai gagné, chouette, je monte. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il va essayer de chercher ses petites lunettes. Tu te rappelles peut-être de ce petit. Il les cherche et cherche, il les trouve pas. Et regarde comment il fait. Ah oui, alors attention, là, c'est assez. Boum! Voilà le petit dab pour terminer. Ah, le petit dab, finalement, ok. Alors, on s'est posé la question. On s'est dit, est-ce que c'est préparé? D'après Trapa, quand on commentait ce match. Tu penses que c'est préparé?
Ah, d'après lui, c'était préparé. Parce que la façon dont il les cherche, au début, je me disais, oui, c'est vrai, sympa, on sent un une petite préparation, mais genre, mais où sont mes lunettes, mais que se passe-t-il? Oui, c'est vrai que ça peut être très préparé, ouais. Ça m'étonnerait pas en plus. Ou peut-être s'attendait-il à perdre contre Royale? Je ne pense pas quand même. Peut-être. On savait sur le papier, de toute façon, que Nems était plus fort que Royale, mais je pense que quand même que Nems a dû voir que Royale était quand même assez costaud. Et puis bon, de toute façon, il doit le connaître quand même. Surtout que son deck bouliste au cimetière a dû lui faire peur, évidemment. On l'a vu sur l'une des games. Il avait eu l'avantage, donc je pense que c'est ça aussi, le fait qu'on a vu quand même son visage pas si serein que ça à la fin de la game. Donc il a certes gagné, mais on a senti c'était pas forcément gagné à 100%, donc il s'est battu. Il s'est bien battu d'ailleurs. Il s'est bien battu. Alors on voit que ça accroche. Et puis, alors, comme vous disiez, c'est pas le seul match où ça a accroché comme ça. Il y a eu beaucoup de 2-0, mais il y a eu beaucoup de 2-1. D'ailleurs, on en a vu plusieurs aujourd'hui, juste pour Nems. Parce que ça accroche. Les joueurs jouent le tout pour le tout. On est, et on vous l'a dit assez souvent, d'ailleurs, on est dans un BO3. Donc un BO3, t'as pas trop le choix. Si t'as perdu la première, il faut absolument gagner la deuxième. À la rigueur, un BO5 où, tu te dis, si je fais une erreur, je peux encore essayer de me rattraper après, mais si je refais une erreur après, je peux encore me rattraper. Il y a différentes manières de se rattraper. C'est vrai que le BO3, c'est assez... C'est fatal, hein. Malheureusement, c'est fatal, deux victoires et c'est fini. Donc bon, l'avantage, c'est qu'on a vu quand même beaucoup de 2-1, donc c'est pas mal. Ça permet quand même de la remontada, comme on dit. Donc c'est plutôt agréable à voir. Mais c'est vrai que ça peut être très expéditif avec un 2-0. Ça peut être expéditif. Et puis tu t'imagines, alors là, c'est tout le parcours psychologique des joueurs. Nems, finalement, a pas eu trop ce problème-là, tout comme Donkey l'a pas eu. Mais d'autres joueurs qui sont plus en milieu de classement et qui sont passés en fin de classement, ensuite qui ont remonté un petit peu, etc. Tu t'imagines le parcours psychologique que c'est de te dire, il faut calculer, j'ai encore 3 BO3 qui m'attendent. Il faut vraiment que je sois fort psychologiquement parce que c'est un mental d'acier. De toute façon, dans ce genre de compétition, je pense qu'il faut avoir un très très gros mental et peut-être peut-être être habitué. C'est pour ça d'ailleurs que sur Jikal et Nemsensei sont peut-être plus favoris sur cette compétition parce qu'ils ont l'habitude des scènes et l'habitude de ce genre de compétition. Donc il faut un très très gros mental, vraiment. Il faut un gros mental. Et puis on voit finalement que Nems, qui, on le répète, quand il était venu ici, nous avait dit moi je suis confiant. Attention, il n'y a rien de négatif là-dedans, de dire qu'on est confiant, voire trop confiant d'ailleurs. Mais je suis confiant, c'est des joueurs que je connais très bien, des joueurs que j'ai déjà joué, je connais plus ou moins leur deck, etc. Là je pense quand même qu'il s'est fait surprendre un petit peu, Nems. Oui, quand même, la petite surprise. Plusieurs fois, mais c'est vrai que dans le fond, c'est quand même impossible de tout maîtriser, il y a tellement de facteurs qui rentrent en jeu. Le facteur temps, le facteur élixir, le facteur nouvelle carte. La main de départ aussi. La main de départ, très importante. Avec cette chance de la main de départ, qui est le... On va dire d'une certaine manière le seul facteur chance dans Clash Royale. C'est ça. À part l'ouverture des coffres, qui est encore autre chose. Mais on n'en parlera pas. Mais disons, dans un match en lui-même, c'est vrai que le facteur chance du début de la main de départ, mine de rien, c'est 4 cartes. On dit 4 cartes. Ça peut changer grand-chose. Sur 8, c'est ce qui peut faire la différence sur toute la game, vraiment. Et c'est aussi d'ailleurs pour ça qu'on voit dans certains matchs des joueurs qui attendent aussi longtemps. J'ai eu pas mal de questions comme ça en disant... C'est ça, en restant à 10 élixirs. Parce que justement, ils ont une main de départ qui est catastrophique. Et c'est ce qui va leur permettre de pouvoir s'adapter à ce que l'adversaire va jouer. Donc quand ça reste à 10, c'est que pour le coup, ils n'ont pas grand-chose d'intéressant à jouer les deux. Et ça peut aller parfois jusqu'à l'extra time, jusqu'au x2 à 10 d'élixirs. C'est ça, où ils peuvent se dire tout simplement aussi, je prépare un gros push et puis j'attends la fin pour lui lancer mon gros push. Bon, c'est un petit peu plus. Il y a plein d'excuses aussi, mais on voit aussi des joueurs qui qui attendent longtemps et puis qui lâchent des cartes comme ça un petit peu. Oui, c'est pour faire tourner justement. Voilà, il faut tourner jusqu'à avoir une belle main. Alors ça, il y a quand même un danger, c'est que du coup tu lâches une carte qui pouvait te servir peut-être pour la défense et puis en fait tu la lâches pour rien d'une certaine manière. Donc, oui, c'est un risque à prendre, c'est vrai. C'est un gros risque à prendre. C'est assez stratégique aussi ce temps d'attente qu'on a au tout début. Et faut pas s'étonner aussi des fois qu'on voit des joueurs qui attendent aussi longtemps. On avait eu un fameux match pendant ces phases 3 avec je crois que ça devait être Suarez contre Royal, le fameux match où on connaît la conclusion assez malheureuse de Suarez. On sait comment ça s'est fini. Il me semble que c'est pendant ce match là, je sais plus d'ailleurs, mais
enfin bon, bref, en tout cas, voilà, il y a des fois des joueurs qui attendent extrêmement longtemps, qui attendent une minute. Ils attendent le x2 en fait, voilà, et juste après, ils posent leur carte justement, boost. Et voilà, un gros push. Ils posent leur carte et donc du coup, ils ont beaucoup plus d'élixir à donner. Bon, là, c'était pas le cas de toute façon avec Nems, on a eu des attaques un petit peu plus constantes. Mais voilà, donc Nems, on vous a montré ces trois matchs. Hein. Je vous rappelle qu'il y en a quatre autres que vous pourrez retrouver sur les différentes rediffusions qui ont été faites. Je suis assez content de cette sélection des trois matchs finalement, parce que c'est oui, vrai que des beaux bon, matchs. On va me dire, bon, t'aurais pu sélectionner celle où il lance le Zappi par exemple, qui était oui, un alors, peu la grosse surprise. En fait, il y a des choix. Voilà, il y a des choix de game qui peuvent être intéressantes dans le style de deck utilisé. Ça c'est clair. Ça crée style, la petite surprise, l'étonnement. Ça c'est sûr. C'est ça. Mais je pense que là, c'était davantage intéressant de voir comment Nems peut être mis en difficulté aussi. Oui, voilà, c'est tout à fait ça. Il peut être mis en difficulté, par Royal, on l'a vu. On a vu aussi le premier match contre Berin, au-delà du fait que Berin est quand même un des meilleurs joueurs aussi. Mais comment Berin a réussi à le mettre en difficulté? Je pense que de toute façon, Berin a mis tous les joueurs en difficulté. On le verra d'ailleurs. Hein. Je crois que je vous ai préparé ça pour oui, tout à l'heure. Berin contre Surgical, il me semble qu'on verra ça. Donc, restez évidemment bien avec nous. Puisque là, vous allez voir, à mon sens, le meilleur match était Berin contre Surgical de toute façon. Mais on le verra plus tard. Mais c'est vrai qu'on comprend pourquoi aussi Berin a mis en difficulté Nems. Nems qui s'en est sorti. Mais franchement, c'est une grosse performance de battre Berin. Limite, c'est une grosse performance de battre Berin, je trouve. Enfin voilà, on a oui, vu dans on ce... va... oui, oui, c'est... Dans ce... oui, c'est un joueur qui démérite pas vraiment. Donc oui, c'est après à ce niveau-là, je pense que ils méritent tous de gagner. Oui. Ils sont à un niveau du parcours qui est juste énorme déjà. Donc ils ont tous les capacités de gagner. Oui. Après, à voir s'ils vont tous avoir le mental et les épaules, comme on dit, pour supporter la pression de cette compétition. C'est ça, et la pression aussi de la phase 4, puisque on vous en parlera tout à l'heure après les rediffusions des matchs. Mais cette phase 4, donc le bracket qui est connu de la phase 4, c'est-à-dire les gens savent grosso modo qui, enfin pas grosso modo, ils le savent très très bien, qui ils vont affronter pour cette phase 4 la semaine prochaine. Donc aussi, on parle de cette phase 3, on se demandait, bon alors c'est vrai, entre être 5e et 1er, etc., ça, fondamentalement ça change pas grand-chose, mais quand même, parce que d'une part ça va changer ton adversaire pour la phase 4, hein, selon ton classement, voilà, t'as un adversaire plus ou moins facile, c'est pas du tirage au sort. Le seeding. Et puis aussi, je dirais que psychologiquement, ça aide aussi de se dire, bah, tu vois, par exemple, typiquement, Royal, s'il a réaffronté Nemsensei à un moment ou à un autre, il peut se dire, rappelle-toi, mon gars, je t'avais quand même gagné une voilà, game. Exactement, je peux te battre. Non, c'est ça, oui, c'est exactement ça. Je pense que s'il se réaffronte, évidemment, il y aura une sorte de vengeance, comme on dit, pour Royal. Et puis, c'est vrai. Et puis voilà, après il y a l'avantage psychologique aussi, c'est sûr que quand on gagne déjà une première game, je pense qu'il y a des joueurs comme Surgical, comme Nemsensei, qui ont cet avantage un petit peu psychologique sur l'adversaire, étant donné qu'ils sont déjà connus dans la compétition, sur la scène, qui connaissent vraiment parfaitement la pression qu'ils peuvent avoir ici. Donc du coup, il y a ce petit avantage, je pense, sur chaque adversaire. Donc après, c'est à eux de tout donner. Et c'est comme ça qu'ils peuvent justement déstabiliser et créer la surprise. C'est vrai. Et puis je dirais aussi, il y a tellement de facteurs intéressants à analyser. Je dirais aussi que ça peut être, d'une certaine manière, ça peut marcher aussi dans l'autre sens. On va le voir dans quelques instants. On va vous montrer trois games de notre ami Donkey Kong, l'autre français, qui lui est dans l'effet inverse, où on va dire qu'il est, on va en parler d'ailleurs de Donkey Kong, il est inconnu sur la scène, c'est-à-dire je parle bien offline, personne savait à quoi il ressemblait, oui, l'ami ça. Donkey Kong. Donc ça peut être aussi une vraie force, parce qu'évidemment les joueurs se croisent sur le jeu, mais connaître quelqu'un en vrai, savoir comment il se prépare, savoir avec qui il se prépare, savoir de quelle manière, etc., ça peut aussi être un gros avantage. Et je pense d'ailleurs que c'est ce qui a aidé Donkey Kong pour son parcours. Alors justement ouais, c'est ça, les joueurs savaient pas trop à quoi s'attendre. Non, ils savaient pas à quoi s'attendre. Donc justement, son parcours à Donkey Kong, c'est très intéressant, puisque c'est un joueur qui, sur le papier, après cette phase 3, est mieux classé que Nem. 6 victoires,
une défaite. 6 victoires, une défaite. Donc on va vous remontrer donc 3 games hein, évidemment de Donkey Kong. Donkey Kong contre Berin dans un instant, Donkey Kong contre Royale, Donkey Kong contre Adam. 3 games qui sont, vous allez voir, excellentes. Et puis je vous parlerai aussi un petit peu de Donkey Kong. Bon, je vais même vous en parler tout de suite d'ailleurs, puisque Donkey Kong, je me suis empressé de le contacter après... on va en savoir un petit peu plus. Un petit peu après son parcours des phases 3, je me suis dit quand même, bon, vous expliquer un petit peu. Donc Donkey Kong qui est globalement très satisfait de son classement et il me disait, eh bien en fait il s'attendait pas lui à être dans le top 2. Voilà, lui il voyait clairement Surgical et Nems devant, donc il le dit, il s'attendait plus à être dans les 4 ou 5e. Donc alors, tu t'imagines qu'au final être deuxième, ouais, c'est quand même encore deuxième à égalité finalement, parce que deuxième, c'est juste avec le tie-break qui finalement lui a donné la deuxième place. Ouais, moi dans mon cœur Donkey Kong est premier. Ah oui, il est premier, il est premier ex aequo. Et donc Donkey Kong qui en fait au fil de la compétition a vu que qui remportait des matchs, qui a été très costaud. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est qu'il s'est retrouvé à la fin. Donc ça, c'est le deuxième match. Donc pas celui qui va venir, mais celui d'après qu'on va vous montrer. À un moment, il s'est retrouvé contre Royal. Et c'était, je crois que c'était son dernier match ou quelque chose comme ça. En tout cas, c'était son match qui allait lui donner l'assurance de terminer dans le top 2. Et il s'est retrouvé à dire, je vais tout faire. Le fameux match. Le fameux match, voilà, je vais tout faire pour réussir. Le match qui lui a mis la pression, en fait. Qui, pour lui, était le plus important. Exactement. Donc, ils n'étaient même pas le fait de se dire, bon, je vais gagner contre Surgical ou quoi que ce soit. Non, non, c'est qu'à un moment, il s'est dit, bon, de toute façon, il a perdu, je crois, assez rapidement contre Surgical. Je crois que c'était à la fin de sa première journée à lui ou de ça, de ça. Enfin, en tout cas, voilà, une fois que le match de Surgical était passé, il s'est dit, j'ai gagné la MSNC. Donc, en fait, il s'est retrouvé devant un espèce de boulevard où il a gagné absolument tout le monde et puis il faisait peur à tout le monde, en plus des grosses games énormes, je crois. Mais c'est la surprise encore une fois, c'est qu'il a impressionné tout le monde. Il a impressionné tout le monde, s'est retrouvé à 3-0 si je ne m'abuse, il me semble qu'il s'est retrouvé rapidement à 3-0 et ensuite il est tombé contre Surgical. Enfin bon, en tout cas voilà, il s'est retrouvé dans une position très confortable et il s'est dit bon bah voilà, maintenant il me reste Royal, il faut absolument que je gagne contre Royal. Donc voilà, Donkey qui est donc comme je vous le disais satisfait, il est globalement il trouve aussi, on reparlera évidemment que Royal aussi est un très bon joueur, ce qui ne m'étonne pas, on en reparlera dans le match évidemment d'après, et puis voilà. Et d'ailleurs je passe le petit mot de Donkey Kong qui vous remercie tous pour le soutien, et c'est vrai qu'on est derrière ce joueur, on est derrière Nems évidemment, mais les on deux est joueurs aussi français de la compétition, ah oui, on est derrière sûr. Nos deux joueurs français, c'est pour ça on le rappelle qu'on a nos fameux drapeaux ici, drapeaux, nos fameux drapeaux, voilà. Et donc voilà, on essaye en tout cas de rendre à Donkey Kong le magnifique parcours qu'il fait jusqu'à maintenant, et je te propose justement, allez, on va aller dans le vif du sujet, de voir Donkey Kong contre Berin. Alors Berin, ça promet, ah ça promet, puisque Berin a mis en difficulté Nems, on va voir comment justement se comporte Donkey Kong face à Berin. Alors là du coup je pense que Donkey Kong repart peut-être sur son deck cimetière poison justement. On va voir ça dans pas très longtemps. La petite Nightwitch, le golem de glace, pour l'instant une attaque un petit peu classique. Et donc Berin qui lui repart sur son deck. Alors non, donc on n'est pas sur du cimetière poison. On n'est pas sur du cimetière poison. Et regarde le petit poison. Regarde le petit poison qui a littéralement démoli Berin. Et décidément le pauvre Berin qui a pas de chance. Ouais, la Berin qui part pas très serein, on le voit hein, sur l'écran. Horde de gargouilles pour Donkey Kong. Ouais. Ça le déstabilise. Hein. On est dans un deck un petit peu différent, ici. Il charge avec son bélier, plus une petite mousquetaire qui est derrière. Et la belle défense, boum. T'as vu ça? Le petit zap juste avant la charge du bélier. Exactement. Alors ce qui est impressionnant, c'est que on va avoir Berin qui va peut-être partir sur du 3 mousquetaires, lui, avec son bélier, justement. Et à l'inverse, Donkey Kong... Je suis pas spécialement sûr à 100% que lui aussi va jouer les 3 mousquetaires, étant donné qu'il a quand même le golem de glace et il n'y a pas encore de pompe de poser de son côté. Donc ça peut être du grattage uniquement avec du bélier, justement. Et bah justement, tu fais bien de le dire en parlant du bélier. Regarde à gauche, boum, le bélier qui tape 2052. Et le dash de la voleuse juste derrière sur la Nightwitch. Alors tu t'imagines un petit peu en... Allez, en...
3 secondes, il a croqué 1000 points sur la tour de gauche. Ouais, c'est absolument ça énorme. Fait mal, hein. Et là, Bérine qui est en grosse difficulté. Hein. Alors certes, il a une petite pompe, ce qui lui donne un petit avantage quand même d'élixir, mais il est quand même en grosse difficulté là. Ouais, mais voilà, en late game, en fait, en x2, là, dans 8 secondes, il va falloir absolument qu'il passe son push. Sinon, ça risque d'être extrêmement compliqué pour lui. Et cette horde de gargouilles de Donkey Kong. Sans flèche, c'est compliqué. Ouais, ouais. Qui fait mal. Alors certes, elle est zappée, il me semble qu'ici elle est zappée d'ailleurs. Oui, elle est zappée, ouais. Mais quand même, hein, une fois qu'elle est zappée, ça l'empêche pas de vivre cette petite horde de gargouilles. Il fait le boulot. Et regarde encore la pompe qui englobe la tour du roi, l'élixir, la pompe à élixir, plus les trois mousquetaires. Trois mousquetaires, elles arrivent, ils ont plus rien. Ouais, c'est ça. En plus, il les a zappés pour les ralentir. Donc ça a pris dans des dégâts supplémentaires. Ça tout quand même avec le mineur là-haut. Il est pas content, Bérine. T'as vu, il a fait un petit signe là. Signe d'énervement, mais oui, quand il est même, pas content, mais regarde bon, en ça haut. Ça fait prendre la tour quand même, donc pour l'instant, du coup, avantage Bérine si on regarde sur les points de vie des tours. J'ai l'impression que Bérine, c'est un petit peu, je crois qu'on le verra dans le match aussi contre Surgical, c'est un petit peu son truc de faire des petits gestes d'énervement comme ça, je suis sûr que c'est du bluff. Tu penses? Ouais, j'ai bien l'impression, tu verras tout à l'heure. Tu verras tout à l'heure, on le voit encore, mais regarde ici, là c'est attaqué, il y a plein de trucs ici, il y a surtout un gros poison en plein milieu, ouais. Mais il y a plein de trucs, il y a le bélier qui a joué, le mineur défensif. Chargé. Regarde ce petit mineur. C'est vrai que le mineur défensif, quand on en est à là, c'est que voilà, il n'y a pas grand chose à faire malheureusement. J'allais y venir, quand on commence à mettre un mineur qui est une pure troupe d'attaque de grattage en défense, c'est qu'il y a un petit problème, c'est qu'il y a un petit souci. Exactement. En tout cas. Et là, regarde, et là, regarde ce qui arrive. Attention. Heureusement qu'il a le zap. Oh, le dash de la voleuse en plus qui passe. Et boum, le dash du bélier. Et alors là, Donkey Kong, il est extrêmement bien, extrêmement puissant. Et regarde comme il est calme en plus. Oui, il est très serein. Mais très ça, c'est calme, un joueur. Et il c'est. Sa petite mais tête oui, comme ça, ouais. il regarde la caméra, il regarde un peu autour de lui, mais il est calme, il est serein. Et c'est ce qu'il me disait aussi dans notre petite conversation qu'on a eue. Il me dit c'est une de mes forces en fait, parce que, on le répète, Donkey Kong, c'est quelqu'un qui n'avait jamais fait de scène. Et c'est en fait ses amis, sa famille, etc., qui l'ont un petit peu poussé. Ils lui ont dit mais vas-y, mais participe, t'es un excellent joueur. Ce qui est très vrai. Donkey Kong, il a dit une de mes forces, c'est justement de savoir rester calme. Et ça, je me rappelle très bien qu'il me l'a dit. Il me dit je sais rester calme, je sais rester serein. Lui aussi, d'une certaine manière, dans sa bulle, même s'il a l'air un petit peu plus ouvert que Nems. Oui, un petit peu, mais c'est vrai. Il reste vraiment concentré. Et je pense que ça, c'est une super force de ne pas stresser, se dire ah, j'ai perdu une tour, qu'est-ce que je fais, etc. On voit des joueurs, tu vois, qui lèvent la main, qui s'énervent. Il y en a qui tiltent beaucoup, comme on dit. Oui, et c'est vrai que c'est un très gros plus de pouvoir se canaliser et justement rester calme dans toute situation finalement, que ce soit la victoire ou la défaite, c'est vraiment le gros plus qui fera la différence au fur et à mesure. Et ça fonctionne très bien pour Donkey Kong, on l'a vu ici, qui a finalement bien géré sa game contre Bérine. Qu'est-ce qui s'est passé? Donkey Kong, il a commencé par détruire tranquillos la tour de Bérine, la tour droite, très en bas à droite de Bérine. Voilà, il l'a détruit tranquille. Bérine, qui arrive quand même à reprendre la tour de Donkey. Mais Donkey, on l'a vu, il s'est fait reprendre sa tour, il s'est fait égaliser. Ça ne l'a pas embêté plus que ça. Il avait son cycle d'attaque logique avec son bélier. Voilà, il a dit, allez, on va foncer. Et c'est ce qui l'a fait gagner. Il a gratouillé, il a cogné. Ça, je crois que le bélier a dû booster. La dernière charge a été assez énorme. Je ne sais pas si elle a été boostée parce qu'il y a le zap juste avant, mais en tout cas, elle a cogné. Donc voilà, en tout cas, très bien joué de la part de Donkey Kong. On voit quand même que c'est un petit peu différent de Nems contre Bérine. On voyait un Nems, tu vois, on sentait peut-être, je sais pas, un petit peu plus. Enfin, j'ai l'impression vraiment sur le papier que Donkey est plus solide face à Bérine. Tu vois, on dit, on dit la victoire est quand même intéressante. On verra si c'est un 2-0 ou si c'est un 2-1. Petite surprise. La surprise. Mais en tout cas, je sais pas, j'ai vraiment l'impression, c'est peut-être un mauvais ressenti que j'ai en tout cas, mais je pense que Donkey est peut-être plus assurant du côté de Donkey, ouais. Il est costaud. Et la tour perdue finalement est peut-être un petit peu, peut-être un espèce de mirage, le fait que Donkey ait aussi perdu une tour, c'est peut-être un mirage de se dire, oui, bon, ok, il a perdu une tour, mais non, c'est quand même très solide de la part de Donkey Kong. Et donc voilà, on va regarder tout de suite, et bien justement, la deuxième game. Je suis impatient de revoir cette game. Donc de Donkey Kong contre Bérine, deuxième game. Je rappelle encore une fois que si Donkey Kong gagne cette game, il gagne 2-0. Son BO3. 2-0, tout à fait bien. Et regarde ses decks. On revoit du golem du côté de Donkey. Golem, roquette, regarde la petite roquette qui est là. Alors moi j'aime bien la roquette. Moi, je à chaque fois que je joue une roquette, je m'imagine la fin cataclysmique. Oh, et regarde la foudre tout de suite de Bérine. Alors qu'est-ce que tu penses de cette foudre directe, tour plus sur la pompe, sur la tour, sur la pompe? En fait là, Bérine, malheureusement pour lui, il se trouve face à un dilemme, c'est qu'il y a quand même un extracteur sur le terrain.
il sait que ça va jouer donc du deck assez tanky, il ne sait pas trop quoi pour l'instant, bon, il le sait assez rapidement, donc il décide de foudre pour ne pas avoir de... ne pas se faire submerger par les troupes ennemies en late game. Donc il décide de le foudrer, c'est plutôt un bon choix, hein. il a raison de faire ça, et la réponse directe de Donkey c'est quoi? C'est d'envoyer directement son golem, parce qu'il ne va pas pouvoir prendre davantage pour l'instant, son extracteur s'est fait gérer très rapidement, donc il envoie son gros push directement. Et le golem justement qui est arrivé jusqu'à la tour de Berin, qui a cogné une fois, qui a explosé, plus ses golems derrière, on est à 1600 points de vie, c'est énorme, ça. Ouais, le bébé dragon en solide. Plus qui va gratter. Et le bébé dragon qui gratte derrière, oh, ça c'est vrai, quand t'as un golem, dessus t'as le bébé dragon, t'as des petits gobelins derrière, voire idéalement t'as la Nightwitch, alors là c'est limite inarrêtable. Ouais, c'est vrai que c'est un très gros push qui peut arriver sur la tour. Alors là, on va voir si Donkey décide ou non de roquette l'extracteur. Étant donné qu'il a posé sa pompe en même temps, je suis pas forcément sûr qu'il décide de roquette. Non, là, a priori, et c'est marrant, il y a une pompe de chaque côté. Les joueurs voilà, reprennent un petit peu leurs esprits, reprennent de l'élixir. Et tout de suite, ça réattaque donc du côté gauche avec Berry. Mais je regarde, très solide hein, cette Nightwitch qui défend le géant. Il a du mal le géant, il est pas arrivé. Et deux pompes pour Donkey Kong. Là c'est un avantage énorme, parce que si Berin utilise de la foudre, il en restera quand même une autre pompe du côté de chez Donkey Kong, et Donkey Kong qui continuera à avoir plein d'élixirs pour envoyer son golem. Et là ça va être dur. À 60 secondes left, c'est parti, là, on arrive dans le temps. Les pubs vont être construits. Alors regarde, on a quand même Donkey Kong qui part lui en fond de map derrière son roi avec son golem, et Berin qui répond très agressif avec un géant directement river. Mais je pense que c'est ce qu'il faut faire de toute façon. Oui, ça c'est sûr. Il mise sur la destruction de la tour de gauche de toute façon, Berin. Il essaye de faire vraiment... J'ai rien aimé de tour pour le tour, et regarde, tout d'un coup il se met à changer et il attaque à droite avec son géant. Tu as vu la rapidité de cycle sur le géant. C'est énorme. Et oui, sur le géant, tu le mentionnais justement tout à l'heure. Ça va très vite, ça cycle très très vite. Et regarde-moi ça. Regarde la belle tornade de Donkey Kong qui aligne tout le monde. Et là, Donkey Kong continue à gratouiller et qui garde. Berin qui dit non. Il dit non de la tête. Ah non, mais tu vois, c'est ce que je te disais. Il va reprendre un golem river et là, c'est compliqué. Et regarde le golem tout de suite relancé. Le géant est presque anecdotique sur la droite, sur la gauche. En fait, il se dit je perds ma tour, donc je tente le tout pour le tout et je renvoie le push sur la gauche. C'est ça, mais à 10 secondes de la fin, de toute façon, je pense que c'était plus un push pour dire allez, je renvoie quelque chose. On sait jamais sur un malentendu, ça peut marcher. Ça peut marcher sur un malentendu, mais quand même en 10 secondes, c'est assez difficile. Regarde donc, il gagne. Il regarde un petit peu partout, bien wedge. Alors va-t-il faire encore sa petite célébration? A priori, va-t-on la voir? Je ne sais pas si on va la voir. En tout cas, sa petite célébration. Non, c'est dommage, on ne l'a pas vu. Bon, on la connaît, il se tape le torse, il a bien raison. Excellent match de Donkey Kong, 2-0 face à Berin. Ouais, 2-0, ouais, clairement, c'est... On va pas dire expéditif, parce que bon, c'est des choix de deck aussi qui ont fait la différence. Et puis là, c'est vrai que c'était la surprise, voir du golem Rocket. C'est pas souvent avec la A-t-il utilisé sa roquette d'ailleurs? Il me semble pas qu'il l'ait utilisé, il n'en a pas eu besoin. Il a pas une seule fois dans la game, donc c'est ça qui est assez surprenant aussi, c'est qu'il a géré son adversaire sans roquette. Mais alors ce qui est très intéressant aussi, c'est que du coup s'il a pas tiré sa roquette, c'est-à-dire qu'il avait tout le temps un slot de deck qui était utilisé avec sa roquette. Exactement. La roquette essaie donc en gros, notre ami Donkey Kong, écoutez bien, a joué avec trois cartes. Voilà, c'est absolument énormissime. Et en plus c'est pas n'importe quelle carte, c'est quand même du golem, c'est-à-dire que le golem, il faut le cycler le golem, donc enfin ça prend un temps fou. Bref, et pourtant on a l'impression qu'il enchaînait, si tu regardes bien à la fin, il a fait une première attaque golem en bas à droite, le golem s'est fait détruire et il a reposé directement à la river, c'est énorme. L'avantage de Donkey, c'est qu'il s'est fait gérer son extracteur d'élixir donc en tout début de game avec le foudre de Berin, et puis finalement après il a laissé les extracteurs sur le terrain, donc il a pu quand même faire un gain d'élixir au fur et à mesure de la game, ce qui a pu faire la différence après. Et donc on a un Donkey qui est solide, qui dit je gagne face à un Allemand qui plus est qui a, alors je me rappelle plus tout à fait l'ordre des matchs, mais qui un plus est la seule personne qui a eu Surgical, donc quand même tu te dis waouh. Oui, c'est voilà le waouh, comme c'est pas négligeable. Berin enfin, tous les joueurs ont eu des difficultés contre Berin. On ne peut pas dire qu'il y ait un joueur qui ait eu aucune difficulté contre Berin, mis à part Donkey Kong, parce que très franchement, et au risque de me répéter, j'ai vraiment pas l'impression que Donkey Kong ici était en danger un moment ou un autre. Il a tellement non, bien je pense géré. Pas, ouais. Il a très bien joué, il a très bien défendu, et il a construit ses push au moment où il fallait, donc il n'y avait pas de souci là-dessus. Il a fait des très jolis games. Voilà, et puis on a bien vu que le géant, la Nightwitch contre le géant, la sorcière de la nuit contre c'est le géant. Mais quelle défense, cette sorcière de la nuit est vraiment monstrueuse, alors que ce soit sur le géant ou sur n'importe quelle carte assez tanky, hein, parce que même le PK, elle en fait qu'une bouchée, vraiment, elle est assez impressionnante cette carte, et aussi face au golem,
Voilà, c'est une très bonne défense aussi au golem. On l'a vu hein, tout à l'heure sur une game avec le bouliste notamment. Oui, tout à fait. Et finalement, c'est vrai que la Nightwitch plus le bouliste, ça a fait qu'une bouchée du golem. Donc, ouais, très très bonne carte. C'est énorme. Énorme de la part de Donkey. Et justement. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau alors là, on vous a gardé le meilleur match. Alors, je ne sais pas si c'est le meilleur match de Donkey Kong, mais en tout cas, on le disait tout à l'heure, le match qui lui a mis le plus de pression. Alors, c'était, je crois, son dernier match. Hein, Donkey contre Royale. Donc, imaginez bien, Donkey dans là, une position... Là, il connaissait son score, en fait. C'est ça. Finalement, oui. Il avait son score au classement et il s'est dit... faut que je gagne. Il savait qu'il était qualifié de toute façon dans Donkey Kong, mais il voulait avoir un beau classement. Donc déjà, c'est super chouette pour un joueur qui fait pas tant de compétition que ça de se dire je vais essayer d'accrocher le classement pour montrer ce que je vaux. Franchement, c'est un très bel état d'esprit. Et donc, je te propose de regarder ce match Donkey Kong contre Royale. Royale qui met à mal tous les joueurs contre qui il joue aussi. C'est un petit peu un espèce de Bérine de Roumanie en fait. Voilà, c'est ça, le Bérine roumain. Allez, c'est parti. Donc Donkey Kong Royale, imaginez-vous hein, l'état psychologique ici de Donkey Kong. Il faut absolument que je gagne, non pas pour rester en dans le classement, mais pour le classer le mieux possible. Allez. Alors on va voir les decks. Au vu de la tombstone et de l'électro-sorcier, ça pourrait être un P4 du côté de Donkey Kong. On va voir s'il joue assez lourd ou pas. Ça peut être beaucoup. Voilà aussi pour moi, j'ai pris ce match. Regarde la petite surprise, le géant, le squelette géant. Qui vient ici, boum, ça explose. Rien que pour le beau jeu, j'espère que Donkey Kong va gagner. Alors cette première game, c'est une bonne question pour te dire, je sais plus du tout qui a gagné. Donc comme ça, c'est, enfin je sais qu'au final, c'est évidemment Donkey qui a gagné, mais je sais plus qui a gagné cette première game du BO3. Donc on va voir ça, le petit bélier qui part de très loin pour Royal, il met juste devant un golem de glace, et le bélier qui va aller s'occuper du Tombstone. Ouais, la Tombstone qui est un très bon bâtiment en ce moment pour contrer justement les charges du bélier, mais aussi le dash de voleuse. Donc c'est vraiment un super bâtiment. On peut dire d'une certaine manière que le Tombstone a remplacé un petit peu l'Inferno Tower, voilà exactement. Voilà, tour de l'enfer qui est bien, mais contre un bélier, malheureusement, un tour de l'enfer qui a rien de temps de faire. Tandis que le Tombstone, mine de rien, une fois qu'il est détruit, il y a quelques petits squelettes qui pop et qui s'occupent un petit peu des barbares. Exactement. Allez, le géant squelette à nouveau de Donkey, et ça donc fait pas de dégâts. On va certainement avoir une petite tornade, je pense, du côté de Donkey. Et ça paraît très logique. Oh là là, le cimetière. Et regarde ce qui arrive du côté de Royal. On l'avait pas encore vu aussi. Le dragon de l'enfer. La TDE mobile en fait finalement, voilà, comme on l'appelle. Le mix Baby Dragon et exactement. TDE. Alors c'est très difficile à utiliser. C'est très difficile. Là, c'est culotté de la part de Royal de l'utiliser dans ce tournoi-là. Mais c'est aussi pour ça que j'aime bien Royal. Parce mais il revient beaucoup. Hein. Le Dragon de l'Enfer en ce moment revient beaucoup. Donc on le voit très souvent dans les decks. Enfin dans un deck en particulier justement avec le golem de glace et la charge du bélier. Donc à voir. Ça remplace, si tu veux, les trois mousquetaires, on va dire, en cartes assez lourdes. Ouais. Encore si on peut dire que Dragon d'Enfer est une carte lourde, mais du coup c'est bien parce que là sur le squelette géant, finalement, ça va être une bonne défense. Alors là il se retourne sur les cimetières. C'est pas forcément non. Alors là c'est pas la carte défensive du siècle, c'est sûr. C'est pas fait pour. Et le but en plus de Donkey Kong, c'est quoi? C'est d'amener son géant squelette à la tour. Parce que qui dit géant squelette sur la tour dit explosion de bombe à 1000 points de dégâts, donc ce qui est quand même énorme. Mais il n'y arrive pas pour l'instant. Regarde, le géant squelette qui va un petit peu partout, c'est un petit peu. Alors, c'est pas la même carte évidemment, mais c'est un petit peu comme le PK, hein, on expliquait tout à l'heure. Le PK il va un petit peu partout et c'est très difficile de faire arriver jusqu'à la tour. Bah là, on a le squelette géant qui est dans la même géant squelette. C'est pour ça que, en fait, je disais tout à l'heure, oui. Ce serait bien pour Donkey Kong qu'il ait finalement une tornade pour attirer les troupes terrestres au niveau des pieds en fait, de la tour. Ouais. Ce qui fait que ça permettrait aux géants squelettes d'exploser sur cette tour, et c'est souvent le cas dans les decks. Donc là, c'est. Voilà. Pour l'instant, il ne l'a pas montré. Et mine de rien, regarde, on ira tout en haut à gauche, ça a gratouillé pas mal sur la tour de Donkey Kong. Et regarde à droite, regarde les petites chauves-souris qui vont faire mal à la tour de Donkey Kong, mais ça va, ça gère pas mal. Mais regarde à gauche, j'ai surtout peur pour la tour en haut à gauche, et je pense que Donkey Kong, là, il est sur un petit peu en mode défensive, défendre un petit peu, et ça repart. Enfin, j'aime bien, il y a l'électro-sorcier aussi, ça. Ouais, cette carte est pas mal, alors c'est vrai que malheureusement, il s'est fait un peu remplacer par la Nightwitch. Mais en plus avec l'arrivée de la voleuse en ce moment, on se voit très peu. Alors ça essaie de gratter du côté de chez Donkey en cimetière. Et ça fait des dégâts, mine de rien quand même. Pas mal de dégâts. Et du coup la Royale qui est un petit peu partagée parce que il
j'essaye de défendre en bas à droite parce que ton équipe d'un coup est assez agressif, ou j'essaye d'attaquer en haut à gauche pour essayer de terminer la tour, il est voilà. Mais là oui, c'est le dilemme un peu, en plus on est en extra time, donc ça veut dire que c'est la première tour qui tombe qui fait gagner le joueur, donc c'est assez tendu. Et alors la très belle move qu'on vient de voir en plein milieu là, le bélier qui était lancé sur la tombstone et immédiatement la petite bûche sur le tombstone, c'est-à-dire qu'il savait que le tombstone allait être détruit, la petite bûche pour détruire tous les petits squelettes qui ont été pompés du tombstone, et donc du coup les barbares du bélier qui ont pu partir vers la cour et faire je crois un petit peu de dégâts. Parce qu'on va revoir, on revoit la move ici. En fait à ce niveau les pré-shots de bûche sont très important et je pense que là-dessus aussi. Et là, regarde, 300 d'un côté, en bas ça descend aussi beaucoup. Ah, c'est tendu! Ah, c'est super tendu! Et regarde en bas! Et là, le poison qui termine la tour et c'est. Boum! Alors là, c'est. Ah, ouais, tu vois, là, ouais, je me rappelle de ce petit geste de Donkey, là, il se fait son petit. Hop là, tac, ouais, tac. Son petit massage de cou, là, parce que là, il se dit. Là, c'était quand même chaud. Ouais, il est content quand même, c'est bien. Il a le sourire, c'est agréable de voir. Et je me rappelle dans ses premiers matchs, il me semble qu'il n'avait pas trop le sourire d'ailleurs, Donkey Kong. Il était un petit peu plus sérieux. Ah, oui. Et puis au fur et à mesure, c'était quand même son dernier match. Donc au fur et à mesure, il dit bon, allez, il a compris que le gars, quand même, il pouvait se la jouer plus cool parce qu'il était probablement un des meilleurs joueurs de cette phase 3. Ah, si oui, c'était le meilleur. Si c'était le meilleur. Si ce n'est le meilleur, voilà. Et donc, intéressante cette game contre Royale, tendue jusqu'au bout. On a vu ça gratter au poison, on a vu le bélier, on a vu essayer de défendre cette move très intéressante, je le rappelle aussi deux fois avec le bélier et la bûche juste après. Ça a mieux fonctionné sur la deuxième fois parce que le tombstone malheureusement était un petit peu plus loin, donc c'est-à-dire un petit peu plus près de la tour du roi et des tours de Donkey. Donc ce qui s'est passé, c'est que tout le bélier, toutes les troupes qui accompagnaient le bélier étaient beaucoup plus proches de la tour. Donc forcément, la bûche est venue nettoyer tout ça et les troupes sont directement allées sur la tour. Mais ça n'a pas suffi pour Royal. Heureusement, non, ça n'a malheureusement pas suffi. Et c'est vrai que tu le précises, c'est des moves qui sont très souvent là, en fait, dans ce genre de match, à ce niveau de la compétition. C'est des joueurs qui pré-shotent, comme on dit, des sorts pour justement faire passer les troupes. Et alors, après un très haut niveau, on a aussi du pré-shot de pré-shot, finalement, de se douter que finalement une bûche va sortir et donc de contrer ça, ce qui est quand même assez impressionnant. Et là, on le voit d'ailleurs, les pré-shots sont extrêmement importants. C'est vrai. Et là, finalement, bon, ça a fonctionné pour Donkey. On sent quand même qu'il est pas bon. Il est serein, c'est sûr. Mais là, le match, c'est le soulagement, en fait. On voit dans son petit sourire du soulagement de se dire bon, c'est bon, j'ai pris la première. C'est le sourire de ouf. C'est passé, mais rien. Là, encore une fois, la tour de Donkey qui est restée était, je sais pas combien de points, quelques centaines de points, 200, 300 au pire. Et donc voilà, on va regarder évidemment tout de suite le deuxième match de Donkey Kong contre Royal, donc le deuxième match de peut-être ce BO3. Ah, peut-être un 2-0, peut-être un 1-1. En tout cas, si Donkey Kong a dit que ce match l'a fait vibrer, l'a fait un petit peu stresser, c'est pour une bonne raison. Regarde tout de suite l'agression très rapide de Donkey Kong. Alors très rapide, non, parce qu'on est déjà quand même à 2 minutes et demie. C'est vrai qu'il y a pas mal de matchs qu'on a reçus avec quelques secondes de retard par rapport aux États-Unis à l'époque. Mais bon, grosso modo, il s'est rien passé avant. 2534 pour toutes les tours. Ça joue extracteur des deux côtés, donc certainement du deck assez lourd. Peut-être du 3 mousquetaires du côté de Donkey Kong, étant donné qu'on a vu une petite voleuse partir. Ouais, exact. Et du côté de Royal, je sais pas, je pencherais pour un petit golem. On va voir. Un petit golem. Eh ben non. Ah, il est cimetière. Ah, ça peut être du golem cimetière. Attention, on l'a vu tout à l'heure. Ok, donc le cimetière qui finalement va pas faire grand chose, ce gobelin sarbacane. Dommage, le gobelin sarbacane qui prend la bûche. Et regarde la petite voleuse à gauche. Ça va. Deux pompes du côté de chez Donkey, deux pompes du côté de chez Royal. Alors là, c'est lourd. Regarde l'élixir, la vitesse à laquelle ça va. Et Royal qui a un avantage d'élixir. C'est le choix de Royal, en fait, de partir sur le cimetière. Alors là, il pose le cimetière en plus sur la pompe. Sur la pompe, tout à fait. Elle veut pas que son adversaire prenne l'avantage. Ça, c'est. Et belle défense ici de Donkey Kong parce que ça peut être très dangereux ce cimetière là, c'est-à-dire que le cimetière, ce qui se passe quand on envoie un cimetière tout en haut à gauche, il détruit la pompe et ensuite tous les petits squelettes qui sont sortis du cimetière fondent comme ça sur la tour et alors là ça peut être des dégâts extrêmement vite. On a un paquet de squelettes qui fondent tout d'un coup. Mais ici, belle défense quand même de la part de Donkey Kong, certes qui perd un élixir, mais quand même belle défense. Belle défense des deux joueurs, regarde Royal aussi qui finalement. Arrive à gérer les dashs de voleuse depuis tout à l'heure parfaitement avec son golem de glace. Et regarde ça malheureusement, bon, c'est difficile évidemment à éviter, mais malheureusement le poison sur les deux mousquetaires qui n'arrive sans rien, la petite bûche derrière, qui en plus va aller gratter la tour de bouclier.
Bah, c'est l'inconvénient quand t'as un poison dans le deck, quand tu joues 3 mousquetaires, c'est que forcément tu vas te faire poisonner les 2 mousquetaires qui partent toutes les deux. Ouais. Boum. Le petit dash, oups, bien royal. Et rien. Attention, attention, sorcier électrique. Ça peut faire mal, avec le sorcier électrique en plus. Ah, le sorcier, il met quoi? Il met 150 à chaque fois, le sorcier, si ce n'est plus. Ça. Ok, ça aurait pu être pas mal. Pire, mais c'est plutôt bien défendu dans l'ensemble. C'est plutôt bien, donc il est quand même en infériorité. 1171 pour sa tour de gauche, enfin pour sa tour de droite. Absolument. Il split direct, alors t'as vu, ça split à l'arriver. Hein. Ça split direct les triples mousquetaires. Là, il n'y a pas le temps de dire, allez hop, on va faire splitter derrière la tour. C'est plus le moment, à 10 secondes de la fin. Alors, ce qui est quand même assez impressionnant, justement, c'est ce que je vous disais, c'est pourquoi l'extracteur d'élixir du côté de Royal. Parce qu'on a vu aucune troupe assez chère, finalement. Il n'y a que du cimetière poison qui est sorti jusqu'à présent. C'est vrai, chez Donkey, ça se comprend avec la troupe mousquetaire. Absolument, c'est des decks. Voilà, il n'y a pas de surprise là-dessus. Hein, troupe mousquetaire, extracteur, oui. Bah, c'est normal, en fait. Finalement. Disons que Royal a peut-être envie de cycler plus rapidement. Alors, soit ça, soit il cache une carte. Est-ce que tu penses qu'il cache une petite carte jusqu'à la fin. Mais enfin, bon, avec le volet de glace, je sais pas, c'est assez surprenant. Moi, je partais sur du 3 mousquetaires, donc... Et regarde, le gobelin Sarbacane, sympa. La petite bouche qui va aller le gérer, du coup. Attention au dash de la voleuse, qui va dasher sur le golem de glace. Comme c'est toujours, un Royal qui défend bien, finalement. Royal, il défend super bien, et tu fais bien de le dire, c'est un joueur qui défend super, super bien. On l'a vu dans d'autres matchs, notamment. C'est ce qui fait sa force à Royal. Il faisait aussi très bien contre-attaquer. Là, il va falloir se défendre contre un gros push qui arrive. Donc je pense que oui, en effet, t'as raison. Il veut tout simplement cycler plus rapidement son cimetière, peut-être. Et donc ça fonctionne bien pour l'instant. Attention, attention, le petit gang de gobelins. Alors je crois que... Est-ce que c'était le gang de gobelins? Oui, c'était déjà le nouveau gang de gobelins. Hein, avec, oui, il n'y a que deux avec 3 et 2, gobelins. Hein. Voilà, oui, tout à fait, parce que c'était la semaine dernière. Exactement. Oui, non, c'est vrai qu'on voit une voleuse aussi, hein, donc c'est, je pense que c'est après la mise à jour. Hein. Oui, non, c'était à ce moment-là. Attention, hop, le petit cimetière, regarde le petit cimetière, regarde le petit cimetière, et là ça gratouille, le gobelin Sarbacane qui fait le boulot, mais quand même, ça gratouille. Et t'as vu le match, 1 minute 30, enfin ça fait, il y a 4 minutes 30 de match là. C'est vraiment compliqué, il reste vraiment 1 minute 25 de match. Non, les petits gardes, toujours. Royal qui a bien utilisé ses petits gardes, il les a souvent utilisés. Et attention parce que les mousquetaires sont partis, attention au cimetière. Alors ça gratouille vite. Là il donne tout. Là ça gratouille, ouais, ça avec la pluie derrière, boum, c'est voilà. Terminé. Et voilà, surprise de Royal pour la fin. Pas grand chose. Regarde, 157 PV sur la tour en bas. Et ça c'est vraiment jouable, pas grand chose. Et je pense que c'est pour ça, entre autres, que Royal nous disait, me disait que c'était un des matchs les plus stressants pour lui, c'est-à-dire qu'à chaque fois ça s'est terminé sans rien. Enfin, les joueurs sont tellement serrés. C'est exactement ça en fait. C'est que finalement, en fait, à la fin de la game, on se rend compte que finalement chaque joueur va tenter le tout pour le tout. Oui. Et il va balancer son push à la fin sur la tour avec le moins de points de vie évidemment. Et c'est là où tout va se donner. Les deux font la même chose. Et c'est tendu jusqu'au bout, jusqu'à la dernière seconde. Tendu jusqu'au bout, on a vu cimetière à la fin qui a fini par fonctionner. Le cimetière qui était assez bien défendu pendant quasiment tout le match, hein, de la part de Donkey Kong. Et puis au final, tu te retrouves avec quelques centaines de points sur ta tour. Et donc le dernier cimetière, le dernier du dernier, ça a fini par fonctionner. Et donc victoire de Royal qui égalise face un à Donkey Kong. Tu t'imagines Donkey Kong qui dit ça y est, ah, je me suis fait égaliser, j'ai gagné le premier, mais je me suis fait égaliser. Psychologiquement, là, c'est compliqué. Hein. Tu ça dis, va être dur. Il remonte là dans le match. Mais quand même, je dirais quand même que, certes, c'est dur, mais il peut quand même se dire, j'ai poussé Royal jusqu'au bout. Donc là, troisième match, il va falloir aussi qu'il assure le Royal. Exactement. D'autant que Donkey Kong va probablement faire des changements de deck, on va le voir. Donc je vous propose. C'est ça, j'ai hâte de découvrir les decks. Voilà, en fait. Je vous propose qu'on regarde tout de suite le troisième donc et dernier match de Donkey Kong contre Royal. Un partout pour l'instant. On est au début du match, hein, d'ailleurs. 10 secondes, donc les joueurs qui patientent avant d'avoir 10 élixirs. Et voilà, le fameux 10 élixirs. Et oui, et qui patientent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Allez, c'est parti. Non, pas beaucoup. Allez, 20 secondes. Et regarde, il lance une petite. Une petite crotte, deux petites crottes, plus le bélier, plus la voleuse et la pêche sur la droite. Un peu construit de la part de Royal directement. Et boum ! Alors, il a... C'est dommage parce que... Oh, le temps de la voleuse qui vient juste après, la bûche qui... Oh là là, regarde. Tous les gobelins qui vont dans le poison. La bûche, malheureusement, qui a été lancée, je pense, un petit peu pour rien. C'est-à-dire que je pense que Donkey avait lancé sa bûche pour
comment dire, le bélier. Voilà, pour le bélier, mais il me semble que le bélier a dashé, enfin a tapé en étant boosté, tout même, simplement. Ouais. Donc c'est une petite bûche, oh, on va dire perdue, entre guillemets, évidemment. Bon, après, il avait quand même posé un extracteur, alors ça, c'est la punition. Hein, on pose un extracteur, c'est qu'on a forcément un gros poche qui va arriver sur l'adversaire, et c'est ce qu'il fait, en fait, Royal, il fait son poche comme ça. Et là, cette fois-ci, c'est la bûche qui est. Il m'est bien posé, il était aussi bien posé tout à l'heure, mais qui arrive à temps du moins du côté de chez Donkey Kong. Et là, tout d'un coup, ça se passe un petit peu mieux. Regarde quand même ce petit poison là-haut et la contre-attaque avec le bélier qui n'arrivera pas à temps. Et là, tu te dis, Donkey Kong, il est quand même en difficulté. Mais le x2 arrive. Et là, Donkey Kong a l'avantage en élixir. Donc là, il peut construire son push avec les trois mousquetaires. Et c'est là le problème du deck de. Ah, il y a du PK. J'avais pas vu le PK. Regarde le petit PK surprise de la part de Royal qui attend la dernière minute pour le lancer. Les trois mousquetaires, ça peut être vraiment pas mal. Ça a cogné. Ah, c'est bon ça. Du coup, le PK qui a encore un petit peu de vie, mais les deux mousquetaires du haut qui vont gérer son Kilos. Et ça. Alors là, il essaye un petit peu de défendre. Là, ça s'active. T'as vu, là, une minute, enfin 20 secondes. Oui, on commence à cycler plus rapidement. Bah, ça cycle, ça s'active, ça attaque, ça défend, ça fait plein de trucs. On a même du mal à suivre en limite. Regarde la belle. Bon, là, il a porté de bûche poison en fait en haut à gauche. En ouais, haut à droite, et regarde à gauche. Regarde à gauche. Oh, il y a de la bûche. Pour les. De la oh place là pour là le bélier. Là. Et regarde-moi ça, énorme cette attaque, énorme. Les barbares en bas. Une petite chauve-souris qui s'en occupe. Et c'est pas fini, on arrive dans le temps extra. Le sud à nous teste la mort subite. Exactement, alors la charge, on la tente. Et regarde, voilà, regarde, regarde, le en poison fait... là-haut, regarde le poison là-haut, regarde le poison là-haut, et regarde en bas la charge du bélier. Oh là là. Et là, là c'est là énorme. Là. Et là, donc, alors... là, donc il est content. Ce qui est assez surprenant quand même, c'est que je l'ai précisé depuis bien 30 secondes, c'est qu'en haut à droite, il était quand même à portée de bûche poison. Oui. Donc, et il n'a pas mis son bûche poison. Et il était c'est en train de le surprenant. Mettre. D'ailleurs, il je sais pas si tu as vu. Mais c'est... Il a quand même tardé. Il a tardé, avant de le et ça, effectivement, il a tardé. C'est assez bizarre. Est-ce qu'il était plutôt concentré sur la défense? On l'a vu qu'il a. Je pense que oui. Il avait il des attaques des deux côtés. Peut-être paniqué ou pas, mais il a voulu. Voilà, il a fait le choix de défendre les poches de son adversaire. Mais ce qui est quand même bien dommage parce que la bûche, je sais pas si tu as vu, à un moment donné, il envoie une bûche défensive. Oui. Et finalement, cette bûche ne touche pas la tour. Donc, oui. Le dernier poison oui, aurait pu prendre la tour. Et finalement, non, il partait déjà avec une bûche en main. Donc voilà. Et on a vu ce bélier, le bélier rageur. C'est ça. Je pense qu'en fait, Royal, là, effectivement, il jouait le tout pour le tout. Il avait calculé qu'il pouvait gagner avant. Et puis, il a, entre guillemets, laissé le bélier partir sur la gauche. Et le bélier est parti. Il est arrivé juste à temps. Il restait, je sais pas moi, 4-5 coups peut-être de poison. C'était terminé pour Donkey. Mais le bélier de Donkey Kong. Et tu as vu le point rageur de Donkey oui. Kong à la fin. Ah, c'est un oui, peu oui. bizarre. Enfin, c'est pas bizarre du tout. Mais Donkey Kong qui est d'un naturel réservé. Là, il était qu'il content comme tout. Il explose de joie, ouais, vraiment. C'est... Et il explose. C'était son match voilà. le plus important. Hein, c'était on son l'a match voilà, plus important dans le sens classement. Voilà, il avait une petite pression sur ce match. Il s'était mis une pression. Il aurait pas dû se mettre de pression, de toute façon il était qualifié. Non mais en tout cas c'est franchement c'est bien joué et tu te dis à l'issue de ça waouh ça plince un homme quand même. Là tu te dis waouh le gars franchement bah, le mec ouais le mec il arrive premier jusqu'à ce fameux tie break dont on reparlera pas, on va pas reparler du tie break, c'est triste ce tie break. Non non mais en tout cas voilà, belle game, c'est pour ça qu'on vous l'avait sélectionné et puis en plus évidemment parce que Donkey m'en avait fait le retour et la publicité de ce match là, c'est vrai qu'il était quand même assez sympa hein, ce match contre Royal. Et il nous reste un match à regarder de Donkey Kong, ça va être Donkey Kong contre Adam, tout simplement parce que là encore on se dit bon on va pas tout le temps sélectionner les mêmes Adam qu'on n'a pas on n'a pas encore vu Adam aujourd'hui, voilà tout à fait. Donc je me suis dit non, encore, ça ouais. va permettre c'est aussi le, de le voir. Pour les gens voilà de voir un petit peu Adam jouer. Alors Adam au tout début de la phase 3 qui me paraissait vraiment fort, vraiment solide, et puis au fur et à mesure du temps il m'a un petit peu déçu Adam pour tout te dire voilà par il rapport a ses choix de deck ou peut-être par rapport à des misplays que t'as pu justement je dirais un petit peu un mélange des deux Adam qui s'est retrouvé enfin, qui a fait des games vraiment pas à son niveau et qui s'est qualifié. Alors, je crois, il me semble qu'il était avant dernier, donc c'est-à-dire, je crois qu'il a terminé 6e, il me semble, Adam. Donc voilà, il a terminé bas par rapport, je dirais, au début limite, de ce qu'il avait à la fait. Limite de l'élimination finalement. À la limite de l'élimination, voilà, mais qui est quand même un joueur qui était plus fort que Suarez, qui était plus fort que Dani, donc qui méritait sa place. Mais voilà, ça a quand même été chaud jusqu'à la fin, et donc je te propose qu'on regarde ce match. Donkey Kong contre Adam. Voilà, le français, on va voir ce qui va derrière cette belle arène. Alors là, on voit les bêtes, c'est pas mal. Alors, du lockbait, du coup, pour notre ami Adam.
Oui, tout à fait, on voit des... Update avec la nouvelle version Tombstone, justement, qui remplace la TDE. Et regarde-moi ce petit croquette logique, hein, effectivement, dans ce type de deck, mais on va voir l'utilisation qu'ils vont en faire, Adam. Alors là, dans la logique de la game, en fait, à ce niveau de la compétition, on va avoir Adam qui devrait, en early game, donc en tout début de game, gratter les tours de son adversaire. Et puis au fur et à mesure, en plus de ça, il ne gère pas l'extracteur d'élixir. Donc au fur et à mesure, quand on va commencer à entrer en x2, là, Donkey Kong va pouvoir construire son push et normalement avoir l'avantage sur Adam. On va voir comment ça va se passer. Alors cette belle bûche de Donkey Kong qui défend très bien. Alors, c'est vrai que quand on voit un fût et qu'on a la bûche, on dirait que bon, le mec a le fût, il dit je suis dégoûté de l'avoir choisi. Bah, c'est bon, pas après, pour rien que ça choix. Porte le nom du lockbait, hein, c'est sûr. Exactement. Que quand on joue face à un lockbait sans bûche, c'est assez compliqué. Là pour le coup, il faut quand même préciser qu'il a qu'une bûche, c'est-à-dire qu'il n'a qu'une seule sort en fait pour gérer princesse, gang de gobelins et fût de gobelins. Et tombstone aussi avec les petits squelettes. Donc c'est compliqué aussi. Mais bon, il a quand même un petit gang de gobelins, un gobelin sarbacane aussi. Moi voilà, gérer, c'est ça surtout, c'est qu'il a son petit gobelin sarbacane qui peut faire le boulot tranquillos en face contre le gang. Attention quand même à la princesse d'Adam. Alors cette princesse, on l'a pas énormément vue, je dirais. Bah, on la voit pas en fait, on la voit pas uniquement dans le lockbait finalement. Elle est très peu jouée, cette princesse est très utile dans le lockbait, mais on la voit pas du tout. Dans les autres decks. Et regarde Donkey Kong ici qui est très solide. Tout à l'heure il s'est fait roqueter sa pompe de gauche, mais il a gardé son autre pompe parce qu'il avait deux pompes. Hein. Donkey Kong qui a passé exactement. 30 secondes, enfin ou je ne sais plus combien de secondes. Ouais, il va avoir un gros avantage. Voilà, et là il a déjà posé en fait ses trois mousquetaires, je sais pas si t'as vu, avant de rentrer dans le x2. Boum, et oui. Donc voilà, c'est que vraiment il était plutôt. Il était bien voilà, simplement. Il était très et regarde encore 7 élixirs et il place son. Alors c'est marrant. Oh, regarde la bûche. Et là une. Petite ouais. bûche, alors je pense pas que la bûche était destinée dommage, à tirer sur l'extracteur d'élixir, mais plutôt non, sur le non, c'était plus sur peut-être un pré-shot justement du gang de gobelins. Un petit alors ce qui est assez marrant, c'est la façon dont t'as lancé, dont Donkey Kong a lancé son beignet. Il l'a lancé au milieu, oui, au milieu de la river. Justement, le chevalier et le push. Et ensuite, malheureusement, l'esprit de glace était là, ça a ralenti, donc ce qui fait que ça a arrêté la course, mais c'était bien tenté. Il est assez solide, regarde ses mousquetaires à gauche, oui, ça descend, ça, hein. Et là il dit good game, il le sait, Adam, il le sait que c'est et terminé. C'est problématique en fait. Donc il a gratté un petit peu, il a quand même gratté quasi la moitié de la tour en bas, mais voilà, c'était problématique, c'est le schéma. Classique qu'on peut voir en compétition, voilà, du lockbait, c'est très bien, c'est un très bon deck, hein. Pas très souvent joué non plus, mais c'est vraiment un super deck. Mais là, face à un gros deck comme les trois mousquetaires, surtout avec l'extracteur, voilà, il y a eu un avantage d'élixir et, oui. Et malheureusement, c'était compliqué en late game. Vraiment, quand on commence à rentrer dans le x2, c'est compliqué à gérer. Là, on peut voir que Donkey dans cette game est solide finalement. Ah oui, bien sûr. Tu regardes, il a croqué. Complètement la tour de gauche, il lui a laissé 200 points de vie, on s'est dit il va s'occuper de cette tour de gauche et il va détruire la tour de droite, c'est-à-dire que quand bien même Adam aurait égalisé, il avait la tour de gauche à portée de main à 200, ah oui, bah ça sert à rien. C'est, quoi. C'est l'avantage du deck 3 mousquetaires justement, c'est qu'on split sur les deux. Tu peux splitter, tu peux faire en fait. Deux attaques, tu peux accompagner ça du bélier, etc. Et alors ce qui est très intéressant, et autre petite info croustillante de la part de Donkey, parce qu'on parlait tout à l'heure du fait psychologique, on va dire, entre deux matchs, entre deux semaines de matchs, parce que c'est quand même trois semaines, hein, c'est phase 3. Hein. Donc, tu as une semaine à chaque fois pour analyser le deck de tes futurs adversaires, pour regarder comment ils ont joué, pour préparer tes coups, etc. Voir peut-être des matchs qui ont été joués avant dans d'autres compétitions, pourquoi pas. Donc, voilà, tu peux te dire est-ce que je change de deck, est-ce que j'en prépare, est-ce que je choisis des choses différentes, est-ce que je me prépare à jouer contre tel deck. Et donc, ce que disait Donkey, c'est qu'il dit tous les joueurs, beaucoup de joueurs savent que je joue notamment beaucoup en 3 mousquetaires, donc ils ont l'habitude que je mette ce deck là, donc ça m'a permis des fois de mettre des decks complètement différents et de surprendre mes adversaires. Donc Donkey est parti du principe, et ça a bien marché, est parti du principe que ses adversaires allaient penser de lui qu'il allait mettre très fréquemment son deck 3 mousquetaires, et donc c'est pour ça qu'il a pu créer des petites surprises. Ce qui est quand même arrivé aussi, c'est vrai que bon, il a souvent joué le 3 mousquetaires. Je pense que c'est un deck qu'il maîtrise bien. Donc en fait, Donkey, il a deux choses. Il peut se dire, bon, je vais créer la surprise en utilisant un autre deck. Ça, le gars d'en face ne va pas s'y attendre. Et au cas où ça ne marche pas, je reviens sur du classique, je reviens sur mon bélier 3 mousquetaires qui fonctionne très très bien, que je maîtrise très très bien. Et c'est vrai qu'il le maîtrise super bien. Enfin, c'est oui, un des joueurs qui le sûr. Maîtrise le mieux. Et donc voilà, c'est bien parce qu'il a cette double stratégie. des doubles facettes aussi, en tout cas super bien joué. Et donc on va regarder cette deuxième game, Donkey Kong Adam.
Est-ce que ça va être aussi solide du côté de Donkey Kong? A priori, on voit mal comment Adam peut reprendre l'avantage. Eh ben, il change, finalement. Il ne prend pas ses trois mousquetaires ici. Et alors, du côté d'Adam, on a un changement aussi. Adam qui jouait donc le Logbait juste avant. Et là, qui part le ratage cochon avec le combo. Attention, bourreau, tornade. C'est un très bon deck. Vraiment, c'est un super deck. Donc, est-ce qu'il va réussir à gratter? On va voir. Est-ce qu'il va réussir à gratter? C'est intéressant. Donc, petit changement donc en bas hein, de la part de Donkey Kong. Il y a un dragon de l'enfer. On disait, une voleuse aussi intéressante, un petit poison, mais il a gardé son petit bélier quand même, sa petite carte fétiche, hein. Enfin une de ses cartes fétiches. En fait, je sais pas si on peut dire que c'est un petit peu, c'est du 3 mousquetaires low cost entre guillemets, parce que finalement on n'a pas de 3 mousquetaires en bas, mais on a le dragon de l'enfer, parce qu'on a quand même une bonne base de 3 mousquetaires, hein. On a le bélier, la voleuse, le golem de glace et la Nightwitch, ainsi que la bûche aussi, ouais. Donc il y a quand même une bonne grosse base de 3 mousquetaires, mais il y a juste la surprise de ce dragon de l'enfer qui vient, et il y a surtout pas d'extracteur d'élixir. Et oui, et puis tout est fini. D'accord, d'un côté comme de l'autre. C'est plus compréhensible du côté d'Adam. Alors, le cochon qu'on a quasiment pas vu, il s'est bien fait défendre ici. Hein, le cochon. Pauvre cochon, il a pas le temps d'attaquer. Et c'est vrai qu'on l'a pas vu encore hein, dans ce. Et non, et pourtant. C'est un super deck. Moi je connais vraiment très bien ce deck et je l'apprécie beaucoup. Moi j'aime le jouer personnellement. Ouais. Donc voilà, c'est un super deck. Parle en état de cause. Exactement, c'est plus pour le cœur que je parle là sur cette game. Maintenant, voilà, à voir s'il va réussir à défendre justement les pushes bélier voleuse, puisque c'est ce qui va se prendre sur ses tours. Attention, c'est justement voilà, le bélier qui part tout seul. Hein. Ben oui. Boum. Et ça tape. 1600, 1400, ça descend avec le poison derrière. Oh là, ça gratte bien. Alors ça fait descendre le bourreau, ça fait descendre le chevalier, attention, rush cochon à droite, accompagné des trois petits de glace. Je sais pas si tu vois, mais à chaque fois, l'esprit de glace gèle le cochon. Ouais. Et la Nightwitch qui est là justement pour encaisser ce cochon et ne pas le laisser taper, c'est impressionnant. C'est assez énorme, hein, ce petit. On en parlait bah, d'ailleurs justement dans une game juste avant en disant ce petit esprit de glace, voilà, il voit rien, l'esprit de glace, mais il apporte tellement de choses. Derrière le cochon qui va pas taper encore une fois, même si ça descend quand même hein, du côté de chez lui. Oui, ça descend un petit peu. Hein, mais regarde Donkey Kong qui gère aussi en haut à gauche, c'est énorme. Il est solide Donkey Kong. Oh, regarde, je trouve quand même qu'il y a. Oh, le tâche de la voleuse qui va terminer la tour. C'est monstrueux, mais je trouve quand même que Adam, alors soit il n'avait pas eu une bonne main de départ, soit il n'a pas très bien géré son deck. Parce que je trouve que. Il y a eu peu de défense de sa part, notamment avec le bourreau tornade, sur des pushes bélier, voleuse, etc. Je sais pas. Et il n'y a surtout pas eu de foudre. Je crois bien qu'il n'a pas posé de foudre. Il me semble. Il n'a pas eu le temps, en fait, hein, concrètement. Oui, il n'a pas foudré. Il me semble pas qu'il ait foudré. Donc, ouais. Un petit peu déçu de l'utilisation du deck d'Adam dans cette game, en tout cas. C'est peut-être effectivement ce qui a fait défaut un petit peu à Adam. C'est que. Globalement, dans l'ensemble de ces phases 3, il n'a pas forcément défendu de belle manière Adam. C'est-à-dire qu'Adam a fait des attaques des fois assez éclairs. Je me rappelle d'autres matchs où il nous a assez impressionnés. Mais globalement, on sent que c'est assez fragile en défense. Finalement, même si le match dure assez longtemps, dure plusieurs minutes, on sent quand même que Donkey Kong, il a toute une technique. Il y va comme ça progressivement et puis il finit par détruire la tour d'Adam. On sent qu'Adam, il peut rien faire en défense. Il arrive pas à bien défendre. Et en plus de ça, ses push cochons malheureusement ne passaient pas. Puisque comme on l'a si bien dit, l'esprit de glace qui était là avec cette Nightwitch. Et du coup, ouais, c'était un petit peu compliqué. Donc les push en attaque qui passaient pas du cochon, qui était quand même sa carte maîtresse, hein, faut le préciser, de son deck, qui est donc la carte très agressive. Et finalement, ça qui ne passe pas, c'est compliqué. C'est compliqué, avec ça en plus une défense assez fragile. Malheureusement, ça passe pas. Et Adam, il a concrétisé et c'est parti, quoi. Voilà, enfin Donkey a concrétisé et c'est parti. Exactement. C'est vrai que voilà, Donkey mérite ses 6 points. Donc la seule victoire donc, que vous ne verrez pas, mais là encore, je vous rappelle, vous pouvez le revoir en rediffusion. La seule défaite finalement qu'a eu Donkey Kong, eh bien, c'est contre Surgical Gobelin. Surgical qui a été un petit peu la bête noire des Français. Il a gagné contre Nem Sensei, il a gagné contre Donkey Kong. Il a perdu, on va le voir après, contre l'Allemand, contre Bérine. Le Surgical Gobelin qui a été un petit peu notre bête noire. C'est dommage. C'est la bête noire de tout le monde. Hein, c'est vraiment. Un petit peu la bête noire de tout le monde, c'est vrai, tout à fait. Mais Donkey qui... si on devait lui donner une mini frustration, mini point noir, ça serait qu'il n'ait pas terminé à 7-0. Bon, c'était quand même
très difficile. Ça aurait été énorme, tu imagines. Ah, ça aurait été énorme. 7-0, enfin, ouais, ça aurait été énorme. Et puis en plus, c'était possible. Alors, oui. Churchill a quand même eu, bon, il a pas eu trop de difficultés contre Donkey Kong, mais c'est, globalement, c'était possible. Je pense qu'il y avait de la place. Alors peut-être était dans un autre état d'esprit, ou peut-être que le match-up était pas bon. Enfin, bref, il y a plein de causes qui peuvent rentrer en jeu. On va pas forcément chercher d'excuses s'il y en a pas, mais disons que ça aurait été encore plus joli si Donkey avait mis 7-0, mais au final, Donkey arrive donc deuxième après le tie-break, Donkey est qualifié pour la phase 4, tout comme Nem. Donc on a deux Français en phase 4 et c'est ça qui est intéressant. Et donc voilà, c'était notre petite sélection des matchs de Nems et des matchs de Donkey. Ouais, tout à fait. Non, c'est bien, ouais. C'est vrai que c'est agréable de voir des Français à si haut niveau finalement, parce que là pour le coup c'est la compétition organisée par Supercell eux-mêmes, donc tout simplement la plus grosse compétition de la courte histoire du jeu. Et ce qui est très drôle d'ailleurs pour Donkey, c'est que maintenant on va l'attendre un petit peu partout, c'est-à-dire que dès qu'il va y avoir tournoi à droite ou à gauche, exactement, on va dire mais où est Donkey. Ouais, c'est ça, un tout le monde ça, connaît en fait. Sa tête, tout le monde connaît son niveau, forcément ça va être le mec que tout le monde va s'arracher, je pense, notamment Donkey. Je sais pas s'il est dans une team en particulier, mais là pas à ma connaissance. Toutes les grosses teams vont s'arracher Donkey Kong. Est-ce que c'est un joueur de team? Est-ce que c'est un joueur qui a envie de rester solo? Ça peut être aussi. Oui, je pense qu'il a fait son petit bonhomme de chemin solo et que ça lui est réussi. Tu t'imagines quelle vitrine pour intégrer une team s'il a envie. Alors, juste après, on va en discuter un petit peu avant. Juste après, on va vous montrer quatre autres games qu'on a sélectionnés. Alors là, c'est pareil. Là, on avait l'embarras du choix. Des autres games entre les autres joueurs qui ne soient pas français, il y en avait plein. Donc, j'en ai quand même sélectionné 4 pour des raisons X ou Y. Donc je vais juste faire un petit peu le planning. Donc on va commencer donc un petit peu plus tard par Surgical contre Berin. Alors Surgical contre Berin, je l'ai dit et redit, la fameuse game, la seule défaite de Surgical. Berin qui est Berin, c'est un petit peu mon coup de cœur non français, on va dire, dans ce CCGS, puisque Berin qui joue extrêmement bien, qui est un joueur assez calme, qui est un joueur posé aussi, qui fait des attaques vraiment très puissante mais très bien posée. Franchement, c'est vraiment un excellent joueur. On va voir comment il a gagné et comment il a réussi à gagner contre Surgical. Ensuite, j'ai Berin contre Royale. Donc c'est pareil, j'ai pris Berin contre Royale puisque à part les trois fameux, c'est-à-dire Surgical et les deux Français, c'est les deux autres joueurs qui sont vraiment très bons. Oui, c'est ça. Voilà, donc pour voir un petit peu ce que ça donne. C'est bien de montrer un petit peu autre chose finalement qu'on a l'habitude de voir. Et puis deux bons joueurs l'un contre l'autre qui sont aussi d'ailleurs habitués aux grosses compétitions. Ensuite, j'ai un Adam contre Dany. Alors Adam contre Dany, vous allez me dire, c'est un petit peu plus bas dans le classement, mais c'était le match couperet entre Adam et Dany. Je crois même que j'ai sélectionné le tie-break. Donc c'est-à-dire qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que Adam et Dany étaient, je crois, à égalité en sixième. Ah ouais. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'il devait y avoir un match pour les départager, les deux. Et donc c'est ce match-là que l'on va regarder un peu plus tard. Match en fait, finalement, parce que c'est le match, alors non pas qui va te mettre dans le top 2 comme a pu faire Donkey, mais c'est le match qui finalement va te faire éliminer de la compétition. C'est horrible. Tu dis je gagne, je pars en phase 4, et donc j'ai potentiellement, je peux même gagner, pourquoi pas la CCGS, quoique ça va être difficile quand même pour Adam. Tu dis je perds, je repars avec 3 000 $, mais c'est terminé, quoi. Bye. C'est un petit peu triste, quoi. Donc c'est pour ça que j'ai pris ce match, effectivement, pour la grosse pression. Et puis on terminera par un Surgical Suarez, c'est un petit bonus où on va voir, il y a notamment une move assez intéressante à la fin. Enfin, je ligue pas trop. Ne spoil pas, j'ai envie, mais je ne spoil pas. Voilà, donc c'est 4 matchs évidemment qu'on a sélectionnés parmi tout ce qu'il y a, parce qu'il y en a tellement. Donc, avant ça, évidemment, on va parler du fameux cas Surgical. Alors, le cas Surgical, alors, c'est pas un cas, mais le cas Surgical, disons que Surgical part sur le papier, il est grand favori. Allez, disons-le clairement. N'importe quelle compétition où vient Surgical, il est favori. Il a gagné de compétitions en France, à l'étranger, en Espagne, etc. Que ce soit des grosses ou des petites compétitions, ça lui est arrivé de perdre aussi, mais globalement, c'est un joueur qui monte en puissance. On est d'accord. Il est. C'est un pilier de la compétition Clash Royale internationale aujourd'hui. C'est vraiment, c'est le plus gros joueur. Et c'est vrai que moi, j'ai fait mon petit sondage personnel de mon côté. Ouais. Et j'avais mis justement Surgical, Nem Sensei et Donkey Kong. Et finalement, c'est à pratiquement 800 votes Surgical qui est ressorti vainqueur de ce championship. Alors tu l'as fait avant le début des phases ? Absolument.
avant le début des phases. Donc, c'est-à-dire que les joueurs. Donc, je suppose que Donkey Kong est arrivé en troisième. Oui, les gens, absolument. Les gens connaissaient moins Donkey Kong. C'était vraiment surgical, Namsensei, Donkey Kong. Et surgical, tu me dis à combien de pourcentage il est arrivé ? Près de 60%. Ah, c'est énorme, c'est énorme. C'est-à-dire que c'est le favori, oui, à deux tiers, c'est le favori, quoi. C'est exactement. Énorme. C'est vraiment le joueur favori de. Ouais, pour toutes les compétitions, quoi, c'est impressionnant. Alors, le pauvre Donkey Kong, du coup, qui devait pas avoir beaucoup de pourcentage, parce que Nems devait en avoir une vingtaine. Non, bah, c'est ça, en fait. C'est Donkey Kong, 10%, je crois. Enfin, ouais, pas très loin de 10%, mais bon, voilà. Donkey Kong a fait la surprise aujourd'hui. Il est là où il est, il le mérite. Il mérite sa place. Mais, et il peut gagner. Enfin, mais tu sais que moi, alors je vais peut-être m'avancer, mais il faut un petit peu se mouiller. J'ai bien envie de mettre une pièce sur la victoire de Donkey Kong. Je sais pas pourquoi, mais je sens que Donkey Kong va nous faire quelque chose d'exceptionnel. Alors peut-être que sa victoire contre Nems m'a un petit peu. Voilà, c'est peut-être un petit flou finalement. C'est peut-être trompeur cette victoire contre Nems. Assez facile, hein, rappelle-toi, le push oui, de vrai, Nems et puis le contre-push de. Un 3 étoiles expéditif. Voilà, 3 étoiles expéditif. Bon, c'est peut-être un petit peu piégeux. Néanmoins, moi j'ai bien envie de voir Donkey Kong. Enfin, franchement, il le mérite. S'il n'est pas premier, au moins en finale, je l'espère. Alors, on verra. Hein. On verra à la fin les braquettes de la phase 4 qui vont arriver. Donc, on pourra analyser un petit peu, faire nos espèces de. Voilà. On va faire nos propres pronostics. Nos pronostics, ouais, tout à fait. Mais en tout cas, voilà, moi je mettrais bien une pièce sur Donkey Kong. Mais sur son chemin, de toute façon, il va avoir Surgical. Donc, Surgical qu'on a trouvé globalement. Donc, on va voir. Deux de ces games un petit peu plus tard. Donc, Surgical, qu'on a trouvé globalement solide dans ce CCGS, il a fait quand même des belles games. Quand tu regardes, j'ai regardé aussi les lives de nos homologues étrangers, ils disaient à chaque fois, effectivement, Surgical, c'est vraiment l'homme à abattre qui est extrêmement fort. La bête noire, comme tu l'as dit, en fait. Hein, c'est la bête noire et le gars, en plus, est assez décontracté. C'est vrai que Surgical est tout le temps assez décontracté. C'est pas un joueur énervé. Ah oui, c'est non, pas... Il est serein. Il a beau mettre des petites émoticônes assez souvent. Ça, c'est aussi ce qu'on lui reproche un petit peu. Certains lui reprochent, certains aiment bien. Mais globalement, c'est un joueur assez décontracté. Et on l'a même vu, alors je me rappelle, je sais plus avant quel game c'était, mais on le voyait, parce que des fois, on a le retour un petit peu de ce qui se passe aux États-Unis. On le voyait en interview. Il était en interview, comme toi et moi. Et puis, 5 minutes après, il était sur le plateau en train de jouer. Donc, le gars, aucune pression, pas besoin de se préparer. Pression, quoi, hein, pas besoin c'est ça, pas de préparation. Préparé, ouais. Ouais, même si je pense qu'ils sont préparés quand même depuis plusieurs semaines. Ah, oui, bien sûr. Évidemment. Mais voilà, donc Surgical, c'est vrai, il faut en parler, il faut le dire, il faut l'avouer. Hein, malheureusement, c'est enfin, malheureusement pour nos Français, mais c'est quand même le top 1. Heureusement pour lui, quand même, notre Surgical. Ah oui, qu'il a un sacré niveau et c'est un très gros joueur. Donc, moi, de mon avis personnel, évidemment que j'aimerais voir un Français gagner ce Grand Championship, mais la petite pièce quand même sur Surgical, là je pense qu'il est bien parti pour en tout cas. On rappelle, on l'a évoqué durant les matchs qu'on vient de dire, la force de Surgical, et c'est ça que les joueurs vont devoir comprendre, si ce n'est qu'ils l'ont déjà compris, mais vont devoir encore mieux comprendre peut-être et mieux maîtriser, la force de Surgical, c'est que c'est un joueur qui connaît parfaitement toutes les cartes. Et ça, c'est une très grande force. C'est-à-dire que c'est un joueur qui peut te sortir une carte derrière les fagots, mais vraiment une carte qui a été jouée depuis, qui a pas été jouée depuis 3 mois, parce qu'il sait que cette carte-là, précisément, va pouvoir contrer. À ce moment-là, voilà, va voilà, pouvoir à ce moment-là, tout à fait. C'est absolument énorme. Et je crois que c'est un des seuls joueurs qui arrive à faire ça. Oui, on va dire que. Un bon joueur de Clash Royale se voit aussi sur son choix de cartes, son choix de deck et surtout sur l'adaptation qu'il peut avoir sur son adversaire. Et ça, c'est important. On voit souvent les mêmes decks revenir, mais après, est-ce qu'on voit souvent des joueurs, comme tu dis, qui s'adaptent finalement au deck de son adversaire ? Parce qu'il y a aussi la surprise. Est-ce qu'un joueur qui va gagner avec son adversaire va reprendre le même deck ? C'est ça aussi, c'est s'adapter sur un deck qui finalement peut-être sera différent à la prochaine game. C'est la grosse difficulté. Et écoute, allez, je te propose tout de suite qu'on rentre dans le vif du sujet avec Surgical contre Berin. The match, probablement... J'ai hâte de voir ça. Probablement le plus beau match de ces phases 3. C'est parti. Surgical contre Berin, le BO3 de la mort. Yeah. Et donc, allez, Surgical c'est parti. Ici, qui part sur un deck Lovebait. Regarde, alors cette fois-ci avec une TDE et non pas une Tombstone. Mais regarde surtout ce qu'a Berin. Regarde ce qu'a Berin. C'est ça qui est intéressant. Berin qui nous joue du géant squelette Zappy, s'il tire poison. Alors là, je pense, une des plus grosses surprises de cette compétition. T'imagines ça. Alors on avait Nems qui avait quelques jours avant, joué aussi un Zappy. Mais alors là, c'est quand même la grosse surprise. Il joue ça contre Surgical.
C'est vraiment le match qu'il faut pas perdre. Tu vois, c'est comme, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est finalement ce qui va peut-être lui permettre de gagner contre Surgica, parce que c'est la surprise. Et c'est ce qu'on n'attend pas. C'est vraiment la grosse surprise et c'est ce qui peut déstabiliser un pilier comme Surgical, et c'est ce qui lui a fait défaut parfois face à des adversaires qu'on voilà, n'attendait pas forcément. Voilà, il a été déstabilisé. Et alors on le voit ici, donc Berin tranquille, il maîtrise bien le flux avec son avec sa bûche. Hein. Voilà, on est dans le même cas qu'on a évoqué tout à l'heure avec le lockbait. Donc là, Berin, il est tranquille en défense. Grosso modo, je pense qu'il est tranquille. Il n'a pas encore sorti, je crois, ni son géant, ni son zappi, il me semble. Hein. Non, il n'y a pas eu une minute et demie. Eu la surprise, est-ce qu'il attend la minute extra a priori? La minute x2. Je pense que là, sur le début de game, en fait, il va tout simplement essayer de push un maximum avec son cimetière poison, et puis défendre avec la tombstone, et puis bien sûr la bûche pour contrer les fûts de gobelins de Surgical. C'est absolument énorme ce deck là, et on va voir si ça va continuer. La petite tombstone qui est géniale, qui est placée là, pour être disponible. Alors là, ça va sentir la petite bûche, hop, voilà, oh la petite bûche. Limite un petit peu trop placée sur la gauche. Et Surgical qui fait péter les iboticones. Et Berin qui lui répond, c'est ça. C'est rigolo, je trouve ça marrant. Bah, c'est rigolo quand c'est utilisé à bon escient. Oui, voilà. Là, c'est. C'est pas abusif, on vend toujours. Non, pas, on a vu des cas abusifs, mais celui-ci est pas abusif. Pas du tout. Surtout que Berin répond. Voilà, exactement. Berin répond. La petite bûche encore une fois. Et là, Berin qui est solide, hein, une tour à 1653. Il a pris quand même quelques points, à peu près 500 points sur la 600 points sur la tour de droite, mais avec on sent qu'il est solide. C'est ça qu'il faut préciser, c'est avec du classique, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore vu le géant squelette ni même le zap. Mais c'est complètement fou. C'est-à-dire que Derrick joue avec deux slots de deck. C'est énorme. Allez, c'est parti. Le golem, le cimetière. C'est la petite poison aussi placée. Voilà, c'est énorme et ça gratouille. Et là, Surgical, il sent qu'il est en difficulté. Le petit feu qui est lancé, la bûche aussi, ouais, la toujours, bûche ça gère toujours. Bien, ça gère bien. Là, il n'y a aucun problème. Mais il est obligé de lancer son flux. Évidemment, il essaye de se défaire d'un slot. De toute façon, ce slot-là est fichu d'une certaine manière. La petite, le petit gobelin Sarbacane par derrière. Là, ça défend bien avec le petit golem de glace qui sert de défense, qui sert de mi-temps. Et là, attention, est-ce qu'on va voir? Est-ce qu'on va voir? Alors, va-t-on voir? Mais tu t'imagines? Et regarde! Ouh, la bûche pour aller la gérer bûche, le gang, attention. Ouais. Bien joué. Et ça, alors, ça, c'est excellent. Et ça, je me rappelle très bien de cette move. C'est énorme parce que la bûche, on dit ah zut, tiens, la bûche a servi pour le milieu, donc et attention au flux. Et malheureusement, je dirais que Surgical a décidé à ce moment-là de lancer son flux tout au fond. Oui. C'est un peu dommage. Oui, c'est oui, il l'a lancé autour de la tour en fait durant toute la game, et finalement, il envoie un flux lointain au moment où finalement il aurait pas dû. Alors il faut quand même dire. Enfin, c'est impressionnant parce que là il gagne et on n'a pas vu le géant squelette ni même le zapi. Mais c'est-à-dire que le gars a joué avec deux slots de deck sur 4. Le mec a besoin que de deux slots pour jouer. Il a juste gratté. Alors finalement, tu vois, je parlais de surprise par rapport à Surgical, mais là la surprise n'est pas. Enfin, on n'a pas de surprise puisque Berin ne joue pas son géant squelette ni même son zapi. Il n'y a pas la surprise de créer le petit choc, on va dire, psychologique. C'est intéressant parce que du coup, c'est-à-dire que Berin, potentiellement, il peut prendre le même deck exactement pour la suite. Parce que bon, là quand même, on sent. Bon, après, Surgical est pas bête. Il se dit, bon, ok, Berin, il a vu. Il a dit, Berin, visiblement, selon la façon dont il a lancé ses cartes, Elixir, etc., je pense que Surgical sait que Berin joue qu'avec deux cartes. De toute façon, il se dit, ah, bien, oui, bah, oui, il y a deux cartes qui n'ont pas été lancées. Là, avec le résultat, de toute manière, il a le deck. Il va aller regarder le deck. Voilà, bah oui. Donc, tout à en fait, plus ça, de ça, ça il c'est il bien joué. C'est vrai, bon point pour toi. C'est vrai, c'est bon point pour toi. Mais c'est vrai que sur le moment, c'est un petit peu dommage. On aurait bien aimé voir comment il lance son squelette, comment il lance son zappi. J'aurais bien aimé, ouais, mais bon, voilà, il a. Enfin, chapeau à lui, à Berin, puisqu'il arrive à gagner avec deux slots, c'est énorme. Cimetière poison. Voilà, cimetière poison, il a gratté, puis à la fin, il gratte tranquillement avec son petit poison, sa petite bûche, et c'est terminé. J'ai l'impression qu'en fait, Surgical pouvait absolument rien faire en défense, hein, tout oui, simplement, non, on l'a vu à la fin. Il a pas réussi, il a pas réussi à passer, il a pas réussi à défendre non plus, donc ouais, c'était. Bon, c'est une jolie game malgré ça. Hein. Alors là, c'est énorme parce qu'on se dit déjà. Alors je crois d'ailleurs, parce que au-delà du fait de n'avoir perdu aucun match, je me demande si Surgical a perdu une game, ne serait-ce qu'une game. Donc il aurait fait que des 2-0 jusqu'à présent.
Parce ouais, que là, c'est une game qui perd. Il me semble. Donc déjà, rien que ça, tu dis déjà chapeau bas à Bérine. Donc on va voir tout de suite le deuxième match, justement. Surgical, Bérine, la revanche, pas la revanche, mais le deuxième match en tout cas, de ce PO3, Surgical, Bérine. T'imagines, Bérine un petit peu, il doit dire waouh. C'est ça, la concrétisation en fait de Bérine, puisque s'il gagne ici, il gagne son PO3 2-0 face à Surgical. Tout à fait. Donc voilà, il part serein, hein, là on sent, il joue un petit peu sur son fauteuil. Hop voilà, là, le petit Royale pour Surgical. Alors, regardons ces decks, trois mousquetaires des deux côtés, intéressant. Le petit esprit de glace toujours des deux côtés et le bélier des deux côtés. Un deck, allez, grosso modo, qui se ressemble. Ouais, c'est du deck miroir, ouais, quasi. On a juste un mineur et une voleuse de différence. Alors, il y a certes la Night Witch en revanche du côté de Bérine. Oui, et attention quand même au gang face aux trois gobelins. Je crois qu'il y a un élixir d'écart entre les deux, j'espère que je dis pas de bêtises. C'est pas deux, non, je pense que c'est juste un. Donc attention quand même hein, au petit gobelin, gobelin couteau. De Bérine. Mmh. Ouais, au gobelin couteau, je sais pas comment on les appelait. Oui, gobelin oui, bah, couteau. Il s'appelle gobelin, mais c'est vrai que moi je précise le couteau parce qu'on peut avoir le gobelin à lance, donc voilà, petit gobelin couteau. Ou le gobelin à sarbacane, tout à fait. Exactement. Mais là ça s'y prête pas de toute façon. Alors, les deux joueurs qui se regardent un petit peu, qui cumulent leur élixir, ils vont attendre d'être à 10 pour repêcher. Et si tu regardes bien, regarde la tour du surgical, hein, en haut à gauche, il a déjà morflé. Bah oui, c'est que Bérine il a un mineur aussi, donc c'est bien pour lui. Et regarde, attention rater, et là, oh, t'as vu ça? Ah, il l'a stoppé. Hein. Genre, non. Il mais l'a stoppé à 1 mm de la tour. Et encore une fois, on parle de cet esprit glace. Ça a stoppé à 1 mm de la tour. Là, je pense que ça aurait pu changer pas mal de choses quand même. Exactement. Alors, attention, le bélier qui lui, de son côté, est zappé. T'as vu, Bérine, il a refait son petit geste. Ouais. Bérine est énervé parce que bah, il a pas réussi à bien défendre son push. Et là, regarde, il s'est fait manger sa tour. C'est ça qui est très difficile. Il faut faire très attention encore plus quand un joueur contre Surgical. Si tu fais une erreur, t'es fichu. Et là, on l'a bien vu ici. Voilà, après 448 PV, ça peut partir très vite, hein, surtout si une charge de bélier passe. Il reprend la tour. T'as vu ça, t'as vu ce match? Une tour qui part, l'autre tour qui part. Là, Surgical qui a 448 sur son côté gauche. C'est absolument énorme. Il se passe plein de choses dans ce match. Il reste encore une minute. On n'est même pas dans le x2 encore. Ouais, on va rentrer dans le x2. Et là, ça les trois mousquetaires qui vont sortir. Voilà. Surgical qui envoie les siennes. Et donc, il les laisse paquer. Hein, tu vois, finalement, là, ils envoient tout du même côté. Il faut tout donner. Et il faut que ça passe. Il n'y a pas le droit à l'erreur. Donc là par contre ils utilisent leurs 4 slots hein. Là, là, ah ouais, là pour le coup ouais. Alors il y a du bélier, évidemment forcément on voit les mêmes cartes hein, donc il y a un gros combat en plein milieu, forcément les troupes se retrouvent au milieu. Alors là tu vois sur un deck miroir 3 mousquetaires, je pense que si un des deux avait fait le choix de prendre le sort de soin, ça aurait peut-être pu faire la différence. Exactement, et sort de soin qu'on a vu quelques fois avec la mousquetaire. Et oui. Mais ici ça aurait été tellement bien un petit sort de soin. Mais regarde, il y a encore 2 mousquetaires en face, 2 mousquetaires. Oh, regarde, c'est 2 mousquetaires et la périlissée. La Bérine, il sait que c'est fichu. Hein. Il sait que c'est fichu. Il reste 14 secondes. En plus, la tour qui va morfler, c'est horrible. C'est horrible pour Bérine parce que il avait un avantage énorme avec une tour à 448 du côté de chez Surgical. Surgical, je crois qu'il a passé tout le match avec une tour à 448. C'est à peu près ça, ouais. C'est à peu près ça. Il a passé son match avec les 448. Et pour le coup, tu vois quand même que tu vois Surgical a quand même cette avantage psychologique, évidemment, la bête noire. Mais finalement, il fait pas tant le fanfaron que ça sur le plateau. On sent qu'il est concentré. Ah, mais là, il a peur. Le petit souffle de soulagement après sa win. Mais voilà, comme tu dis, on sent la petite pression, la petite peur quand même. Et donc, bah, on va voir sur cette troisième game. Oui, sur cette troisième game. Alors, ce qui est très intéressant, juste avant, c'est si tu te rappelles bien, ce bélier côté gauche de Bérine qui est envoyé sur le côté gauche, qui est stoppé à 1 mm. Le bélier aurait tapé, glace, la tour partait. Exactement. Et le bélier n'a pas tapé. Et seulement à cause de ça, bah, la tour de Surgical est restée pendant tout le match. Donc comme quoi ça se joue à l'esprit glace de Surgical, mais vraiment au dernier... Je sais pas, même pas dernière seconde, ouais, milliseconde. Et après, il s'est dit, bah, je défends ma tour, voilà, je la laisse pas tomber. Je défends et coûte et que boum, coûte, il l'a bien joué. Alors moi, il y a un truc que j'aimerais bien voir, un petit point sur les trois mousquetaires, c'est qu'on les voit. Alors j'entends bien que c'est une move assez délicate, surtout dans ce match-là où il y a plein de cartes qui rentrent en jeu, mais on voit jamais les trois mousquetaires qui sont lancés en corner. Et pourtant, là, ça aurait été tellement bien lancé du corner. Alors oui, c'est délicat. On les voit quand même. En fait, le problème de ces trois mousquetaires, c'est que c'est une carte qui coûte extrêmement cher. Ouais, donc si tu la perds. Voilà, donc on va pas les lancer comme ça si facilement. Et c'est une décision à prendre qui est importante parce que si tu risques de mettre tes trois mousquetaires corner, ton adversaire peut profiter de prendre une tour en fait. Donc c'est risqué et ça peut être aussi, on va dire, anticipé
par l'adversaire. Il peut très bien mettre une troupe aussi en corner pour prendre l'aggro des trois mousquetaires. Ouais. Donc c'est pas forcément évident. Faut avoir le bon timing. Voilà, faut avoir vraiment le bon timing pour placer ces trois mousquetaires corner. Mais on le voit quand même assez souvent. Ça peut arriver. Mais là, en l'occurrence, ouais, et là, c'est tellement dommage. C'est-à-dire, je me dis ça. On aurait aimé d'autant plus le voir que 448 points sur la tour de Surgical. Tu t'imagines, 3 tiers de mousquetaires et adieu la tour. Ah oui, exactement. Mais bon, malheureusement, Bérine qui a perdu cette deuxième game. Donc je vous propose qu'on regarde la troisième game. Donc Surgical, Bérine, la game décisive. Et donc, que l'on sait d'ores et déjà, qui a été remportée par Bérine. Mais de quelle manière, ça on ne sait pas. La surprise. Donc on va voir ça tout de suite. Surgical, Bérine, troisième. Oh, ça va être quand même excellent, tu vas voir. Je me rappelle. Ça va être tendu, je pense. Très bien de cette game. Regarde ça, c'est parti et regarde les decks. Ah bah tu vois, regarde le fameux deck cochon foudre. Voilà, celui que tu apprécies tant, qu'on a vu tout à l'heure des fois. Et Surgical qui joue un petit peu plus classique, un cimetière. Oui, du cimetière poison. Voilà, cimetière poison, il y a quand même un tombeau aussi intéressant. Et une méga gargouille qu'on voit, qu'on n'a pas trop vu dans l'ensemble de cette phase 3, sur tous les matchs qu'on a eu, qu'on n'a pas trop vu. Et Surgical qui quand même est un des joueurs qui la joue le plus, cette méga gargouille. Oui, c'est vrai, c'est une bonne carte, hein, mais c'est vrai qu'elle est remplacée par les gargouilles des fois. En fait, elle a reçu un léger nerf il y a un petit moment déjà sur une mise à jour qu'il y avait eu. Et du coup, c'est pour ça qu'elle a, voilà, elle a été un petit peu remplacée, on va dire. Mais c'est vrai qu'on peut la voir encore. Et le cochon. Alors tu vas voir ce cochon qui va avoir un rôle prédominant évidemment dans la carte maîtresse, dans cette game. Ouais, ouais. Là, il va se passer plein de choses dans cette game jusqu'au bout. Allez, c'est parti. Enfin, c'est parti, c'est déjà parti depuis une minute d'ailleurs. Allez, le petit cimetière agressif de Surgical, le golem de glace qui va défendre un petit peu de squelette. Bah, en fait, regarde comme ça gratte, alors que, faut quand même le préciser, c'est que Bérine a le compteur parfait du cimetière, c'est-à-dire qu'il a un chevalier et un golem de glace. Deux cartes assez tanky qui peuvent prendre l'aggro des squelettes, et pourtant, malgré ça, et le bourreau en plus, Surgical a réussi quand même à gratter la tour. C'est impressionnant. Et le cochon qui n'arrive pas à taper encore. Voilà, une minute et demie de match et pas un seul coup de cochon. Je sais pas avec quoi il a tapé la tour à droite. 106 points qui ont été tapés. Ouais, il n'y a pas grand chose. Il n'y a pas grand rien, quoi, quasiment. Et donc Surgical qui est pour l'instant en gros avantage dans ce match. Le golem de glace. Golem de glace contre golem de glace à sans cimetière. Tiens, regarde, tornade intéressante. Il fait reculer. Il rigole. Ah oui, alors là c'est vrai que c'est assez, je sais pas, la petite tornade, ouais, c'est assez surprenant. Voilà la défense, le poison évidemment en appui de ce cimetière, ce qui paraît logique jusqu'à présent. Et là la tour, et là c'est pas bon pour la tour. La poudre qui foudre. Et regarde, enfin le cochon qui tape une fois, deux fois, et là c'est la première fois qu'on voit le cochon qui fait son incursion, et enfin une incursion solide. Et là tapé deux fois, trois fois, je crois, le cochon. Ça y est, hein. Là il peut sortir sa foudre en fait. Donc Bérine peut s'énerver. Et là tout de suite c'est plus actif, on voit plus de troupes et ça se met à attaquer à gauche, c'est marrant, un coup à droite, un coup à gauche, c'est ce mais c'est. Disais, en fait. Et tu oui. sais pourquoi? Parce qu'il y a 84 PV sur la tour de droite. Et du coup le cimetière, c'est vraiment avantageux pour lui de garder endormi la tour du roi en fait. Bien vu, il sait qu'il peut terminer la tour avec ulti bouche. Et regarde ce qui va se passer ici. La bûche de Surgical qui va être lancée évidemment pour terminer la tour à droite. Et regarde Bérine, il se passe rien, mais si, la petite bûche de une et à une seconde près, Bérine qui égalise. Ça c'est absolument énorme, ne serait-ce que ce move là. Et là il repart. Deux bûches qui se croisent à une seconde de la fin, c'est énorme. Et donc voilà, ça repart. Bérine qui est en léger désavantage, mais regarde son attaque tout de suite avec le cochon. Et là ça va tomboter à mort et ça va durer très longtemps. Ouais, la défense du bourreau, c'est pas mal, hein, ce bourreau est utile, mais en même temps, le bourreau tornade, là, il en a pas forcément... On n'a pas vu la tornade, bah, non, parce qu'en en fait, il y a quoi du côté de Surgical à tornader? Il n'y a rien. Enfin, là, concrètement, bon, il y a certes peut-être un cimetière pour éventuellement retirer les squelettes de la tour, mais là, il n'y a pas grand-chose, en fait. Oh là là là, regarde voilà, ça. Regarde ça. Alors, il s'est dit, je vais pouvoir envoyer mon cochon avec cette foudre-là. Mon cochon va être libéré, il va pouvoir aller taper. Non, le cochon n'a pas tapé. Donc, c'est dommage. Mais c'est bon. Là. Entre les deux joueurs, c'est impressionnant. Ah, c'est énorme. On a deux joueurs qui sont là, ils sont d'un même niveau. Ils ont détruit plus d'une tour, ils ont le tour à peu près au même point de vie. Et regarde, c'est parti encore une fois une attaque. La petite bûche derrière. Ah, dommage, la bûche qui prend pas les squelettes. Ouais, du coup. J'aurais attendu un petit peu pour cette bûche qui a servi à rien finalement, il me semble. Il a juste embarqué un petit peu les. Et voilà, enfin une bonne utilisation de la tornade. Il a juste embarqué un tout petit peu les archers contre cette bûche. Tornade contre. Bûche, pardon.
c'est tendu, hein. C'est tendu. 1500. Attention, le tombstone ici. Et la foudre qui laisse passer peut-être le cochon qui va pouvoir taper une fois. Boum, il gratte. Un coup de cochon. Ça peut parfois se jouer à un coup de cochon, hein. Donc pour le coup c'est important. Et là c'est parti, le push cimetière de notre ami surgical qui arrive, le chevalier en défense. Il la tornade pour faire reculer tout le monde, pour aligner tout le monde, et ça c'est très intéressant, tu alignes tout le monde face au bourreau. Regarde la déception de Beryn, est-ce que tu as vu, il a lancé sa bûche. Finalement il s'est dit pourquoi j'ai lancé cette bûche alors qu'il y a la tombstone qui me gêne de l'autre côté pour faire passer mon cochon. Regarde, ça dira, il reste une minute de jeu, il est long ce match, il est long, ça ne s'en fait plus, ça ne se fait plus. Oh le chevalier sur la tour, attention le chevalier ne pas sous-estimer. Et le cochon qui va taper sur le bourreau, sur le tombeau une fois, deux fois, il passe le cochon, il passe pas. Énorme la bûche qui est derrière, un peu lente la bûche d'une certaine manière, entre guillemets. Mais t'as vu la game, mais ça dure tellement longtemps. Et boum, la foudre. Et là Beryn savait de toute façon qu'il avait la foudre. Bon, surgical qui a, je crois qu'il a tapé une émoticône, il me semble. Qui a tapé une émoticône, je crois que c'est surgical. Ah, j'ai pas vu, je t'avouerai que là, les émotes, j'ai pas regardé. Mais c'est énorme. En fait, le but, en fait, on sentait bien que Beryn essayait de gratter avec son cochon. Il s'est dit, si j'arrive à gratter et descendre sous les 400 points, j'envoie ma foudre après et c'est terminé. En fait, oui, voilà, c'est ça. Fallait juste, en fait, il fallait qu'il soit à portée de foudre bûche, finalement. Donc c'est ce qu'il a fait. Et puis voilà, il a gratté au fur et à mesure. Il a réussi à passer. Et puis en x2, on a vu la sortie de la foudre aussi, qui a été un plus dans son deck. Hein. Et le cimetière de Surgical qui, malheureusement, n'a pas réussi à gratter. Deux grosses défenses hein, de la part de Beryn. Hein. Le chevalier et le golem de glace, hein, deux gros tanks. Enfin, deux bonnes cartes, très bonnes cartes pour contrer justement ce cimetière. Et on voit bien ici, de toute façon, que Beryn, on peut le dire, méritait sa victoire. Quand tu regardes, quand tu regardes même les trois matchs, même sa défaite, je dirais pas qu'il méritait sa défaite, mais disons qu'au final, tu vois le 2-1 de Beryn, tu dis c'était mérité, mais quel match, tu t'imagines, c'était tendu jusqu'au bout. Hein. On s'attendait même à une égalité finalement, parce que là, la défense était tellement intense de deux côtés. Bon, après, le foudre, là malheureusement, de toute façon, il n'y avait pas le choix. Enfin, clairement, la tour tombait. Mais c'est vrai que s'il y avait eu un petit peu plus de points de vie sur la tour, ça aurait pu durer. On arrivait jusqu'aux 6 minutes et on repartait pour un. Est-ce qu'on repartait pour un match? Alors, je sais pas comment ça se passe quand il y a égalité. Bah oui. Ah, forcément reporté pour un match puisqu'il y avait 1-1. En tout cas voilà, bien joué de la part de Beryn, franchement bravo Beryn l'Allemand qui est donc le seul joueur à battre Surgical, et je pense qu'il le mérite amplement, il mérite amplement sa qualification Beryn, et donc je sais pas s'ils vont se réinfronter pour la suite Surgical et Beryn, t'imagines, ça serait absolument serait énorme. Et justement Beryn qu'on va retrouver tout de suite dans un match contre Royale du coup, ouais. Voilà, que je te propose de regarder Beryn contre Royale, donc Beryn on connaît son talent maintenant. Royal, on connaît son talent aussi. Un petit peu surprise, très bon défenseur, etc. Et donc, regarde bien ce match. Beryn, Royal, et c'est parti pour les deux. Donc, extracteur du côté de Beryn, certainement un deck assez cher. Voilà, on va voir. Peut-être du 3 mousquetaires ou autre. Royal qui passe tout de suite son poison, qui crame la moitié de la pompe. Beryn qui était pas très content d'ailleurs. Et Royal qui reste à 10, hein, qui attend quand même ici. Il doit pas avoir grand chose en main pour contrer les 3 mousquetaires. Il lance son petit sorcier électrique ici à droite. Et attention à gauche surtout. Hop là, à gauche à défend, il dégarde. Ah ouais, et on a vu tout à l'heure Royal qui joue beaucoup ses gardes. Hein. Il les a lancés tout à l'heure, ça devait être le match contre Donkey Kong il me semble. Contre Nems, je ne sais plus, mais en tout cas oui, il avait déjà lancé. Peuvent revenir un petit peu parce que c'est une bonne carte en soi, je trouve. C'est une... voilà. On a vu les gardes apparaître, il me semble que c'était au D3. On les a vus apparaître. C'est-à-dire qu'avant ils n'étaient pas beaucoup utilisés dans ce CCGS, dans cette phase 3. Puis tout d'un coup, plein de joueurs sont mis à les utiliser, mais quand même Royal en reste le représentant, le meilleur représentant. C'est vrai que ce qui est assez curieux dans Clash Royale, c'est que finalement on a parfois des mises à jour qui touchent pas forcément une carte, mais qui de par les changements attribués sur certaines cartes, font qu'elles peuvent être bénéfiques. Donc ce qui est assez l'impose indirectement. Et regarde, Beryn qui essaye de charger toujours avec son bélier. Et attention, moi, la petite mousquetaire qui est derrière. Hop. Ouais, géré par les petits scooters, c'est bien. Ouais. Et là, il y a eu zéro d'encaissé, enfin quasi zéro, on va dire, parce qu'il y a de droite quand même qui a reçu quelques points de dégâts. Mais Beryn qui est plutôt bien pour l'instant, il a gratté plus son adversaire. Beryn est super solide. Là, on sent que Royal. Et regarde, deux pompes de chaque côté, tu t'imagines? Qu'est-ce qu'il va y avoir là?
Du côté de Royal, je pencherais plus pour des trois mousquetaires aussi, hein, étant donné ce qui sort comme carte depuis tout à l'heure. Alors rappelle-toi que Royal tout à l'heure avait aussi une pompe, mais n'avait rien de. Voilà, il n'avait rien. Donc qu'est-ce qu'ils m'ont fait le même coup ? Peut-être, c'est pas sûr, parce que. Eh bien non, regarde, c'est son cimetière, donc non, c'est le même deck que tout à l'heure. Pour citer rapidement. Voilà, avec du cimetière poison en fait, juste pour le citer. Non, mais attention, bus qui arrive, il y a de la bolosie, il y a du beignet, il y a des cartouilles. Il y a même de la mousquetaire, il y a de tout. Et là, regarde, ah, si ça arrive à la tour, c'est terminé. Hein. Eh ben non, regarde un gros push qui finalement est très bien géré par Royal ici, hein, avec seulement un électro-sorcier quasi. Hein, c'est lui qui a fait tout ça. L'électro-sorcier qui est absolument énorme. Et hop là, il en remet un tout de suite après. Ça cycle très très vite du côté de chez Royal. C'est là qu'on voit l'avantage de la petite pompe qui est là depuis quasiment tout à l'heure. La jolie défense, hein, quand même. On est trois mousquetaires avec le poison à chaque fois. Regarde comme ça défend bien, c'est bien, mais énormissime parce que. Il n'y a pas beaucoup de dégâts, ça défend tellement bien des deux côtés, c'est tellement joli à voir. C'est le fait fluide de... en fait, voilà. C'est fluide, on perd ses cartes en réattaque, on les repère en réattaque, etc. Il n'y a pas de temps mort en fait. Attention au bélier qui a peut-être cogné. Et le bélier qui cogne, malgré le sorcier électrique qui n'a pas pu arrêter le bélier. Il l'a freiné mais qui n'a pas pu l'arrêter définitivement. Ouais, il ralentit quand même pas mal. Alors là, on est en extra time. Et c'est parti, le push de Royal sur la tour de droite avec ce cimetière, le golem de glace en défense évidemment. Et malheureusement, le poison, le poison. Le poison sur les mousquetaires. Hop. Bah, c'est très bonne défense, hein, comme on disait tout à l'heure. Et oui. Le sort de poison. Attention, B. Donc, une nouvelle attaque, une nouvelle fois. Il attaque tout le temps de la même manière, Bérine, jusqu'à temps que ça termine, je pense, je sais pas. T'as remarqué, ouais, il a raison en soi. Il a raison, il met tout sur la tour qui finalement a le moins de points de vie. Regarde, il s'arrête pas, ouais, c'est ça en fait. Il envoie tout le temps son bélier et sa voleuse. Ah, la voleuse, des petits gardes. Ah, les petits gardes, ils sont embêtants quand même. Hein. Eh oui, toujours. Ils sont embêtants avec leur bouclier là. Oh là là, il est pas content, Bérine. T'as remarqué encore le petit il geste est pas content, ouais. Je me demande pourquoi il est pas content. Parce qu'il prend quand même un gros avantage. T'as vu ça? Bah, parce qu'en fait, il s'est dit, est-ce qu'il va réussir encore une fois à me défendre sur ce push, quoi. Je pense qu'il s'est dit, parce que là, concrètement, ce qui s'est passé, c'est que Royal aurait peut-être pu défendre encore une fois le push de Bérine. Et je pense que c'est ça qui l'a un petit peu agacé, parce qu'on voit sa réaction au moment où finalement on a cru voir Royal défendre le push. Et finalement, non, on voit la tour qui tombe, clairement. Ouais. Donc, c'est vrai qu'on peut ne pas trop comprendre le comportement de Bérine, cet énervement qui finalement n'a pas lieu d'être là. Il y a peut-être un petit move qui est pas bien placé. Faut dire, ouais, il y a tellement de cartes qu'on l'a pas vu. Mais les petits gardes qui l'énervent en fait. Je pense que c'est les petits gardes. Après, je dis ça, je dis rien. Mais je pense, en tout cas, il a gagné. Donc, c'était voilà, un petit énervement pour rien, on va dire. Mais voilà, je trouve qu'on a deux joueurs aussi. C'est aussi pour ça que j'ai pris ce match. On a deux joueurs qui, grosso modo, ont à peu près le même niveau. Tu vois, ils défendaient chacun de leur côté. Mal, ils attaquaient ouais. chacun de leur côté. Chacun très fluide, ouais. avec leurs cartes hein, respectives. Mais voilà, c'est, comme on disait tout à l'heure, c'était fluide. Et je pense que quand un match est fluide, ça veut bien dire justement que les deux joueurs ont un niveau qui est assez proche, ou du moins une manière de jouer qui est assez proche. En tout cas, c'est intéressant. Bon, victoire de Bérine, quand même méritée, parce qu'il a quand même gratté plus longtemps, il a fait plus d'attaques. J'ai l'impression d'avoir vu un Bérine plus agressif et un Royal plus défensif. Donc au bout d'un moment, il faut bien quand même que ça paye pour Bérine. Et donc voilà, on va tout de suite regarder le deuxième match, Bérine Royal. Je rappelle que si Bérine gagne, évidemment, Bérine remporte ce match. Alors il tout saute toujours. Non, juste deux fois. Allez. Alors chez Royal, ça attend, regarde, ça prend quand même 10 d'élixir, ça attend, il attend, et ça y est, il place le bourreau. Est-ce qu'il jouerait pas le cochon? Ah, ton petit deck fétiche. Ouais, mon deck. Il me semble que c'est lui qui l'a lancé tout à l'heure, non? Ouais, ouais. Alors là, du coup, on a la première régression, cimetière du côté de Bérine, défendu par un golem de glace, c'est très bien, la Nightwitch derrière, mais regarde comme ça gratte la tour, c'est monstrueux. Et la Bérine, tout de suite, t'as vu ça? 974, énorme. Ah oui, là, il s'installe et... Et c'est parti, donc on finalement part sur du bélier. Non, on part sur du bélier bourreau. Why not? Et le bélier qui tapera pas. T'as vu ça, le bourreau qui perd du temps à détruire le golem de glace. Il lui faut 4 allers-retours pour détruire le golem de glace. C'est vrai que le bourreau est une très bonne carte. Enfin, moi j'apprécie beaucoup cette carte. Une très bonne carte défensive. Aérienne, terrestre, voilà. Enfin, c'est énorme. C'est vraiment une très grosse carte. Deux dégâts pour le prix d'un. Hein, enfin. C'est ça. Ouais, un aller-retour de hache, ouais, c'est ça. Et encore, imagine-toi qu'avant, ils détruisent aussi les troupes qui étaient derrière, enfin, d'une certaine manière. Si tu passais tes petits squelettes, ils détruisent jusqu'à temps qu'ils règlent ça quand même. C'est vrai que c'était un petit peu cheaté, d'une certaine manière. Il y avait un petit effet de freeze aussi, je crois, enfin, de stun avec la hache, il me semble. Ah, ça, je me rappelle, c'est bien vu. Oh, voilà,
Alors le bélier, le bélier, le bourreau, toujours le bourreau qui est en attaque. Regarde le petit squelette d'une vie, énorme. Le squelette d'une vie qui est tout seul avec le golem de glace. Avec le golem de glace. Et moi je regarde la tour en haut à gauche, Bérine qui sait qui perd sa tour. Alors là, Bérine, je pense qu'il était concentré sur son attaque à droite de toute façon, sur la tour de droite. Il s'est dit, bon, ma propre tour de droite, ça dépend de la manière dont on regarde, mais la tour de gauche, du coup, je la laisse. Je l'ai perdu, quoi, du coup. Et c'est ça aussi, je pense que c'est intéressant de voir des fois aussi des joueurs qui se disent, bon, c'est bon, j'ai perdu ma tour, je la perds, j'essaye pas de la défendre de plus, je vais pas utiliser des serres de plus pour la défendre. Et au contraire, de se concentrer sur une future attaque. Parfois c'est bénéfique, oui. Effectivement, tu te dis, bon, bah de toute façon, je vais la perdre. Enfin, voilà, concrètement, il restait pas grand-chose sur la tour. Voilà, il se dit, je la perds, c'est pas grave, moi j'en ai une aussi, on va repartir de zéro des deux côtés. Et on va voir ce que ça va donner. Et attention, avec ce petit cimetière de Bérine qui n'aura pas. Pêche lointain quand même, hein. Il a envoyé son bélier quand même. Jouer la Nightwitch, mais j'ai pas l'impression qu'elle est aussi bien défendue que ça. Attention au bourreau, toujours le même. Et la Royale qui est dans une position un petit peu inconfortable. Ouais, je m'en doutais qu'il allait attaquer en corner. Parce qu'il a bien gratté sur la tour du roi, mais par contre la tour de droite, attention au bélier. Le bélier qui pêche pas malheureusement. Moi j'arrive, il y a plutôt peut-être un avantage pour. Bah, c'est difficile à dire. Je pense que Bérine la tour du roi en fait de Bérine est bien entamée quand même. Ben oui, et puis ça continue, mais attention quand même à gauche. Poison, regarde ça gratte, regarde comme ça gratte, regarde comme ça gratte. On descend à 1470, 1440. Ouais, c'est surtout le poison hein, qui a fait des dégâts parce que le cimetière en soi a été bien géré par ce golem de glace et cette Nightwitch. Et là, je pense qu'il va clairement partir entre couronnes et il aura raison, hein, Royal. Est-ce que Royal va faire vite, un des seuls 3-0 de cette phase 3? On n'a pas vu beaucoup de 3-0, hein. On n'a pas vu, à part tout à l'heure avec Gonki et Nem. C'est énorme. Il me semble que Sorgical a fait un 3-0 aussi. Allez, le tour. De Bérine. Alors ce serait quand même assez ouf pour Royal ici de s'incliner avec la tour perdue de gauche. Alors qu'il y a mineur, poison. Sur la tour du roi. Ce serait quand même dommage. Va-t-il réussir, notre ami Royal, à gagner ce match face à Bérine? 210 points de vie. Ah, il envoie tout, hein, il envoie tout. Bon, bah, un poison. Un poison, donc là, faut absolument défendre ce cimetière. Voilà, il défend et après, il a plus qu'à attaquer. Il place quand même le poison. Attention, good game. Qu'est-ce qui va se passer? 120 secondes. Regarde en bas aussi. 210. Et oui, en haut, oui, 30 49. Secondes. Ouh, 19 et oui. Sur cette tour. Oh, c'est monstrueux. 19 PV. Et je me rappelle très bien, c'est un des seuls moments où un joueur s'est levé comme ça, on sent vraiment qu'il était dégoûté. Bah, et là oui, tu m'étonnes qu'il est dégoûté. Enfin moi à sa place pour 19 PV, et il était à deux doigts de retourner la game finalement. Et c'est ça, exactement ce que je voulais dire. C'est qu'il y a eu un espèce de retournement de situation. C'est-à-dire que Bérine était pas bien. C'est-à-dire que sa tour du roi était clairement endommagée. Et puis il a réussi, mine de rien, à aller gratter, mais très très bien, la tour de gauche de. La tour de Royal. À quasiment la détruire. Et puis il se retrouve quand même à perdre à quelques dizaines de points de vie. 19 PV, c'est horrible. C'est-à-dire qu'il a une double déception. Parce qu'il dit j'ai réussi à revenir quasiment dans le match, quasiment à l'emporter, et finalement j'ai perdu. Donc ça c'est quand même un petit peu dommage. C'est un peu frustrant et dommage pour lui vraiment, parce que comme tu dis, ouais, il a bien joué malgré ça, il aurait pu revenir, ça aurait été intéressant et assez fun aussi pour nous commenter une game de ce type, vraiment le retour de Bérine. Mais t'as vu cette game qui a quand même duré encore extrêmement longtemps, il y a plein de games qui dépassent les 3 minutes, les 4 minutes, voire les 5 minutes, bref, enfin franchement c'était encore un beau match, hein. Match, c'était smooth, quoi. Voilà, ça part bien d'un côté, ça part bien de l'autre. Il y a des belles attaques, des belles défenses, etc. Et c'est des decks différents, c'est ça qui est important. Et oui, aussi. Des decks complètement différents. C'est qu'on n'est pas sur du deck miroir, donc c'est agréable. Ouais, donc chacun a ses forces, chacun a aussi, malheureusement, a ses faiblesses, mais c'est franchement superbe à regarder. Et donc, on va voir bien tout de suite le match décisif entre Bérine et Royal. Qui va l'emporter entre l'Allemand et le Roumain? Match décisif donc. Que va faire Bérine? Il place tout de suite une pompe et tout de suite agression l'agression. Avec le cimetière peut-être du côté de Royal sur la droite. Et non, on regarde le bélier. Et Royal qui part en bélier cette fois-ci. Et le bélier qui va cogner. Et le zap derrière. Ah ouais, alors là ça tombe. Là ça tombe. On a deux barbares, une Nightwitch. Regarde Bérine. Bérine il regarde n'importe où. Il dit oh là là. Alors là je me suis fait complètement avoir. Et regarde la tour du roi qui va déjà prendre très cher avec la Nightwitch qui est full life. Et regarde, ouais, ça va prendre extrêmement cher. Ouais. Et il la défend pas, il a raison là, il va préparer une espèce d'attaque, je sais pas ce qu'il va faire, mais il repose. En fait, c'est la punition. Sa pompe. Ah, si, tu poses une pompe
et forcément tu te fais punir derrière puisque c'est ce qu'a fait Royale, il est parti très agressif en river directement et il a eu raison. Alors il a eu raison. Ah, il a raison et puis il l'a surtout très bien fait quoi, parce qu'il y a partir et partir, mais là il a fait un espèce de gros push avec 4 troupes, ça a très très bien fonctionné. Bon cette fois-ci Bérin qui défend, il dit bon attends écoute mon Royal là. Je veux bien mais à un moment donné. Je veux bien mais là ton push du début c'était de la chance. Maintenant, mais alors attention parce que Royal est full life dans ses deux tours. Il va peut-être. Voilà, il a pris un dégât de gargouille ici, mais c'est pas grand chose. Deux extracteurs après, donc je pense certainement du 3 mousquetaires du côté de Bérin. Ouais, il va nous lancer un gros truc là. Hop là, ça dash et regarde le beau golem. Et ça c'est intéressant, le beau golem de glace. Et je. Et hop là, ça tape là où le. Sur la pompe Alix. Bon, ça peut encore aller. Heureusement, la voleuse avait plus beaucoup de vie. Et regarde, tu as tout à fait raison, la triple mousquetaire. Et le poison, il en a marre là. Il dit Bérin, oh là, mais il a tout. Ah, il en peut plus là. Royal, il a tout pour me défendre. Ah, il est complètement. Ouais, il est au bout de sa vie, comme on dit. Vraiment. Ah, mais là, il est au bout de sa vie, pourtant, on est au milieu du match. C'est tout le paradoxe de la vie. Regarde, voilà, encore le jeu de l'enfer. Ah, mais Royal, j'aime bien la façon dont il se défend. Oh, le dash de la voleuse, double dash, est-ce que tu l'as vu en haut? Ouais. C'est sympa, cette carte est vraiment fun, je trouve, cette voleuse, j'aime bien. Petit dash comme ça à commencer, c'est tendu à chaque fois. Je trouve ça vraiment sympa. Et là, le dash, attention, la charge du bélier qui part aussi, ça fait mal. Et regarde, il a bien repris la, enfin quasiment l'avantage, 313 oui, points de vie. Bérin, et là Bérin il dit bon allez, il reste 30 secondes, j'ai tout à fait la possibilité, ça sent le petit poison. Et regarde le poison qui ne prend que les deux mousquetaires de gauche. Attention, attention parce que cette petite boule de Royal, mine de rien, ça peut jouer. La mousquetaire de droite elle qui n'est pas en endommagée. Fait, hein. Et allez encore là. 249. On serait à portée de poison. Que va-t-il se passer? Il reste 10 secondes. Il met 5. Oh là, ouais, non, le 3 points. Et là, il dit GG. Et Bérin. Il retire ses écouteurs et boum. Ah il oui, le laisse charger. Alors là, Bérin s'en va direct. Ah oui, oui. Alors ça, je me rappelais pas qu'il s'en allait aussi vite. Il a failli perdre cette heure du milieu d'ailleurs. Là, c'est un Bérin très énervé. Bah, très énervé, oui. Je pense que un petit peu agacé d'avoir perdu sa tour aussi rapidement. Et ce qui peut se comprendre aussi. C'est vrai que la punition après avoir posé son extracteur a fait que malheureusement son adversaire est parti très agressif river directement sur la droite. Donc, ouais, cette punition. Ça, en fait, on va pas dire que la game était jouée dès le début, mais presque. Parce que même si Bérin a réussi tout de même à poser ses extracteurs et donc à prendre l'avantage en élixir sur le late game, la tour du roi était quand même très entamée et c'était chaud, c'était vraiment chaud. C'était chaud et on voit effectivement hein, que Bérin voulait, enfin c'est dit, il a réussi à faire descendre des points de vie de la tour de droite, il y est resté 240, j'aurais pu l'avoir, mais à un moment il a lâché, quoi. Il a dit là c'est plus possible, et à la fin dégoûté, alors, hop, il a ses écouteurs, il s'en va. C'est rare, d'habitude même s'ils perdent, ils font bon, un petit au revoir, un petit bon, coucou. Après, mais là, je préfère qu'il parte comme ça plutôt qu'il explose son téléphone sur la scène, tu vois. Ah, c'est vrai, qu'il fasse autre chose du type Suarez. En tout cas, voilà, le match très intéressant ce match, hein, Bérin Royal, voilà, on s'en souvenait là encore, un match très serré, des games, des belles games, franchement des beaux moves d'un côté comme de l'autre, des petites erreurs, hein, notamment ce petit poison à la fin de Royal qui, bon, n'était pas très grave finalement, ça n'a pas eu d'incidence, mais il faut faire attention quand même, un petit poison. Oui, en plus, une il prenait case. Même pas la tour. Non. C'est-à-dire qu'il prenait deux mousquetaires sur trois et il ne touchait pas la tour. C'est donc il prenait même pas. Ouais, mais bon, après, voilà, c'est pas ce qui a fait la game finalement, c'est voilà, un petit. Une petite erreur, mais c'est non, pas... c'est une petite erreur. C'est vrai que ça n'a pas eu d'incidence particulière. Par contre, donc, ce qui est très intéressant, c'est que tu as un Bérin qui gagne contre Surgical et qui perd contre Royal. Royal ayant lui-même perdu contre Surgical. Exactement. Tu parfois, dis, wow. Comme quoi, tu vois, ça se joue à pas grand-chose. Voilà, chose, en donc fait. Ce c'est qu'on vraiment peut les dire decks du coup, qui, si on fait une équation logique, ce qu'on peut dire du coup que Royal est meilleur que Surgical, bah non, pas forcément. Non, c'est ça. D'autant c'est que bah, ça. Voilà, Surgical avait quand même, je crois, bien battu Royal d'ailleurs. Par la même occasion, je sais 2-0, pas, non, on n'aura pas le match à voir, mais il me semble que c'était un 2-0. Enfin, il me semble que Surgical a mis beaucoup de 2-0, sauf bah, justement les joueurs face auxquels il y a eu du mal. Le fameux Bérin. Donc voilà, Royal qui est intéressant. Je suis très content qu'on ait pu voir des matchs de Royal, c'est pour ça que je vous le mettais aussi. Parce que voilà, Royal qui mérite, franchement, il mérite sa place. Il a terminé, il me semble, quatrième finalement. Après, oui, juste après Nemsensei, quoi. Ou est-ce que Bérin a terminé avant Royal? Je ne sais plus, mais en tout cas, voilà. Royal qui mérite tout à fait sa place dans la phase 4. On va voir ce que ça va donner donc, pour cette.
pour cette phase 4. On va voir Royale qui va rejouer peut-être contre Bérigne. Royale qui va peut-être rejouer. Les vengeances vont arriver en fait. Les vengeances vont arriver. 4. Ça va être absolument énorme. Mais moi, j'aime bien Royale. Voilà. Bon, il y avait eu cette petite erreur de comportement parce que c'est quand même lui qui avait énervé l'Espagnol Suarez. On se rappelle. Hein. Voilà. Ah oui. C'était d'accord. Royale. Parce que okay. Royale, finalement, c'est un des joueurs qu'on n'a jamais vu sur le plateau. Il n'est jamais venu à Los Angeles sur le plateau. Donc, on l'a jamais vu face à la pression des caméras, donc que vaut-il ? Je pense que pour la phase 4, tous les joueurs vont y être. J'espère. En fait, c'est ça, oui. C'est comme tu le dis très bien, c'est que finalement, il n'a pas eu cette pression sur le plateau parce que c'est. Alors, certes, il n'y a pas de public, hein, on est d'accord, c'est une pression. C'est pas la même chose que devant un public, une grosse compétition. Mais il y a quand même le fait d'être vu sur scène par les gens qui les castent, évidemment. Et donc, voilà, il se dit, je suis sur le plateau, voilà, c'est quand même un petit avantage pour lui qui est tranquillou dans son canapé, chez lui, voilà, il a pas vraiment la même pression, quoi. C'est vrai, alors bon, ça reste quand même les championnats du monde, donc attention, parce que c'est vrai que là, on peut dire, on voit souvent des petites compétitions à droite, à gauche, oui, les championnats, je sais pas comment, machin. Là, on est quand même dans la plus grosse Exactement. Compétition. Le gars se dit, si je gagne cette zone U, alors certes, je ne serai pas encore champion du monde, je serai champion européen, peut-on dire. Oui, c'est ça, c'est le meilleur joueur européen, on peut dire. Voilà, c'est ça. Donc, j'ai la confirmation que tous les joueurs seront bien présents, donc Royal sera bien là-bas. On va enfin voir, peut-être pas sa tête, parce qu'on l'a déjà vu de toute façon avec la petite carte, mais en tout cas, on va le voir face à la pression des caméras, ça va être intéressant. Et face à son adversaire, c'est ça qui est aussi, parce que parfois on en voit qui sont, on en voit qui étaient sur le plateau et qui finalement n'avaient pas d'adversaire réel, comme on a pu le voir face à Royal, qui lui n'était pas là-bas assez souvent. Donc il jouait contre une photo. Là pour le coup, il sera sur place, non pas face à une photo, mais face à son réel adversaire. Donc, et d'ailleurs, petite info intéressante, donc il faut savoir que pour cette phase 3, ça pouvait encore aller les joueurs qui étaient chez eux, etc. Mais pour cette phase 4, il faut savoir que si un joueur n'est pas présent, il est éliminé. Ah oui, donc c'est très important. Ils mettent le point là-dessus et c'est bien. Moi, je trouve ça bien. C'est un bon point finalement. Exactement. Voilà. Donc on verra ce que va donner toutes ces confrontations. Est-ce que le plateau sera le même ? Est-ce que enfin voilà, on ne sait pas. Moi, je pense du tout, une petite mise en scène quand même. Ah, j'espère quelque chose de spécial. Enfin, ouais. C'est cette phase 4 et c'est vrai que les 6 meilleurs joueurs européens, après un parcours de folie... Donc, un truc qui serait vraiment, pas mal, ça serait des petites confettis comme on a sur le jeu. Oui. Des gens en train de balancer leurs trucs. Ouais, des espèces de fans qui rentrent sur le plateau. Je suis pas sûr que tous ça les joueurs apprécieraient. Sympa, hein, ouais. Je suis pas sûr que Nems, qui est dans sa bulle musicale, apprécierait. Ouais, de recevoir des confettis sur lui, je pense non, mais pas. Ça, mais je pense que de toute façon, le gagnant... parce que j'ai aperçu un petit peu le live d'hier avec la finale de la zone... États-Unis, enfin Amérique Nord, pardon, nord-américaine. Oui. Et il y avait un sacré beau trophée déjà, voilà, tous les joueurs qui étaient les uns à côté des autres. Enfin bon, bref, c'était quand même assez sympa. Et on va donc avoir ça pour la zone U la semaine prochaine. Mais avant ça, ma chère Lyra, nous avons encore deux matchs à débriefer, à savoir Adam contre Dany. Alors, Adam contre Dany, c'est un match assez particulier, puisque je te l'ai dit tout à l'heure, c'est le tie-break. Donc, c'est deux joueurs qui étaient éliminés sur le papier, mais à égalité. Donc forcément, le règlement disait, bon, bah, ils vont se faire un petit match quand même. Ça serait dommage d'éliminer un plutôt que l'autre, alors Exactement. Qu'ils sont, ils étaient, je crois, à 1-6. Tu t'imagines ? Une victoire, 6 défaites. Ouais, c'est dur. C'est dur. C'est dur, et donc, ça, bah, c'est, très logiquement, ça méritait quand même d'avoir un tie-break, hein, donc un dernier match, un der, comme on a dit. On a d'ailleurs été un petit peu surpris, parce qu'on ne connaissait pas le classement, enfin, on ne connaissait pas ce point de détail-là de classement, enfin, de règlement, pardon, quand on a vu ces matchs arriver. Et là, quand on a vu un tie-break, on s'est dit, ah, bon, bah, c'est pas un tirage au sort, c'est pas du j'ai non, le plus de bien. Tours, le plus de c'est tours. Finalement bon, franchement, bien c'est bien, ça oui, comme oui, ça, oui. C'est tout à fait logique pour les deux joueurs. Donc, ces deux joueurs qui s'étaient déjà confrontés, hein. On avait déjà eu évidemment une confrontation Adam contre Dany, et donc eh bien, le retour, donc Adam le joueur suédois contre Dany le joueur roumain, voilà, je te propose qu'on regarde ça, on le match ça. De la pression. Décisif, voilà, c'est ça, hein. Ah ouais, le match super décisif. Allez, c'est parti, t'as vu deux joueurs qui sont pas là. Ah oui, non, des photos de chaque côté. Alors, agression géant ici sur la gauche pour Adam avec son géant et cette Nightwitch, le géant qui va taper un petit peu, suivi d'un mineur pour aller gérer l'extracteur d'élixir. Très agressif Adam. Oups. Alors là, ça... Dany qui dit oups, déjà ça commence pas. Alors je crois que c'est la première fois qu'on voit Dany aujourd'hui. Hein. Oui, c'est la première fois. Et ça sera la seule fois. Donc regardons bien la manière de jouer de Dany qui est vrai, était un petit peu en deçà de ses adversaires. Là, on va voir comment il va répondre. Il remet son extracteur d'élixir.
la méga gargouille d'Adam. Justement, on disait que c'est seul sur JK d'utiliser sa méga gargouille. Bah non, Adam aussi. Oui, elle peut. Oui, elle sert quand même. Elle fait quand même beaucoup de dégâts, cette méga gargouille. Hein. Le bébé dragon qu'on n'a pas vu depuis tout à l'heure. Hein. Enfin, le retour du bébé dragon. Le retour. On le voyait seulement avec Nems et Donkey, mais le retour. C'est vrai. Mais là, ça paraît logique parce qu'on a vu tout à l'heure Dany utiliser une tornade. Donc en fait, c'est plutôt bénéfique avec le bébé dragon. Oui, absolument. Pour bénéficier des dégâts de zone de celui-ci sur la tour. Et regarde Dany qui profite de sa pompe qui n'est pas touchée, et il en profite pour passer une deuxième. Deuxième, ouais. C'est parti, le mineur qui est envoyé. C'est dommage, ça aurait été bien de pouvoir anticiper le placement du mineur. Exactement, et ouais, c'est un petit peu dommage. La Night Witch qui part avec ses deux. Donc cette fois-ci, hein, évidemment, comme c'était la semaine dernière, on avait eu la mise à jour. Donc il n'y a que. Il y a moins de chauves-souris et pop moins vite les chauves-souris. Voilà. Petit rappel. De la mise à jour. La mise à jour. Donc ça joue Golem. Golem du côté de Dany. Alors ce serait surprenant quoi, un cimetière, honnêtement je suis pas spécialement sûr. Le golem c'est la première fois qu'on le voit il me semble. Bah on l'a vu avec Namsensek. Non mais dans ce match là. Ah oui bien sûr. C'est la première fois qu'il le voit. Alors là la petite tornade pour remettre tout le monde dans le rang. C'est génial cette tornade quand même. Et regarde le golem qui tape une fois et qui explose. Oh là il y a un gros push, regarde qui arrive derrière. La méga gargouille elle va pas faire le poids malheureusement. Quel match de Dany, quelle attaque de Dany en tout cas. Gros push. Et là Adam il a la pression, il lui reste 30 secondes, il a fait des dégâts mais il en fait plus. Regarde plus la Night Witch en plus qui est full life, alors c'est dommage parce qu'elle a pris l'aggro du coup de la tour du roi. Ça aurait été bien qu'elle reste en vie justement pour aller taper la tour du roi en plus. Et il tente tout pour le tout Adam, avec son géant accompagné de quelques petits gobelins. Les chauves-souris qui est resté de la Night Witch de tout à l'heure, c'est marrant. Oh, et la petite boule de feu qu'on n'a pas vue, il me semble, c'est la première fois qu'on la voit. Ouais, on la voit un petit peu de temps en temps dans les decks 3 mousquetaires. Alors, pas à l'époque des matchs qu'on a pu voir aujourd'hui, puisque la mise à jour n'était pas faite pour certains. Mais là, c'est vrai que grosse agression de la part de Dany. Impressionnant Dany qui tout d'un coup voilà il lâche son attaque et là Adam qui a été un petit peu surpris peut-être par cette attaque. T'as vu ça en quelques quoi 10-15 secondes il a complètement manger la tour. Dit, ok, ma tour elle tombe, il n'y a pas de souci. J'ai essayé de push avec mon géant, c'est pas passé, il a très bien défendu. Le mineur qui était essentiellement posé sur les extracteurs, donc il n'a pas pu gratter non plus tant que ça. Et malheureusement, voilà, ça lui a fait défaut ici. Et Adam qui se met dans une position très difficile puisqu'il se dit j'ai perdu mon premier match. Si je perds le deuxième, je suis éliminé. Exactement. Donc là, c'est la pression. C'est vrai que ce match, il est décisif et c'est le match de la pression, comme tu le dis si bien. En fait, c'est vraiment, tu perds, t'es plus là, quoi. Voilà. C'est horrible. Donc là, c'est le deck. C'est pas le deck de sa vie parce qu'il fera d'autres compétitions. Mais c'est le deck. Il faut qu'il choisisse le bon deck, qu'il réfléchisse bien. Il a quelques minutes. Je sais pas réellement comment est le règlement là-dessus, mais tu dois avoir les 5 minutes au maximum pour faire ton deck entre les deux. Donc tu te dis, oh, quelle pression j'ai. Tu t'imagines un petit peu pour préparer c'est ça. C'est vrai qu'à sa place, je prendrais quand même un deck avec lequel je suis hyper à l'aise. Oui, là, c'est pas le moment de faire des surprises. Voilà, exactement. C'est pas le moment de jouer la carte de la surprise. Même si en face, on a quand même Dany qui, je disais tout à l'heure, avec Suarez, sont quand même un petit peu en dessous de leurs adversaires. Oui. Pour moi, Adam, comme je te disais, est un joueur qui m'a fait meilleure impression malgré son score de 1-6, c'est-à-dire qu'il reste quand même très faible. Mais quand même, tu te dis, Adam peut quand même revenir. Et donc voilà, il faut absolument qu'il garde cette game. Et donc on va la regarder tout de suite, cette Gozen game. On va regarder un petit peu ce qu'il va faire contre eux. Dany va-t-il égaliser Dany, bah non, de toute façon, on sait qu'Adam va égaliser de toute façon. On sait qu'Adam va égaliser. Bah oui, puisqu'Adam est qualifié. On le sait, il n'y a plus vraiment de surprise. Donc il n'y a plus de surprise, mais ce qui est intéressant, c'est de savoir comment. Parce qu'il y a se qualifier et se qualifier. D'abord, faut-il égaliser le petit poison sur la tour et sur la peau. Alors, ça, c'est un move qu'on voit quasiment tout le temps. Enfin, si t'as le poison, boum, tu te passes tout de suite, tu te poses même pas la question. Bah, c'est vrai, oui, ça permet de mettre des dégâts sur la tour, de gérer en plus l'extracteur, donc oui, c'est tout bénef. Alors, l'extracteur a quand même le temps de larguer quelques élixirs hein, quand on place un poison dessus, mais quand même, ça lui enlève quoi, une bonne moitié de sa vie, si ce n'est plus. Ça tire quand même beaucoup, donc c'est énorme. J'ai l'impression qu'on repart sur le même deck du côté d'Adam. Non. Il y a encore la méga gargouille. Ça peut, on va voir s'il nous sort le géant. Oh, des petits squelettes lancés tout au fond qui sont pas splittés. C'est-à-dire qu'il va lancer quelque chose juste avant, voilà, le golem. Et c'est du cimetière. Et le cimetière. C'est le deck squelette là. Et regarde le cimetière, il défend pas Dany, il n'a pas grand chose pour défendre. Oh là 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 là, poison derrière. Oh le poison, il a failli pas prendre le. Failli pas prendre l'extracteur. Et t'as vu comme ça a été vite. On a l'impression de voir la game de tout à l'heure, mais non, à l'inverse. À l'inverse, c'est énorme. Ça. Et là Dany,
là il a rien gagné. Il a perdu sa tour, il a perdu son extracteur, il a dépensé très cher, il n'y a rien qui est rentable là-dedans, il lance quand même son golem à droite. En fait, mais... il a pas le choix parce que son extracteur se fait gérer, donc il va pas pouvoir prendre un gros avantage en x2, on est à 1 minute 30 de la game. Donc voilà, c'est bientôt le x2, il peut se permettre de balancer son golem, il a pas trop le choix à vrai dire, et donc il va essayer de l'accompagner au mieux et de prendre au moins une tour, il a pas le choix. C'est un deck qui risque de bien fonctionner quand il y aura le x2, hein, évidemment, avec le golem, etc. Ça va essayer un petit peu plus vite. Mais là, ouais, le golem qui va même pas taper, j'ai l'impression. Si, ça tape. Alors, joli le poison défensif. Hein. Heureusement qu'il était là parce que la Nightwitch avec, ça aurait fait extrêmement mal et je pense que la tour aurait pu tomber. Et oui, Daddy qui forcément place plus sa pompe. Hein, Bah non, là, clairement, ouais, il a posé son golem. Donc forcément Adam il récupère un poison d'une certaine manière. Adam récupère le fait d'utiliser son poison notamment en défense, peut-être qu'il veut en attaque pour aller teinter la tour. Mais ça c'est aussi un avantage pour Adam, c'est un inconvénient pour Dani qui a pu sa pompe et ça devient un avantage pour Adam qui peut s'en servir de manière défensive ici on le voit. Ah oui bah là concrètement il a déjà pris sa tour donc autant l'utiliser en défense, enfin, là il n'y a plus rien à là, prendre on va dire. Adam qui est effectivement qui a une position plus que positive ici. Exactement. Il a plein de cartes pour défendre, il y a plein de choses intéressantes. Oh, je l'attendais plus, je m'en rappelais plus de celle-ci. La petite roquette. Ouais. 106, donc là, normalement, si. Alors attention, parce que 18 secondes, ça passe très vite. Bah, il donc, peut la cycler, ouais, mais par contre, chaud, hein. Il a une deuxième tour à défendre et Adam, oui. Il se fait pas prier. Il remet le cimetière dessus. Est-ce qu'il va réussir à cycler la roquette? Attention, est-ce qu'on va arriver dans le temps extra? Ah, non. Oh, regarde ça. Et oui, c'est énorme. Énorme. Quel. Et le retour du coup, mais bon là il vient quand même de balancer sa roquette donc là. Alors là, adieu l'élixir, là ça va être très difficile. Ouais. Très difficile à défendre et puis là Adam il se fait pas prier pour attaquer. 200, c'est terminé. Donc en gros c'était un petit peu la move de la dernière chance pour Dani. Si je vais essayer d'envoyer ma roquette, détruire le truc, mais il savait de toute façon que ça allait être difficile pour lui. Ah oui, suite. Je pense que oui, là c'était extrêmement compliqué. Il savait que même s'il prenait la tour comme tu dis avec la roquette, finalement le cimetière juste derrière, la tour qui était déjà bien entamée, il avait pas d'élixir pour le défendre. Avec un peu de chance peut-être, il s'est dit bon bah peut-être qu'en retour Adam va faire une mauvaise move. Oui peut-être, donc, oui. Mais bon il y a quand même peu de probabilité que ça arrive. Et donc Adam qui égalise de manière logique parce qu'il a eu la tour très rapidement, il a bien défendu, un petit peu, en fait c'est vraiment le match miroir du match d'avant quoi. Oui c'est ça en fait, on avait à la différence près que Dani a égalisé deux tours. À un moment, il a réussi à avoir sa tour en bas, mais ça ne servait à rien. Ça a fait que retarder l'échéance de la défaite pour Dani. Et donc, un partout entre les deux joueurs. Et la game décisive. Alors là, on avait le match décisif. Là, on a la game décisive puisqu'on est sur un partout. Eh ouais. Donc, la pression supplémentaire encore. On avait Dani qui partait un peu plus serein avec son 1-0. Et là, pour le coup, la remontada, là, c'est il y a la balle de match en tennis. Là, c'est un petit peu la game de match pour Adam. Hein. Adam, je pense qu'il est en position plutôt favorable, même en termes psychologiques. Ouais, il est remonté, il vient d'égaliser de belle manière en plus. Là, Dani qui est plus en position, je pense, défavorable. Avantage à Adam, on sait qu'il a gagné. Là encore, est-ce que ça va aller jusqu'au temps extra, jusqu'au plus de 3 minutes ? On va voir ça tout de suite. Donc, avec ce match, Adam-Dani, troisième match de ce BO3. Je suis pressé de voir comment Adam va gagner. 2 minutes 50, hein, ça a déjà démarré depuis 10 secondes. Faites bien attention au temps aussi, c'est toujours intéressant de regarder ce chrono, voir qu'à 2 minutes les joueurs s'excitent, ou à 1 minute, etc. Regardez! Du petit cochon du côté de Dani. Alors est-ce qu'on va partir sur du cochon tornade bourreau avec la foudre, le classique qu'on connaît, ou est-ce que ça peut être aussi une fois du cochon pétard? On va voir si le risque a été pris. La Valkyrie qu'on n'a pas encore vue! Hein. Valkyrie qui est une bonne défense contre le cimetière d'ailleurs au passage. Mais qui finalement n'est plus trop joué en ce moment. Alors, non, là, dans cette phase 3 des CCGS, on l'a, quasiment pas vu. Regarde le PK de Adam. Ouais, c'est ça, elle est vraiment très peu jouée en fait. Et le cochon, il met quand même son cochon côté gauche Adam, il laisse le PK partir. Oui, bah il a raison en soi, parce que c'est une grosse carte, donc l'agression de l'autre côté. Hop là. La tornade. Alors, ça retarde l'échéance du PK, qui va, je pense, courir avant d'arriver à la tour. Il va taper la méga gragou derrière, je pense. Mais que par contre, à gauche. Là, double attaque de la part d'Adam. Double attaque.
attaque sur les deux fronts. Il a raison parce que en soi le PK il a cet avantage à finalement perturber un petit peu ton adversaire. Ouais. Parce que tu le poses, c'est une grosse carte qui met très cher. Hein. Faut savoir qu'un coup de PK sur tour, c'est beaucoup. Donc ça fait mal, donc faut le défendre. Donc l'adversaire panique un peu, il se dit ok j'ai un PK à défendre. Et donc bah, quoi faire quand le PK passe chez l'adversaire, bah, tout simplement attaquer sur la tour de opposée. Ouais. C'est ce qu'il a fait. C'est ça, c'est-à-dire que le PK occupe l'adversaire d'un côté et on a l'autre côté qui est quasiment libre. Hein. On peut le voir ici, sauf que ici, bah, désormais, Adam a l'avantage de ses deux tours. Et donc, Dany qui est très très bien. Regarde la petite foudre sympa qui détruit ni la Valkyrie ni le bourreau, mais en tout cas qui occupe un petit peu tout le monde. Et le bourreau est plus très bon. Bah, en fait, oui, le but pour Adam en fait là c'est pas forcément de taper avec son PK sur la tour, c'est plus de faire passer les charges du bélier et c'est ce qu'il a très bien fait sur la tour de gauche. C'est que finalement le PK a occupé, comme tu l'as si bien dit, Dany du côté droit, et puis finalement bah, l'agression du côté gauche a été fatale avec cette méga gargouille et le bélier qui est passé. Absolument, et regarde encore le PK, justement on en reparle, le PK qui revient encore une fois et là qui arrive. C'est gros danger là. Je pense que la tornade va sortir peut-être. Oh là 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 là, voilà, cette foudre. Alors, c'est dommage que la foudre tue pas le bourreau d'un seul coup. Ouais. Bon, après il y a le zap qui est là. Ça sera un petit peu cheaté, mais là pour le coup c'est un petit peu dommage. C'est-à-dire qu'il faut mettre un zap derrière. Ça coûte encore elle tue quand même beaucoup de foudre déjà là. C'est vrai. Bon bah voilà. Et là écoute Adam qui se dirige tout droit vers une petite victoire. On voit pas trop ce qui peut arriver. Et rien ne va arriver. Victoire d'Adam qui se sauve. Ouh, le petit foudre. La petite foudre. Il pleure, Dany. Il a raison de pleurer parce que bah, là, il sait que la phase 4 s'envole. Ouais, oui. Et donc, bah, qu'il est éliminé, hein, de cette phase 3. Donc c'est pour ça. Il finit 7ème, c'est ça ? Et il finit 7ème juste devant Suarez. C'est pour ça qu'on vous montrait ce match. C'est parce que c'était un match décisif. Il n'y a pas seulement des matchs qui sont super jolis. Il y a aussi des matchs qui sont décisifs. Quoique, ces matchs-là étaient quand même assez plaisants. Oui, bien sûr. Tout c'était à fait. Agréable à voir, agréable à caster. Et en plus de ça, c'était décisif pour les deux joueurs puisque voilà, c'était le match éliminatoire. Et sous l'impression, voilà. On ne joue pas pareil, même si grosso modo il n'y a pas eu tant d'erreurs que ça dans ces matchs-là. C'était vraiment le match-up là, hein. Clairement ça. les decks ont fait la différence. Donc, le PK était là, il y avait un bon zap pour accompagner le PK, un bon foudre pour accompagner le PK. On l'a vu à un moment, le PK, le bélier de l'autre côté. Bref, là franchement, Dany qui n'avait pas un bon deck pour défendre tout ça. Quoi. C'était assez difficile, le pauvre Dany. C'était plutôt un deck agressif qu'il avait en fait avec son cochon et là, ouais, c'est pas passé malheureusement. Il nous reste un match, Lyra. Il nous reste un match que j'ai pris. Alors, je vous disais tout à l'heure, c'est un petit bonus. Bon, c'est des matchs qui sont très jolis. Et ça va nous permettre surtout de voir un joueur qu'on n'a pas encore vu. C'est Suarez. Comme ça, on aura vu tous les joueurs, au moins une fois. Suarez qui joue contre Surgical. Donc, tu vas voir que, bon, clairement, on sait que Surgical l'a emporté. Mais il y a eu des petits moves intéressants. Et Suarez qui. Suarez, j'ai l'impression de toute façon qu'il a été plus ou moins tout le temps éliminé, même si à la fin, avec des truchements de classement, il aurait pu essayer de remonter, mais enfin bon, Suarez qui a tout le temps de toute façon été un petit peu en dessous de tout le monde, Suarez, disons-le, il s'est pris vraiment des grosses raclées, on va le dire, mais là il a quand même joué un petit peu le tout pour le tout. Il a bien joué, je trouve, contre Surgical, contre le meilleur, c'est-à-dire le moins bon contre le meilleur. C'est marrant ce que tu dis parce que parfois on a des joueurs qui s'adaptent à leur adversaire et qui aussi peuvent faire des très jolies choses face à des joueurs qui sont très bons. Et tu peux avoir justement cet effet d'adaptation, et je pense que c'est ce qui a fait que Suarez a peut-être bien joué face à Surgical. Il avait cette pression justement face on va voir ça, on va voir si cette pression là s'est effectivement déroulée dans ce match. Donc Surgical Suarez, dernier match de ce résumé de la phase 3 du CCGS. C'est parti, regarde moi ces decks sympas en bas. On a un petit lockbait pour Suarez, et en face on a de l'Inferno pour Surgical. C'est ça aussi qui est intéressant. On disait que l'Inferno, je crois que c'est une des seules fois qu'on l'a vu, c'est quand Surgical l'a mis. Oui, mais alors là le problème c'est que elle va pas servir, ça sert à rien. Chose, voilà, parce que face à du lockbait, ça sert pas à grand chose malheureusement. Donc bah il va gratter avec son mineur poison. Voilà, c'est son objectif. Hein. Et puis peut-être faire passer quelques dash de voleuse aussi. Peut-être, éventuellement des pillages de voleuse, peut-être des petits coups d'électro-sorcier aussi, pourquoi pas. Bon, il peut y avoir plein de choses. Mais c'est vrai que l'Inferno de Surgical va lui servir à rien. Je sais plus s'il va essayer de la placer ou pas, mais en tout cas, ça veut dire qu'il y a quasiment un slot de deck qui lui sert à rien, malheureusement. Oui, je pense qu'à mon avis, il risque de ne pas la sortir de toute la game. Et là, la petite roquette qui vient
faire des dégâts sur la tour et sur le chevalier. Mais c'est-à-dire que ouais, la roquette qui tue même pas le chevalier, c'est quand même assez dommage. Enfin, c'est dommage. Faut pas trop c'est... lui en demander dans le Non, faut pas trop. Tout comme on n'en demande pas trop à la c'est foudre. Ça, exactement. Mais non, mais je veux dire par là que ça coûte cher quand même d'envoyer une roquette sur un chevalier pour pas le tuer. Mais le chevalier, c'est un bon tank, hein. C'est une bonne carte assez tanky et qui fait bien mal sur la tour quand on le laisse en vie. Donc on le sous-estime assez souvent, mais voilà, c'est une très bonne carte. Le chevalier qui est utilisé, puis il résiste, il tape très vite aussi. Regarde, hein, entre deux coups, il y a quasiment rien. C'est une des cartes qui tape la plus vite. Il enchaîne vraiment très très vite. Regarde-moi ce petit sorcier électrique qui va détruire le tombstone et qui va peut-être s'occuper des... Ah non, pas des 4 squelettes, malheureusement il en reste 2 encore. Allez, la mineur, princesse de Suarez. Le mineur qui a remis la tour à 902 PV, il a attaqué sur les deux fronts sur le Duel ici. Donc, il a bien raison, et avec son deck là, il peut gratter facilement des deux côtés. Regarde ça, le petit fût, sur Duel qui va placer. Ah non, il passe pas de. Ah oui, il l'a lancé juste avant la petite bûche, il l'a lancé avant à gauche. Bah, le but de Suarez ici, ça va être se mettre à portée de roquette, évidemment. Oui. Voilà, le grattage mineur poison qui arrive, c'est dingue, hein. Malheureusement en fait Suarez n'arrive pas à gratter avec son deck. Non, il doit absolument se défendre et c'est ça. Et regarde, le petit feu. Et il lance le feu tout au long. Et voilà, comme tout à l'heure, en fait, finalement. Mais là, j'ai l'impression que ça. Ouais, c'est un petit peu. Enfin bon, là, il avait mis un chevalier. Tout à l'heure, c'était trois petits squelettes. Mais en tout cas, combien même. Tout ça n'a pas fait de dégâts. Regarde la belle bûche de Surgical qui défend bien. La voleuse qui défend contre le chevalier. Surgical qui a pris la tour de gauche. Là, ça va être difficile pour l'ami Suarez. Hein. Ouais, il reste 10 secondes de game. C'est compliqué. Le tombstone de Suarez passé juste devant la tour, tout à droite. Et là c'est terminé, Suarez qui perd logiquement ce premier match. Le lockback là qui était clairement... après il a quand même très peu gratté, hein, Suarez ici, c'est un peu dommage, il a peu gratté tout à fait, et ce malgré le fait que Surgical a finalement joué avec 3 slots. Hein, bah, c'est Surgical qui a été très agressif durant cette game, et du coup ça a perturbé, en fait parce que Suarez devait lui aussi être agressif avec son lockbait, et puis finalement... on a eu un Surgical qui était bien plus agressif avec son mineur poison, donc il fallait défendre à chaque fois et Suarez n'a pas pu prendre l'avantage sur son adversaire. Quoi. Absolument. Et c'est pour ça, et de mémoire, qu'il va essayer un petit peu de se rattraper dans la deuxième game. Alors je ne dis pas s'il va avoir 2-0 ou 2-1, mais en tout cas dans la game qui arrive, où Suarez, bah voilà, là encore, il tente le tout pour le tout. Je rappelle quand même qu'il pouvait tenter de se qualifier s'il avait gagné contre Surgical. Je crois qu'il y avait un truc assez improbable. Enfin, il fallait qu'il gagne contre Surgical et qu'en même temps que ses adversaires perdent. Enfin bon, un truc complètement improbable. Ouais, mais c'est difficile de gagner contre Surgical parce qu'on le voit bien avec un deck complètement différent de ce qu'il a l'habitude d'utiliser avec une Inferno ou quoi que ce soit. Il arrive à gagner même s'il a que 3 slots. Enfin bon, bref, c'est quand même un joueur assez exceptionnel. Et là, Suarez qui a eu du mal. Hein. Comme tu dis, il a eu du mal à gratter. Le lockbait, il sait qu'a pas fait son effet. Le fût qui a pas fait son effet. Enfin bref, voilà, il y a plein de choses qui a pas très bien fonctionné. Et donc voilà, je te propose qu'on regarde le deuxième match. Surgical, Suarez, deuxième match entre notre ami des Pays-Bas et notre ami d'Espagne, le seul représentant espagnol et le seul représentant des Pays-Bas. Et regarde les deux decks mousquetaires, enfin trois mousquetaires du coup, de chaque côté. C'est énorme. Alors quelles sont les différences? Il y a un chevalier d'un côté et un golem de glace de l'autre. Et je crois que c'est. Il n'y a pas de Nightwitch en fait. Il n'y a pas de Nightwitch. Il n'y a pas de Nightwitch. Par contre, il y a des petits squelettes. Voilà, donc il y a deux différences. Hein, c'est ça. Il y a deux cartes de différence. Donc globalement, on va avoir un match qui doit être serré en théorie quand on a des decks comme théorie, ça qui sont oui, quasiment miroirs. Tout dépend de la main de départ aussi en fait. Tout dépend de la main de départ quand on, comme on disait. Et puis regarde déjà la différence. Deux pompes pour Surgical, ça y est, enfin Suarez passe à deuxième pompe aussi. Deux pompes pour les deux joueurs, il va y avoir beaucoup de cartes. Hein. Ouais, je pense que là, le late game, le x2 va être monstrueux. Et puis qui plus est, les pompes vont rester longtemps parce qu'il n'y a pas de sort, enfin il y a un zap, exactement. Mais c'est pas fait pour. Donc là, clairement, on va avoir beaucoup de 3 pompes pour Surgical. 3 pompes. Ouais, il a un gros avantage d'extracteur ici du côté de Surgical. Suarez qui split. Suarez qui est pas bien. Allez, je te dis qu'un petit peu déjà pour que tu te prépares. Allez, à la fin de cette game, il va y avoir une move, je crois que c'est à la fin de cette game, il va y avoir une move assez, assez marrante. On va dire. D'accord. On va avoir ça tout de suite. Regarde-moi le nombre de pompes. Ah, ça y est, enfin une pompe qui a été détruite d'un côté. C'est assez énorme.
Et 3 points à nouveau. Sur Duel qui veut garder son avantage en élixir, il le sait parce qu'en fait, tout simplement, il voit un extracteur, il voit un bélier, une Nightwitch, et la voleuse, il se dit bon, ok, je me retrouve face à du 3 moumou aussi. Ouais. Donc, je joue le même deck, il faut absolument que j'ai l'avantage en élixir en late game. 8 élixirs de deck pour Surgical, et il a. C'est... Ah bah, bon, il avait pas mal de trucs déjà lui, encore sur le gros terrain, c'est énorme. Là, c'est un trou énorme d'avantage là, un gap énorme. Et il attaque enfin Surgical. Surgical n'a pas beaucoup attaqué finalement, hein, mine de rien. Sur un ski défend, mais le bélier qui est bien arrivé à Broyard, là, les barbares qui sont arrivés à bon port, ça dash ici avec la voleuse, qui tape aussi la tour derrière, ça gratte. Et regarde le bélier de Suarez. Et le bélier, il est passé comme dans du beurre là. Ah oui, là, et 1213. Et Suarez qui a désormais deux pompes. Tu vois, il a repris l'avantage, hein, ouais, Suarez. Ouais, enfin, repris, ouais. Entre guillemets, pas encore énorme l'avantage, mais il a réussi à remettre sa deuxième pompe. Et Surgical qui pourra probablement pas en remettre une troisième maintenant. On ne sait et pas, si, et il si, mis, regarde. Mais il l'a mis, c'est énorme. Ah, j'aurais dû rien dire. Et Suarez aussi. Putain, 3 pompes de chaque côté, je me rappelle plus qu'il y avait autant de pompes. Ah là, c'était la game de l'extracteur, vraiment. Ah, la game, oui, mais ça, c'est énorme. Hein. Des fois on envoie deux d'un côté, une de l'autre, ou deux et deux, mais alors 3 et 3, c'est énorme. Alors attention, beaucoup de troupes Surgical, beaucoup de troupes pour Surgical ici. Ouais, les 3 mousquetaires split du coup format pour Suarez, essayer d'encaisser le push. Attention, il va se passer plein de choses là. Et ouais, ça attaque, il y a du bélier, beaucoup de troupes en même temps. Deuxième bélier, t'as vu ça? Et bélier contre bélier, il y a 3 béliers. Oh et là ça va taper le bélier qui tape, 620 points de vie. Ça descend, regarde ça, 238, 79. Et c'est le GG pour Surgical. Et regarde à gauche. Je crois qu'on n'est pas forcément à portée de zap. Regarde l'attaque du bélier. L'attaque du bélier. Boum. Ouh, et ça le charge. Le bélier qui tape, aussi. Et regarde. Le zap de Surgical qui n'est pas petits... suffisant. Attention, regarde. Et regarde, petites, ça descend haut, regarde. Les petites chauves-souris. 300, 200, 136, boum. Et deuxième zap derrière. Alors là, c'est énorme ce qui s'est passé. C'est-à-dire que là, Surgical. En fait, c'était ça, cette move qui était extrêmement intéressante, c'est que Surgical qui zappe, il sait très bien que son zap va pas être suffisant, mais il s'attendait pas, je pense, à une attaque aussi énorme de la part de Suarez tout non, en haut. Non, ça aurait pu retourner la game. Et il a essayé de cycler très rapidement, je sais pas si t'as vu, en bas à droite, il déchaînait toutes ses troupes en bas à droite pour essayer de faire cycler son zap, et le zap qui est arrivé à la seconde près, exactement. Mais là, Surgical qui a eu chaud. Hein. Là, ah oui, bah 69 PV, c'était vraiment chaud, et une seconde de plus, comme tu dis, c'est énorme cette tendu game. De chez tendu. Énorme. Et donc, c'est pour ça que Suarez, finalement, aurait même mérité d'égaliser, je pense. Oui, ça aurait été sympa on de voir du 1 partout. On serait bien vu une 3 troisième game entre les deux, franchement ça aurait été pas mal, mais c'est, en tout cas c'est absolument énorme, et donc voilà, on a vu plein de matchs, plein de choses qui se sont passées, et donc bah, voilà, au final de ça, on a 6 joueurs qualifiés, 2 joueurs disqualifiés. Je te propose d'ailleurs qu'on re-regarde une dernière fois le classement de cette phase 3, donc voilà, Dany, on l'a vu tout à l'heure qui jouait contre Adam, donc Adam a gagné, Adam est passé avant, enfin Adam est resté 6ème, Suarez on vient de le voir contre Surgical qui a été dernier, et Surgical voilà, qui est repassé premier. Voilà, enfin le classement, voilà, suite à ce tie-break, et donc Surgical donc qui n'aime celle de deuxième français, Bérine, Royale et Adam. Franchement, les 6 joueurs qualifiés sont les 6 joueurs qui le méritent. Même Adam, je pense qu'il le mérite. Royale et Bérine, on disait tout à l'heure qu'ils ont à peu près le même niveau. C'est exactement ce qu'on a vu. Enfin, oui, sur les games qu'ils ont fait entre eux, évidemment. C'est assez représentatif de leur niveau. Ouais. Même si je mettrais quand même une petite pièce de plus sur Bérine, puisqu'on a vu Bérine a battu Surgical. Bérine ouais, a fait un très bon match. Ouais. Ouais. Bérine, je pense que d'accord. Même si Royale réserve quand même pas mal de surprises, je pense que Bérine, globalement, est au-dessus. Donc, franchement, c'est super bien joué. De la part de tous les joueurs. Bon, dommage pour les deux joueurs qui vont partir. Malheureusement. Oui, c'est triste, mais bon, il en faut bien, en fait. Il en faut bien, voilà, il en faut bien. Donc, c'est-à-dire qu'il y a 6 joueurs européens qui vont passer en phase 4. Parmi ces 6 joueurs, on a 2 Français. C'est ça qu'il faut préciser. Oui, c'est ça qu'il faut. Donc, c'est... Alors, du coup, c'est ça qui... J'espère qu'on va placer les 2 Français, au moins un Français en finale, parce qu'en ayant 2 joueurs... Honnêtement, je pense, vu leur niveau, vu le niveau des joueurs aujourd'hui et vu leur niveau, il y a de fortes chances qu'on puisse voir, évidemment, un Français en tête, je pense. Et je te propose d'ailleurs qu'on regarde un petit peu le bracket de cette phase 4 pour qu'on analyse un petit peu ce qui va se passer. Spéculer un petit qui, peu. Alors. Donc, spéculer. Donc, suite au classement de la phase 3, voilà ce qui a été cédé donc, pour le...
pour la phase 4, pour la finale. Donc Surgical Goblin, tu vois, qui est placé en 1, Donkey Kong qui est placé en 2. Et donc, c'est-à-dire qu'eux, ils vont avoir, entre guillemets, un match en moins. Un match d'avance. Voilà, un match d'avance. Donc on a Berin Royal d'un côté. Donc Berin Royal, c'est le match qu'on a vu avec les deux joueurs qui ont quasiment le même niveau. Je mets une petite pièce sur Berin. Ouais, et ce qui est intéressant, c'est que tu mets une pièce sur Berin, et c'est-à-dire qu'il va affronter juste après Surgical Goblin. C'est absolument énorme. On n'aurait pas pu demander mieux. Et en match 2, on voit Nemsemse contre Adam. Donc là, normalement, pas de surprise. Pas de surprise. Et donc, ensuite, notre ami Nemsense qui va jouer contre Donkey Kong. Les deux Français, c'est dommage quand même. Et c'est dommage, deux Français qui s'affrontent sur la deuxième partie de bracket. Alors, mais bon, rien n'est perdu. On va perdre un Français, mais pas tant que ça finalement, puisqu'il va se retrouver en loser bracket. En loser bracket. Et donc, ce qu'ils appellent ici le lower bracket. Upper et lower, qu'on peut appeler. Oui, mais je pensais aussi que c'était winner et loser, mais c'est la même chose. Et ce qui fait donc, attention, c'est pas parce que vous perdez que vous êtes éliminé. C'est ça qui est intéressant dans ce match. Donc, imaginons qu'un de nos deux Français est éliminé. Il se retrouve en L2, L3, L1, L4, ça je sais pas. Je pense qu'il va se retrouver en L4, je pense. C'est-à-dire que le match 4 qu'on va voir, oui c'est ça, le match 4, donc qui sera Nemsense contre Donkey Kong, tu vois, tout en haut. Oui. Le match 4, je pense que le perdant de ce match-là va se retrouver en L4 contre le perdant du match L1, c'est-à-dire Berin contre Royal. Donc, grosso modo, allez, on va spéculer. Je pense qu'on peut penser, qu'on peut voir un... c'est difficile de dire quel Français va perdre. Allez, disons que Nemsense va perdre. Allez, on va dire que Nemsense va perdre. On va avoir un Nemsense Royal, en supposant que Berin gagne. Nemsense Royal en premier match du loser bracket. Voilà. C'est quand même... Il a encore toutes ses chances de remonter. Hein, exactement. Après, il y a d'autres matchs, évidemment. Mais voilà, en gros, grosso modo, bon... C'est sûr que sur l'affiche, ça va être dur de placer deux Français en finale, parce qu'il va falloir passer par Surgical. Mais c'est possible, puisque si un joueur perd en haut, c'est-à-dire qu'il n'est plus dans la branche de Surgical, il sera en dessous sans Surgical. Et comme Surgical est un peu l'homme à abattre, le reste, il peut y avoir des surprises, donc on ne sait pas ce qui peut se passer. Donc grosso modo, tout est possible, Lyra. Oui, tout est possible. Et on peut limite voir, si je ne dis pas de bêtises, une finale franco-française. Tout à fait. Mais ça serait énorme. Tout Alors, c'est fait. Sûr que si Surgical était éliminé en haut, ça serait un parcours quasiment tranquille pour le Français. Oui, effectivement, parce que du coup, Surgical serait éliminé après justement leur premier match chacun, en fait. Oui. Leur second match, il faudrait que Surgical affronte donc le Français gagnant des deux et qu'il soit éliminé à ce moment-là, quoi. Alors, c'est pour ça que c'était intéressant, suite au match donc, du tie-break qu'on avait eu entre le premier et le deuxième, parce qu'on disait, bon, quel est l'avantage d'être premier, quel est l'avantage d'être deuxième? Finalement, l'avantage, il se retrouve dans cette phase 4. C'est-à-dire que on voit ici, en gros, grosso modo, si Donkey avait gagné contre Surgical, Donkey aurait été tout en haut. Se serait retrouvé tout en haut. Il n'aurait pas affronté Nem finalement. Il n'aurait pas affronté Nem avant le match des quarts de finale, je crois. Oui, c'est tant que Nem va gagner de toute façon, c'est sûr que Nem va gagner. Donc c'est-à-dire qu'en fait, il aurait affronté Nem, mais avec un match supplémentaire, enfin un match de plus. Si tenté que Nems gagne contre Surgical. Donc, en gros, de toute façon, il y aurait eu un Français qui aurait joué contre Surgical. Voilà. Après, bon, on va voir ici ce que ça va donner. L'avantage de Donkey, c'est que déjà, il a un match en moins. Donc, les autres Français ont un match... Enfin, pas les autres Français, mais les autres joueurs ont un match en plus. Un match en plus, c'est pas négligeable. C'est-à-dire que, a priori, c'est du BO3 aussi, hein, sauf erreur de ma part. Donc, ça fait... ils ont deux matchs, voire trois en plus dans les pattes. Ça peut être un avantage... Ça peut être un inconvénient. L'avantage, ça peut être que justement, ils vont chauffer. Allez, trois petits matchs. Oui, c'est le match d'échauffement, en fait. Tandis que c'est les autres, ils disent tout de suite, je commence, boum. Les autres, ils ont déjà de l'échauffement derrière eux. Moi, je commence. Si je perds, je suis rétrogradé en loser bracket. Bref, il faut quand même se passer pas mal de choses. Mais ces phases 4 vont être extrêmement, extrêmement intéressants et sont avec 6 joueurs. Donc, voilà, tu dis un joueur qui gagne sur les 6. C'est le top EU. C'est-à-dire qu'on rappelle une dernière fois que c'est des joueurs qui se sont sortis de la phase 1 avec des centaines de tournois de milliers de joueurs. Donc faites le calcul, ça fait des centaines de milliers de joueurs. Ensuite, la phase 2 avec, vous savez, ces 1024 joueurs. Braquettes de 1024 c'est joueurs, énorme. Donc fallait sortir de ça. Ensuite, fallait arriver top. Enfin, après, il y avait les top 32, ce que moi j'ai streamé. Ensuite, fallait arriver premier, se qualifier donc pour la phase 3 avec les 8 joueurs, sortir dans les 6 premiers de ces 8 joueurs, c'est-à-dire ne pas être
comme Dani Osuari. C'est juste mais c'est, enfin, un parcours c'est, ouais, incroyable. C'est fou, quoi. Enfin, ces parcours-là, on ne s'en rend peut-être pas forcément compte, nous qui commentons ou nous qui regardons en tant que simple joueur et non pas compétiteur, mais je dirais que c'est énorme. Enfin, c'est tout simplement énorme. C'est... Ils sont passés par des phases de qualification. Je crois pas qu'il y ait d'équivalent. Enfin, ah non. Je m'élève peut-être un petit peu trop, mais je crois pas qu'il y ait d'équivalent de se dire. Parce qu'on voit souvent, par exemple, des éliminations par secteur, mais il y a déjà une sélection naturelle qui s'est faite entre les joueurs, des invitations, par exemple. Voilà, exactement. Alors que là, vraiment, on a eu une phase de qualification du début jusqu'à la fin assez monstrueuse. Enfin, vraiment beaucoup, beaucoup de joueurs, des centaines de milliers de joueurs qui ont joué et les brackets de 1024 joueurs. Il faut quand même préciser que le top 8 en fait, qui s'est fait, c'est chaque gagnant de chaque bracket de 1024 joueurs. C'est le vainqueur de la finale des brackets 1024 joueurs. C'est juste impressionnant. Et avant, si je me rappelle bien, donc la phase 1, tu avais des tournois de 1000 joueurs et il fallait arriver dans les 20 premiers, je crois. Exactement, c'est tout à fait ça. Alors, les 20 premiers de 1000 joueurs... C'est énorme quand même. Les 20 premiers c'est joueurs. C'est des tournois de 1 heure. Hein, c'est des tournois in-game. Exactement, là, pour ceux qui ne savent pas évidemment. Tournoi in-game, donc vous démarrez votre jeu, vous rejoignez le tournoi. Il faut le rejoindre au bon temps, il ne faut pas être en retard. Ensuite, il faut être là, il ne faut pas faire de pause, il faut être tout le temps concentré parce que les tournois, bon, grosso modo, quand tu fais un tournoi, c'est quoi? C'est dans les 300 points, 350 points que tu termines à peu près. Grosso modo, c'est-à-dire tu gagnes, mais tu perds, donc ça te fait descendre, etc. Tu vois les autres qui remontent, tu dis ah, juste, je suis 21e. Est-ce que j'en fais un dernier? Est-ce que je risque de faire mon dernier? Mais c'est la grande. C'est ça. Ça, c'est la grande truc. T'es 19e. Tu sais que les 20 premiers, je sais pas trop. Il suffit que tu relances pas pour qu'il y ait quelqu'un qui passe devant toi. Il suffit que tu relances pour que tu perdes et que tu redescendes. Bah ouais, c'est une catastrophe psychologique, ça, ces tournois, mais c'est vraiment horrible. Je suis tout à fait d'accord. Et donc, après, la phase 2, avec, comme tu disais, donc, ces brackets. 2024 joueurs. Encore 1000 joueurs, c'est énorme, 1000 joueurs. Ah bah oui. Il ne faut pas qu'il y ait une seule personne au-dessus de toi, quoi. Enfin, c'est fou. Et puis, donc, cette phase 3 qu'on vous a commentée, donc depuis, ça va rementer. Hein. Ça va faire 5 semaines qu'on commande ces phases 3. Un petit peu, ouais. On avait commencé par un petit retour sur les phases 2. Donc, c'était un retour qu'on avait fait. C'était très intéressant d'ailleurs, puisque dans les phases 2, on avait, on a vu éclore nos joueurs qui sont qualifiés pour les phases 3, mais on a vu aussi d'autres joueurs très intéressants. Je reprends toujours l'exemple qu'on avait commenté avec Trapacoc quand on a fait la toute première émission avec vous ici, où on avait parlé notamment de Double Bretzel, un joueur qui avait fait très bon français, qui avait fait deux égalités, je crois à la suite, ou quasiment à la suite, deux égalités, c'est-à-dire deux fois 6 minutes. Enfin bon, bref, on avait vu des matchs comme ça inconcevables, enfin des trucs énormes qui s'étaient passés. Bref, il y avait plein de choses, et donc il fallait un peu serpenté parmi tout ça pour sortir vainqueur et donc arriver dans cette phase 3. Donc un gros bravo à nos Français, un gros bravo donc à Nems et à Donkey Kong. Donc je pense qu'ils seront tous les deux aux États-Unis la semaine prochaine. Ouais. Et d'ailleurs, tiens, une petite anecdote, j'en profite avant de conclure. Une petite anecdote assez sympa, c'est que justement on disait il y a des joueurs qui sont là, des joueurs qui sont pas là, comment ça se fait, etc. Et bien pour Donkey Kong n'était pas là au premier match, enfin la première journée. Et alors, est-ce que tu sais pourquoi il n'était pas là? Est-ce que tu peux essayer de deviner? C'est tout bête. Honnêtement, je sais pas trop. Peut-être parce que il avait un empêchement chez lui, je sais pas, un repas de famille important qu'il pouvait pas louper. Il me disait non, j'aurais vraiment bien aimé y être, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il a reçu son passeport deux jours avant. Donc, qui dit recevoir son passeport dit qu'il n'avait pas encore fait l'ESTA, tu sais, ce fameux formulaire qu'il faut remplir pour rentrer aux États-Unis. Et donc, comme l'ESTA, maintenant, avant, ça se faisait genre en une heure, mais maintenant, je crois qu'il faut le faire un certain nombre de jours avant. Enfin, bon, bref, il y a tout un processus à faire. Donc, du coup, il n'a pas pu faire son ESTA à temps. Et donc, il n'a pas pu s'envoler pour les États-Unis. C'est tellement c'est bête. C'est triste un peu, quand même. Franchement, c'est un peu triste. Alors, je crois qu'il avait quand même joué une game au tout début. Il était, il était chez lui. Toute première journée, il avait joué une game de chez lui, qu'il avait gagné. Hein. Alors, je ne sais plus contre qui il avait joué, mais en tout cas, il avait gagné. Donc il dit, bon, c'est dommage, j'ai pas pu partir aux États-Unis. Bon, après, partir juste pour une game, bon, j'ai pas raté grand-chose. Il n'a pas raté grand-chose, en effet. Tout à fait. Mais voilà, donc il m'a raconté ça et je tenais à vous partager cette petite anecdote, parce qu'on se dit souvent oui, pourquoi il est chez lui, pourquoi il triche, machin, etc. Bon, lui en tout cas, il a fait sa game, il a gagné. Ensuite, il est venu, il a gagné donc toutes ses autres games sauf contre Sorgical. Franchement, il a démontré que c'était un joueur Ça soit scène ou pas sans scène. Et moi, alors pour conclure justement sur ces joueurs français, je redis ce que j'ai dit tout à l'heure, je mets
une petite pièce sur notre ami Donkey Kong. Je mets une petite pièce sur Donkey Kong parce que, mine de rien, bon, Nem est très solide. Je mettrais bien aussi une pièce sur Nem, mais s'il faut en choisir un. Parce que voilà, j'aime bien les surprises, j'aime bien les joueurs qui surprennent. C'est la petite surprise, oui, la petite étincelle qui fait que finalement, ouais, c'est la petite surprise côté français. Donc après, moi, de mon avis personnel, je mise sur Jikal parce que je connais ce joueur, ouais, vraiment, et je pense qu'il est vraiment très très solide et qu'il a de fortes chances de gagner ce tournoi. Mais après, si je devais choisir un des deux français, c'est vrai que moi aussi, alors malgré le fait que j'apprécie beaucoup Nem Sensei et que j'aime beaucoup sa manière de jouer, on a quand même, voilà, la petite étincelle, la petite surprise de Donkey Kong qui fait que, ouais, on aimerait aller le voir en finale, vraiment. Ouais. Bah c'est vrai, et puis toi qui as une habituée des tournois, de caster plein de tournois, etc., à droite, à gauche, t'as dû en voir des surprises comme ça, joueurs qu'on connaissait pas, qui sortent un peu de nulle part, et puis tout à coup, qui commencent à tout gagner et qui éclatent tout le monde. Ça arrive plein de fois. Ça arrive, alors ça arrive pas souvent, mais ça peut arriver. C'est vrai que des fois, on a des... Voilà, des petites surprises comme ça, mais c'est quand même assez rare. C'est vrai que sur des compétitions, on a souvent, comme tu l'as dit aussi, des invités parfois, qui sont des très gros joueurs, des joueurs français, des joueurs internationaux aussi. Donc on a souvent les mêmes têtes qui reviennent dans les tournois. Maintenant, en effet, il peut y avoir des petites surprises et se dire « Ah oui, celui-là, on ne l'a pas souvent vu, mais il fait le taf, il joue quand même très bien. » Et parfois des joueurs méconnus qui détrônent aussi des piliers comme sur Jikal. Et c'est vrai, bah, d'ailleurs, on parle des joueurs méconnus, mais alors pour les joueurs connus français, on a notamment, par exemple, Azilis, si j'en citais un, qui était venu hein, d'ailleurs sur ce plateau. On a Waleouf aussi, qui était venu aussi d'ailleurs sur ce plateau. Bref, on a eu les plus grands joueurs qui sont venus ici avec nous. Et bah, si on prend par exemple Azilis, de mémoire, c'est le seul joueur qui a gagné contre Nems dans phase 2, je crois. Donc c'est-à-dire que Nems avait mis, je crois, 2-0 partout. Et le seul joueur contre qui il s'est cassé les dents, c'était Azilis, sauf erreur de ma part. C'est triste en plus parce qu'Azilis, malheureusement, qui n'a pas réussi à se qualifier. Non, ça aurait été bien d'avoir trois. T'imagines trois Français. Ça aurait été vraiment bien, ouais. Ah, ça aurait été tellement bien d'avoir trois Français. Quoique, il me semble que comme il était dans la phase de Nems, de toute façon, il n'aurait pas pu se qualifier. Mais enfin bon, ça aurait été quand même intéressant d'avoir un autre Français, d'avoir. Mais il faut peut-être pas trop demander non plus. C'est vrai que. Non, deux Français, c'est déjà bon. Mais on a quand même, il faut le reconnaître, en France, la chance d'avoir d'excellents joueurs. Ah oui, bien sûr. Ça se voit sur ce CCGS, ça se voit sur plein de tournois, ça se voit dans, éventuellement pour les joueurs qui pushent sur les leaders, etc. Il y a beaucoup de Français qui sont dans les meilleurs teams, qui sont présents, qui ont beaucoup de cartes dans le tournoi, beaucoup de cartes de défi, bref, qui font des stats énormes, affolantes, pour ceux qui jouent dans les règles, évidemment. Donc, en tout cas, voilà, il y a... Précision. Oui, non, je précise quand même. Donc, voilà, il y a plein de joueurs qui franchement méritent leur place. Bon, le CCGS, c'est comme ça, c'est 8 joueurs en phase 3, 6 joueurs en phase 4, on peut pas avoir tout le monde malheureusement, mais c'est très intéressant en tout cas d'avoir des petites surprises. Et je mets ma petite pièce sur Donkey, toi tu mets ta petite pièce sur Surgical, et puis évidemment on met tous les deux notre petite pièce sur Nems aussi, je évidemment, pense que c'est sans oublier Nems Sensei. Voilà, je pense que c'est les trois joueurs. Alors après il y aura peut-être une surprise hein. Peut-être que Royale ou Berin vont créer une surprise, mais voilà, l'Allemand qui a fait très bon match contre Surgical, effectivement il peut créer une surprise, il peut gagner, mais je le sens pas aussi solide. Rappelons quand même, ouais, qu'il a perdu contre Donkey, il a perdu contre Nems, quand même, il a perdu contre deux Français. Pas forcément les épaules pour ce tournoi, même s'ils ont fait des très belles games, ça c'est clair, ils ont fait des très beaux moves, des très belles games, mais on sent une légère expérience, alors pas du côté de Donkey, puisque comme tu l'as précisé, il est quand même nouveau sur la scène, mais cette surprise fait que finalement, il déploie un peu ses ailes et voilà, il est dans la compétition, il est présent et je pense qu'il a toutes ses chances. Ce qui est assez fou, c'est que Donkey Kong... Donc, il n'a jamais fait de tournoi, on le rappelle, commence sa carrière de tournoi par le plus gros tournoi. Ouais, en fait, c'est ça qui est juste hallucinant. C'est fou, comme tu dis, il est méconnu sur la scène Clash Royale, dans la compétition française ou internationale, et finalement, il arrive là, il arrive top 2, normal, dans le plus gros tournoi de Clash Royale jamais organisé jusqu'à présent. C'est absolument énorme. On rappelle, hein, 1 million de dollars de cash prize, tout confondu. Lyra vous a parlé tout à l'heure du cash prize donc pour cette zone U, mais c'est pas seulement ça, il y aura d'autres saisons, il y aura d'autres finales, etc. Imaginez-vous 1 million de cash prize, c'est beaucoup. Je crois que c'est enfin bon, on parle beaucoup des autres jeux, etc., même sur les autres jeux, c'est quand même énorme, un très gros cash prize. Pour un jeu qui a un an et demi maintenant, pour un jeu mobile qui plus est, les gens sont pas encore aussi fans du e-sport sur mobile qu'ils le sont sur d'autres plateformes, c'est quand même énorme, et on est très content que ça soit sur Clash Royale parce que ça nous permet de, voilà,
voilà, d'avoir des games très rapides, de commenter beaucoup de choses. Rien qu'aujourd'hui, on a commenté, je sais pas, au moins 25 games différentes. Donc voilà, c'est intense et je suis très pressé en tout cas d'être en phase 4 et de voir quel est le gagnant. Moi, je vais pour Donkey, elle va pour Surgical. Tous les deux, on va pour Names, mais n'oubliez pas, regardez, on a le drapeau français. Voilà, on a le drapeau ici, derrière moi, y en a etc. Partout, là. Voilà, il y en a partout et ça sera encore mieux. Vous le verrez la semaine prochaine. Écoutez, on va rendre l'antenne. Merci à toi, Lyra, d'avoir commenté avec moi ce match. Merci, enfin, ce match récapitulatif. C'était un grand plaisir. J'espère que ça vous a plu. Voilà, on vous a sélectionné ce qu'on pensait être les meilleurs games. Je vous rappelle encore une fois que sur la chaîne Clash Royale, vous pouvez retrouver toutes les rediffusions de toutes les phases des trois journées des phases 3, plus la rediffusion d'aujourd'hui, puis bien sûr aussi sur les réseaux sociaux Clash Royale. Voilà, oui, vous savez où se trouve toute l'information. Merci Lyra. Merci à toi Bosque. Et puis donc, on se retrouve très bientôt, la semaine prochaine, pour la grande finale de la phase 4. Salut à tous. We'll be right back.